Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Maglo le podcast, je suis Stéphane Mouisaki, je suis votre hôte et je suis encore une fois avec mes amis Rafik Joumi. Ah salut oui. Rafik. Désolé, <laughs> Mais non, Mais en faire encore avec une moi. fois, encore une Mais fois, t'es là C'est pas possible quoi. Et mon ami Julien Dupuis, ah. voilà, ouais. qui en fait a Décidé de ne pas parler ouais. aujourd'hui, c'est ça parce qu'il y a un bâtard en fait qui a dit un truc dans un commentaire il a dit que quelque le petit, part que le un moment dîner, bon parler trop et Rafik et Rafik lui a dit mais ça mais parce non, que non. Julien ne va pas, va pas lire les commentaires, <laughs> tu vois. Il pensait qu'il était aimé et adulé de tous, <laughs> et d'un seul coup, voilà. Donc, Absolument Julien, pas non plus, on lui a est Alors, autorisé à parler. On n'écoute pas avec, ce Charlot, on l'a perdu voilà. en plus comme à son fidèle à son habitude, il est arrivé avec ses 14 pages de notes, moins que ça d'habitude. Il a vu tous les films, c'est vrai. Ça, par contre, donc, c'est euh... là, si on, si on l'a perdu, non, franchement, ça ne vaut pas la peine de et, faire et un podcast. Plusieurs fois, j'ai revu des... des bouts de films, plus, ah, deux fois, plus trois fois, quatre donc, fois. Ouais. Est-ce que c'est vraiment dans le film, ça <laughs> euh. Mais avant de parler du sujet du jour, hein, mm. euh, puisque nous sommes quand même dans l'épisode 39, en fait, on va déjà remercier tous les tipeurs pour, euh, comment dire, enfin, tous les gens qui ont participé à la précommande en fait, du, euh, du, euh, du MOOC chez William Friedkin qui vient de se terminer. Alors, nous, au moment où on enregistre, on n'a pas vu le résultat final, mais on sait qu'on a déjà dépassé l'objectif des 100%. On est, je crois, Alain Mercier, je te, je te, je te présente aussi, hein, puisque tu es là avec nous, tu vois, à Tout la as technique, fait. à la production. Alain, bonjour. Sûr. Euh, nous sommes à 170%. 170%, ce qui est quand même pas mal. Hein. C'est cool. Euh, c est, c est, ouais. euh, voilà, ouais, merci beaucoup. Merci, ouais. nous, on est Nous, on se pose toujours la question, hein, quand on lance une campagne comme ça, on se demande si ça va marcher euh, euh, le sujet si les gens nous aiment voilà ouais. sinon mais si le sujet est, est suffisamment intéressant pour les gens aussi parce que mine ouais. de rien si t'aimes pas Fred King il y a quand même 80 pages de, de William Fred King dedans avec trois belles interviews euh, quasi exclusives hein, en vrai puisque euh, euh, par exemple toi ton interview Julien c'est une interview autour de Police fédérale Los Angeles principalement on est deux ouais ouais, ouais, ouais. ouais. et en fait euh, euh, la grosse en tout cas celle où tu étais le plus présent bah, et, les deux faisaient 40 minutes ouais. en fait j'avais un, euh, entre 1h20 et 1h30 avec Fred King et j'ai exploité à l'époque euh... En minutes, tout, euh, 10 minutes sur, voilà. les, sur, 7h, euh, sur 7h20, donc il voilà, y a des ça, restes, quoi. Voilà, il y a des très beaux restes, en fait, et ça valait quand même vraiment le coup de, de pouvoir publier ça. Quoi. Euh, voilà, il y a Rafik qui a un petit peu écrit aussi dedans, hein, euh, notamment sur, tu voulais faire un petit euh, euh, comment dire, euh, focus sur euh, Nightcrawlers. Oui, en fait, ouais, la avant, avant Fritkin, ouais. hein, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, on, on découvre Fritkin qu'à partir de, de French Connection, et en fait, il y a tout un avant euh, qui valait le coup... Euh, Surtout pour expliquer comment il est devenu le cinéaste qu'on connaît. Quoi, qu il ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu 18 ans de, de décès, on va dire, avant que Friedkin n'émerge. Voilà, donc là, on enregistre, on est fin février. L'épisode sort normalement vers la mi-mars. Hein, ça toujours, prend toujours un petit peu de temps parce qu'on fait quand même trois bonnes heures bien tapées au minimum, en général, sur un, sur un long podcast. Euh, donc, on n'a même pas encore le, le, comment dire, le MOOC entre les mains. Euh, mais normalement euh, les gens devraient commencer à le recevoir en fait euh, peu de temps peu de temps après la fin de la campagne voilà. donc c'est tout a été calé pour que ça se passe comme ça quoi. Euh, donc voilà donc on remercie encore vraiment beaucoup euh, et puis en fait on va bah ça, on peut le dire le fait que les gens nous aient soutenus sur ce projet là bah, ça, ça nous convainc de, de continuer. Euh, donc, on est déjà, on peut le dire, on est déjà, on est déjà en train, train de, travailler, de, sur le de prochain, voilà. travailler sur le prochain. De, on n'a pas de... encore le gros sujet parce que c'est toujours un gros sujet. Et, hein. ben, et puis surtout, on n'a pas encore décroché les, les, les interviews qu'on voulait. Euh, on en a, on a des trucs voilà. sous le coude, mais ouais. on, a, on en a d'autres qu'on voudrait faire aussi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on, est, on, on est parti sur un, sur un troisième volume qui sera peut-être un alors numéro. Techniquement, c'est le deuxième. Ouais. Tu vois, le premier, c'était le MOOC anniversaire, quoi, le tout premier. Quoi. Et effectivement, il y aura un, donc un deuxième numéro en 2024. Et si tout va bien, trois numéros en 2025. Quoi. Voilà. Mais bon, ça, on a le temps d'y revenir. Voilà. Vous, 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 vous et vous tout ça, c'est grâce aux contributeurs et Exactement. À, à tous les, à tous les soutiens. Ouais. Les contributeurs, les gens qui ont précommandé. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'on passe au sujet Ben bah oui. Voilà. Alors, on alors, on a voulait quand faire même, on a quand même une vidéo même un complète en, ouais. en un seul podcast. C'est pas mal. Il hein. mmh. faut, faut, faut y arriver. On, on, on commence à épuiser parce que mine c'est l'épisode 39. On a passé un an quand même à parler de Kubrick, hein, parce que c'est vrai que même s'il y a eu des espacements entre, entre les épisodes, entre les parties, c'est aussi parce qu'on bah, a mis en place le setup en fait, ici, que ça nous a pris du temps, etc., etc. Qu On qu'on a lancé une émission entre-temps qui est et Monster Squad avec Marie Cassabonne, qui nous a pris aussi du temps. Donc c'est un peu pour ça que tout ça c'est ça, ça un petit peu décalé. Euh, on fête nos dix ans cette année. Là. Ouais. ouais. Deux du podcast. Euh... Ah, du podcast Ouais, ouais, le 29 juillet. Mmh. Euh... <laughs> tu sais, le MOOC anniversaire mais, mais du MOOC, le vrai, mouc anniversaire, c'était ouais, euh, deux ans. Non, non, c'est les dix ans du podcast. On l'avait lancé en 2014, à l'époque, hein, avec euh, David Ogia. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, le tout premier numéro, c'était sur les Sentinelles. Oui, on avait ouais. invité euh, la... vrai, Julien un ouais, euh, Film qui ne s'est pas tourné, mais par contre, la série est en cours chez Canal+, quoi. Mmh. Sans euh, Julien. Mais, euh, mais voilà. Euh, il est, je pense, le gros initiateur de ce projet, même s'il il est parti en fait dans d'autres mains derrière. Quoi. Et c'est celui qui a mis le focus sur, sur ce, ce projet-là, sur cette BD, quoi. Mmh. une excellente BD française. Euh, donc ouais, c'est les 10 ans, ce que j'allais dire. Donc en fait, on, a, on va préparer normalement un numéro de 10 ans assez... Euh particulier pour nous on va dire mais en fait on vous laisse la surprise on verra parce que j'avoue que moi même on, nous mêmes on ne sait pas encore exactement ce que ça va être mais on est en train d'en discuter quoi et là on se dit bon on va prendre un réalisateur qu'on aime bien qui a une carrière assez courte euh, qu'on peut faire en une fois et c'est Alex Proyas voilà alors, alors, déjà un besoin. parce que moi j'ai décidé parce qu'il était ce grec. Que, que les... donc voilà. dit, on, va, on va le prendre voilà <laughs> égyptien mais, grec il y a entre les deux enfin, voilà. les, nos, nos, comme, comme tous les critiques je vais dire qu'on est des critiques euh, on a eu des, des mentors, et en fait, ne, ne, nos mentors euh, avaient cette expression qui était euh, les petits maîtres, pour désigner des réalisateurs des années 50-60, mm. qui finalement avaient fait un ou deux films marquants, mais dont la carrière était euh, relativement euh, suffisamment solide pour justifier qu'on les appelle des petits maîtres. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'Alex Proyas, on pourrait presque le considérer comme, comme ça, comme un petit maître. Il nous a par moments vraiment surpris. Et même si de temps en temps il s'est compromis dans des choses particulièrement compliquées, on y reviendra, on n'a on a jamais réussi à lui en vouloir euh, parce qu'il il reste animé d'une envie de faire des films. En fait, euh... Et puis c'est aussi, euh, enfin on va, on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi l'occasion de. Évoquer euh, toute l'école du clip, euh, qu'on finalement n'a pas beaucoup évoqué à capture. A un peu évoqué un, avec Michael Bay. Un petit peu avec Bay, mais, mais euh, je, je pense que euh, ça a tellement nourri notamment Stéroïde, enfin tous les films qui sont traités dans Stéroïde Vraiment, et tout. Ouais. Bon, C'est énorme quoi, ce qui s'est passé avec le film le, le, le dans les pas années 80. Et ça, et puis, euh, et puis je pense aussi que ça va nous amener sur des considérations sur l'état du cinéma aujourd'hui. Mmh. Sur ce qui est en train de fusionner, fin de, 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 de se préparer, de ouais. préparer, de concocter, de mijoter là, euh, qui peut être intéressant aussi. Est-ce que je te lance Rafik sur la bio parce que c'est Rafik en fait, tu as fait la bio de Frépkin dans le MOOC parce oui. que en fait tu fais la bio. Euh, je fais les, euh, ouais, euh, je, je, je fais, fais les bios ici. C'est ton, ben ton, ben 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 ton boulet, ben c'est ton ben fardeau. Ben c'est mon fardeau, mais j'avais qu'à naître en 1910. en fait euh, Du coup, euh, je l'ai bien connu Alex Proyas. En fait, il est né en, <rire> <rire> il est né à Alexandrie en 1963. C'était en septembre. Euh, d'une famille euh, d'origine grecque, donc de, comme Stéphane judicieusement noté, euh, dans, son, dans sa préférence nationaliste. Et Exactement, euh, pour ceci dit, sa mère euh, est J'aurais Chibri... pu choisir, choisir euh, Georges Miller, mais ouais. en fait, euh, <laughs> ceci ouais. dit, sa mère est ah euh, euh, tiens, ça alors. Et, 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 et moi, ma mère et aussi, est chypriote aussi, c'est quoi le problème T'as un problème, Rafik okay. <laughs> non, 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 j'ai un problème avec les Turcs, mais ça, on en reparlera. Et en fait, euh, il ne va pas vraiment connaître euh, l'Égypte, puisqu'il a trois ans quand sa famille émigre en Australie, euh, qui va vraiment être pour le coup son pays d'accueil, euh, et dans lequel euh, bah, il va découvrir, comme on s'en doute, des films euh, assez tôt et des, et des films qu'il n'aurait peut-être pas dû voir. Hein à un si jeune âge, et notamment lorsqu'un jour son père, sans même savoir ce qu'il allait voir, a emmené son fils voir Domina l'Odyssée de l'espace. Et ça, c'est voilà, gros choc. Il faudra un jour qu'on fasse un podcast sur Kubrick hein, avec Julien ouais, si ouais, possible, ouais, ouais, euh, pour nous parler de Domina l'Odyssée de l'espace, parce que c'est un film qui, je crois, a, fait, a pas mal essaimé. <laughs> euh, en fait, tout... tu serais pas critique, toi. Je <laughs> <Un rire> peu... suis que es critique. Ouais. Et... Et... et à partir de là, voilà, c'est le... il... Il, va... il va en gros choper le virus. Il y a certainement eu des tas d'autres influences. Ah, tu... C'est voilà. surtout que je crois que son père était assez cinéphile. Enfin, ouais. Il l'emmenait beaucoup au cinéma. Quoi. Et, et effectivement, donc, notamment, il l'a emmené voir 2001. Mais je crois qu'il avait 7 ans, 8 ans, un truc comme Six ça. 6 ans. 6 ans, carrément, ouais. Ouais. Il n'a rien compris. Il posait des mais questions tout le temps, évidemment. Mais il a été C'est ouais. ouais. ouais, vrai que ça l'a profondément bouleversé. Quoi. Et surtout, ça l'a conduit aussi à, à très jeune, euh, 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 se, se plonger dans la littérature de science-fiction. Hum. Euh, puisqu'il n'y avait pas il y avait pas grand chose en fait dans ce genre-là euh, en tout cas dans les années 70, quoi il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en termes euh, audiovisuels c'est-à-dire mmh. en termes de cinéma de séries et tout quoi c'était quand même assez, assez pauvre à ce niveau-là donc je pense que c'était aussi un palliatif mais sa famille était très pauvre aussi ça je pense que c'est important aussi de le signaler Pryas vient d'une famille qui, vraiment ils n'avaient pas beaucoup d'argent du tout quoi enfin c'était des immigrés récents, euh, voilà, c'était pas facile, quoi, par y a une grosse communauté jours. grecque hein, en, en, en Australie, quoi. Ah, Georges Miller, ouais, ils sont moins <rire> deux. <rire> non, non. non, non, mais c'est vrai, c'est un truc qui est connu aussi. Ouais. Mm. Mm. Et c'est une famille donc qui a, qui a pas beaucoup d'argent et tout, mais euh, donc il y a déjà ce père qui l'emmène euh, au cinéma et le truc c'est que très jeune il lui paye une caméra super vite, ouais. ce qui n'était pas euh, forcément euh, acquis pour, enfin, euh, c'était pas donné, quoi, en fait. Euh, à, à, dans les années 70, finalement, avoir une caméra super 8, euh, pouvoir se payer de la pellicule, euh, se payer le développement, ouais, enfin le développement, bon, était compris bon 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 dans, dans montage, la pellicule, souvent, mais ouais. bon, c'était euh, il a eu 10 ans, je crois. D'ailleurs, il, ouais. il faisait chier un peu de tout son entourage en fait pour, euh, comment dire, euh, pour apparaître dans les films, ce qui fait que tout le monde en a fini par en avoir marre, et c'est pour ça qu'il s'est un petit peu passé, euh, il est un peu passé à l'animation, apparemment, voilà. dans ses courts métrages. Et, euh... Donc, voilà, donc c'est vraiment un truc qui va, qui va l'obséder pendant. D'années qui va évidemment intégrer bah, ce qui est pratiquement la seule école de cinéma à l'époque en... en Australie, qui est donc l'Australian la Film Television and Radio School. Euh, euh, il va mentir sur son âge, euh, donc il va intégrer l'école alors qu'il n'est pas encore majeur. Il a 17 ans. Euh, je crois, alors je ne sais pas s'il fait partie de la même promo, mais en tout cas, euh, il, va, il, va, il va côtoyer euh, Jane Campion et Justin Moore House. Euh, de, de, qui, sont à, qui vont être les deux premiers noms à émerger de, de cette école-là. Et il va notamment travailler avec Jeanne Compion sur deux des court-métrages de Jeanne Compion qui sont A Girl's Own Story, euh, pour laquelle il, euh, il compose une chanson. Parce que, oui, on ne l'a pas dit, mais <coughs> durant son adolescence, il a aussi beaucoup fréquenté euh, la scène musicale australienne. Ouais, et ça aura son groupe. importance ouais. euh, euh, par la suite. Et, euh, et concernant Jeanne Campion, euh, il assure il a le poste de photographe sur Passionless Moments 1983. Je, je n'ai vu aucun regarder. des deux. Ouais. C'est pour ça que tu regardes tes antécédents. Oui, j'ai vu aucun des, aucun des deux. Je ne peux pas dire que je sois un, un, un fan hardcore de, de Jeanne Campion. Mais j'aime bien, hein, j'aime bien. Et Jocelyne Moura aussi, elle avait fait des trucs intéressants à l'époque. Elle avait un peu, un peu disparu d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais elle, elle, a un, elle a un truc de. Enfin, ils ont un truc, je trouve, en, en Australie en Nouvelle-Zélande, d'une façon de filmer euh, qui est quand même spécifique, je trouve, à ces, ces pays-là. Et même chez Jane Campion, c'est peut-être moins marqué que chez, chez d'autres euh, cinéastes, mais tu as quand même des, une, une prédisposition à utiliser beaucoup de focales très courtes, euh, mmh. quitte à déformé un peu les visages, euh, avec des mouvements assez, euh, assez violents, assez véhéments, une mise en scène, on va dire, frontale, quoi, euh, qui s'inscrit vraiment dans la comment dire, dans l'espace, dans la dimension de, 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 de l'espace et tout. C'est assez marrant en fait, d'observer ça. Ben, oui, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais été en Australie, mais j'ai l'impression que c'est un pays qui est très dans, dans la perspective euh, horizontale, quoi, euh, qui t'invite du coup à filmer euh, en, entre guillemets en large et justement avec une grande profondeur de champ, d'où les, les courtes focales. Euh, bref, et donc, c'est à partir de là qu'il va... Euh, développer des parce qu'il a déjà donc fait pas mal de, de, de petits cours euh, à, à, avec, euh, avec avec ses propres prix. moyens et euh, mais c'est en 1980 qu'il va donc réaliser euh, Grouping euh, qui est un court métrage qui va être très très remarqué euh, et qui va vraiment le, le lancer directement Julien aime bien Grouping. non c'est super Grouping est... vous pouvez le trouver assez facilement sur euh, sur internet euh, c'est euh... alors je crois que c'était plus ou moins adapté d'un fait divers euh, sordide en fait qui avait eu lieu en Australie peu avant, enfin, en gros, c'est une, une femme qui se fait agresser de nuit alors qu'elle déambule dans, dans une ville. Alors je vous raconte ça comme ça, bah c'est juste, il euh, y a un petit côté presque irréversible hein, là-dedans. D'ailleurs, c'est très euh, cru. Hein. L'histoire basiquement se, se limite à ça, sauf que tout le, 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 le cours est fait en pixilation en fait, C'est-à-dire en animation avec des personnages. Et du coup, ça donne une. Alors c'est pas vraiment toujours de la pixilation, mais en tout cas, il y a une volonté de déformer le temps. Euh, donc, de, de retranscrire un truc qui est profondément euh, malaisant et dans un contexte euh, très réaliste, c'est filmant en corps naturels, etc. et tout, mais en déformant euh, cette réalité par des moyens purement euh, cinématographiques. Et, euh, et c'est une expérience, quoi, Vraiment, quoi, c'est vraiment un truc euh, très, euh, très étonnant. Bon, y a des, évidemment, tu peux pas t'empêcher de, de, de réagir face à l'obsession qui est déjà là de Proyas de la vie nocturne et euh, sur en particulier de la, de la cité euh, vide euh, de nuit etc je je, je l'ai jamais entendu en parler mais je pense que c'est un mec un gros noctambule quoi. Euh, ça me semblait une évidence bon, c'est évident que ce mec là il s'est baladé euh, dans des grandes villes à, à 4 5 heures du mat en fait, quand tout le monde dort et que tu as l'impression d'être seul au monde enfin, je veux dire, tous ces films sont, sont portés par ça quoi. et donc c'est une radicalité c'est une vraie expérience de cinéma je comprends en fait, qu'un court métrage comme ça euh, qui a choqué hein, quand même malgré tout l'émis mis aussi euh, et contribué à, à le mettre euh, sur la voie du professionnalisme en fait en tout cas il y a, a quelqu'un en fait qui est derrière la caméra c'est une évidence quand tu vois ça quoi le court voilà il a remarqué évidemment en Australie à Sydney mais aussi à, dans des festivals à, à Londres ça. Euh, et ça, ça, ça va le convaincre de, de lancer sa propre société de, de, de prod qui s'appelle Meaningful Eye Contact euh, et c'est je crois avec cette sous-label de cette société qui euh, fait son deuxième euh, court-métrage euh, Néon euh, qui, sort, euh, qui est de la même année euh, de 1980. Toujours est-il que, bon, en gros, il arrive à, sa, à la fin de ses études et il euh, n'y a pas de débouché. Le euh, mmh. cinéma australien à l'époque, bon, effectivement, il euh, y a Mad Max qui, euh, qui a été la grosse surprise de, de, sur le marché international, mais en dehors de, voilà, man... de ça, c'est genre. Mais euh, que, que... Qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays si ce n'est éventuellement de la télévision Oui, c'est ça. Par contre, on l'a dit, il a beaucoup fréquenté euh, la scène musicale. Il, il connaît plein de gens qui, qui tournent dans des groupes. Euh, et ces gens-là, ben, au début des années 80, c'est l'arrivée de MTV. De la vidéo, voilà. en fait. Et en si gros, gros voilà, ouais. si tu as envie de faire exister ton groupe, tu es obligé de passer par l'image. Hum. Et c'est là où, effectivement, le, le talent d'un Proyas va, va, va s'avérer euh, un hum. atout redoutable. Avec une, comment dire, toutefois, une. une une chose importante à marquer c'est que en fait pour beaucoup les vieux groupes les nouveaux groupes en fait avaient une tendance à considérer que c'était euh, dire effectivement euh, le, 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 le médium qu'il fallait aller utiliser mmh. quoi et les vieux groupes comprenaient pas trop qui fait que des mecs comme Proyas justement avaient une espèce de, de latitude totale, y compris en fait avec les maisons de disques. Et à cette époque-là, il faut le préciser parce que ça a quand même beaucoup changé derrière. Ah bah, c'est clair que on, on fera peut-être un jour une émission entièrement consacrée aux heures glorieuses du vidéoclip. Mais c'est vrai que ce qui a fait du vidéoclip un impact délirant culturellement parlant, c'était que, que justement les maisons de disques, bas, basiquement, lançaient du pognon ça. sans savoir euh, bah, qu'est-ce que les mecs allaient faire, quoi, et qu'il y avait une, une liberté démente qui était offerte. Alors, c'est pas Proyas qui en parle, mais c'est son directeur de la photo de Vecro, là, son nom m'échappe. Dariuszowski. Oui, Dariuszowski, voilà, c'est ça qui a, il a commencé. Bon, on, a, on arrive un peu vite en besogne parce qu'on n'a pas parlé du passage de Proyas dans l'animation. Je pense qu'il faut quand même l'évoquer rapidement. Mais Dariuszowski euh, mais, raconte qu'à euh, qu l'époque du, du, du clip vidéo, en fait, Souvent, les maisons de disques demandaient de faire des prix supplémentaires, etc. Et ils venaient avec des mallettes, avec plein de pognon en fait dedans. et ils, ils distribuaient du liquide comme ça. Enfin, c'était vraiment il y a un truc de far west total. Et, un, et effectivement, un endroit un creusé en fait pour que des jeunes cinéastes puissent se faire leurs dents. Avec en prime une, une recherche qui a été longtemps regardée d'eau mais moi que je trouve finalement très noble, c'est celle du, du plan qui tabasse mmh. <laughs> C'était c'était le but quoi. C'est-à-dire qu'il fallait faire des trucs qui, qui aient de la gueule qui soit impactant euh, et, euh, et, 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 et c'est quand même en tout cas, pour des aspirants cinéastes, Bien qui sûr. veulent raconter plus tard des histoires avec tout ça. C'est en... génial, en fait, d'être de, 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 dans ce, ce et notamment ce en, en ressuscitant, en, en ressuscitant toute une école esthétique qui avait un peu disparu. C'est ça. Euh, ah, -à beaucoup, que, ouais. bah, les 70's, euh, voilà, le filmage chez 76, il était assez particulier. Et effectivement, avec le avec le clip, tout d'un coup, tu te retrouves avec de l'expressionnisme allemand, tu te retrouves avec euh, du, du Bobbie Berkeley, hein, parfois. Du, voilà, du Bobbie Berkeley, tu te retrouves Alors, avec jour, euh, du jour souvent. Tu te retrouves Bien avec sûr, euh, non, mais tu te retrouves avec du montage euh, soviétique. Enfin, tout d'un coup, tous ces gars qui sont des cinéphiles, qui évidemment sont en train de découvrir le cinéma pour certains, ils sont euh, impactés par des, des, des trucs très anciens et ils peuvent le faire littéralement le week-end même euh, dans, dans, dans un vidéoclip. Déjà, les clips de, de Proyas à l'époque, c'est toujours sous influence. Hein, bah, euh, ouais. et tu, tu, tu parles, on parlait de dans cas, par, par exemple, dans, dans le clip qu'il avait fait pour euh, Sting, là, All the Time, euh, euh, Alex Proyas. C'est Très clairement, alors c'est pas du Busby Berkeley, mais c'est très clairement de la comédie musicale des années 50-60, enfin en tout cas avec les couleurs qui, qui, qui dégueulent et tout. Alors à la, à la Société, hein, mais avec ces euh, décors assumés comme artificiels, euh, ce côté extrêmement policier. C'est all the time. Cet, euh, hein all the time, time ouais. ah, c'est début des années 90. Non oui, mais peu ouais. importe. Enfin oui, oui, voilà, c'est juste, euh, c'est sa carrière de. Ouais. de, de non, est-ce qu'on est allé quoi. un petit peu en. Oui, oui, oui. non, parce qu'avant d'arriver dans, dans le clip vidéo. On a la parole maintenant du coup, oui. mais tu veux peut-être continuer hein. non, 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 avant ouais, d'arriver euh... dans le club tu parlais de, de l'animation. En fait, il, il a, oui. en sortant de l'école, alors c'est pas très important parce qu'il a été juste cleaner en fait dessus, mais il a un petit peu travaillé quand même dans le cinéma d'animation, en proyas comme le disait Stéphane tout à l'heure, ça faisait partie de son expérience de cinéaste amateur ou aspirant cinéaste quand il avait, il avait la super 8 et tout. J'en ai parlé tout à l'heure pour ce, pour son court métrage, pour Gropping, en fait, c'est, c'est, la même chose finalement l implication, c'est aussi de l'animation même si c'est hybride, quoi, si on, on, on est entre deux. Et donc, il va travailler un tout petit peu donc, dans, le, dans le cinéma d'animation en, en, en tant que cleaner sur du, de l'animation 2D. Mmh. C'est-à-dire il, il avait les, les cellulos et il devait les cleaner, en fait, ils étaient déjà animés, en fait, et lui, il devait définir la, la ligne claire, en gros, qui allait permettre, en fait, après de passer à la couleur, etc. C'est une, une étape, mine de rien, que je trouve assez importante parce que... C'est ça aussi, Proyas, c'est que comme tous ces mecs de, du vidéoclip et de la pub des années 80 et début 90, c'est que très vite, il va devenir un, un, un excellent technicien. Alors, c'est pas toujours sensible finalement dans ses films, on va dire ça comme ça, mais en même temps, il a une, il, a une, il est à l'aise avec ça. Quoi. Il va vraiment le pousser quoi, sur plein d'aspects. Mmh. Donc, du coup, sa carrière de clipper va très vite vraiment le faire décoller sur un, un plan international. Il y a une ah bah, forte un demande. Clip. Un clip qui il euh, y a une forte demande à l'époque. Mmh. Euh, Quoi le euh, clip C'est Crowded House, Don't Dream Is Over. Mmh. Et en fait, ce qui est marrant, il faut juste qu'on s'attarde un tout petit peu dessus. Je vais pas couper la parole. Non, non. Mais euh, la, 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 en fait, ce qui, a, ce qui est marrant, c'est que c'est un clip qu'il a tourné euh, en Australie encore et tout avec c'est pas beaucoup d'argent et tout. Mais pour Proyas, à l'époque, c'est euh, presque un proof of concept de, de, de Dark City mmh. déjà. Mmh. C'est-à-dire qu'il a déjà Dark City en tête. Et, euh, et alors quand tu vois le clip, tu te dis mais c'est où ?» ouais. Alors sauf que déjà là dans la chanson il y, y a un truc qui peut euh, être déjà apparenté euh, à, à Dark City, même si elle est assez soft, elle est, elle est très cool en fait cette, ce tube là. Hein, mais vous le connaissez tous, hein, c'est un tube énorme. Hein. Et, euh, et euh, mais et visuellement en fait il y, y, y a un truc de pas forcément de télékinésie, mais il enfin, y a un petit truc comme ça quoi, voilà mais c'est très solaire, c'est très c'est pas du tout euh, euh, comme Dark City quoi mais il n'empêche quoi voilà, se, il avait déjà cette idée de Dark City il, allait il devenir Dark City est, il est c'était à place euh, c'était comme ça c'est marrant quand même de le, se dire il, ça. il écrivait déjà à l'époque puisque donc effectivement à la, à la fin de ses études il avait réalisé que ben, qu'il n'y avait pas d'industrie euh, cinématographique euh, en, en Australie et que basiquement pour, un peu comme en France si tu voulais pousser tes projets, il fallait les, il fallait écrire euh, euh, et, euh, et donc, il, il, a, il prend l'habitude d'écrire dès cette époque-là. Donc, à l'époque où il devient euh, Clipper, est, il est aussi déjà euh, scénariste, même si pas encore, euh, pas encore affirmé. Euh, et euh, et c'est évident que qu'un projet comme Dark City, oui, euh, prend sa source déjà, déjà à l'époque. Ne serait-ce que dans cette, <coughs> cette fusion de euh, d'influences pour mmh. créer, pour créer un univers. Immédiatement euh, identifiable euh, à l'image. J'aimerais juste me citer un film qui, euh, on, a, on y reviendra probablement dans d'autres émissions, mais qui a été vraiment euh, déterminant pour moi dans, euh, dans l'école du vidéoclip des années 80. C'est un, un film de Coppola qui est probablement le moins vu des films de Coppola, euh, qui cœur. est Coup de cœur. Mmh. Euh, et Coup de cœur, c'est vraiment la matrice. Du, pour moi, hein, en tout cas, du cinéma et de la pub des années euh, des années 80. Le nombre de fois où ce truc a été pompé, c'est hallucinant. Euh, si vous avez l'occasion, jetez un œil dessus. C'est un des plus gros budgets de Coppola et ça a été aussi son plus gros échec. Euh, mais c'est bourré d'idées de mise en scène, de, 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 de plans séquences ahurissants et d'une façon d'utiliser le décor qui va beaucoup faire école et notamment donc chez les chez les, chez les Clippers. J'en je, parle parce que je, bizarrement, moi, j'ai toujours vu du coup de cœur. Dans un film comme Dark City et même un petit peu dans, 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 dans The Crow, dans la façon d'utiliser ouais, le décor en fait, et les mouvements de caméra dans, dans, dans qui... le décor. Ce qui est certain, euh, c'est en ouais. fait, il y, a, il y a cette notion, il faut le préciser quand même. Tu parlais du fait qu'ils deviennent scénaristes, mais il y a toujours eu une espèce de volonté dans ces clips de raconter des histoires. C'était le cas dans automatiquement... presque tous à l'époque. Hein. Même Russell Mulcahy, il était un peu, un peu dans cette. Ah non, on a... Ah, ah, parlé, alors mais voilà, Arnaud te dirait qu'on dit Russell Mulcahy. <laughs> voilà. Mais non mais Roussel, euh, et ça Roussel, aussi Roussel. Je, non mais Russell Mulcahy, il faut en parler parce que c'est quand même c'est un modèle pour pour cette génération oh, euh, bah... genre, le, le type fait un long métrage dès, euh, avant avant le milieu des années 80 quoi et, et, et son australien il est australien si, il est Austra... bah, justement voilà il, de... pas il devient il devient un clipper hyper de demandé il fait Razorback qu'il fait découvrir sur la scène internationale il scène et il enchaîne avec Highlander Razorback et Highlander même si ça a été un échec <laughs> okay. euh, même si Highlander a été un échec au box office on sait que culturellement, ça a été hyper... Ah, impactant. Vrai, ça, a été, ça a été un échec au box-office américain. Est-ce que dans le reste du monde, ça a marché en France. en France. En France, en Angleterre. Ouais. Un en Angleterre, carton, ça a marché ouais, aussi. Carton, Moi, j'ai l'impression qu'il y avait qu'en France que ça avait oh, marché à l'époque. En tout ouais. cas, bon, le fait est que culturellement, de toute façon, c'est un, un marqueur important. Et donc, pour ces gars-là, il y, y a aussi cette idée que, bah, en fait, oui, le, le clip va nous mener euh, à, à, à ça. Et, et je pense qu'il va pas lâcher l'affaire. Parce que, donc, on, on, voilà, je ne sais pas si on avance un peu. Euh, parce qu'on va quand même falloir qu'on attaque un peu la filmographie, mais ça ça va le mener chez Propaganda. Voilà c'est ça. Voilà. Bah, de toute façon en fait à part... Alors, de ce que j'ai compris c'est à partir du moment où il a eu un agent euh, aux États-Unis grâce à ce, à, à ce, ce clip euh, de Crowded House, il, 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 il a un agent aux États-Unis très très vite en fait il va intégrer euh, Propaganda qui était enfin, c'était je crois qu'il faisait plus d'un tiers des, des... Des, des clips euh, au monde, des produits au monde, et surtout un truc, voilà. Monstrueux en fait à l'époque. Et, et, et ils commençaient à, déjà à l'époque, à la fin des années 80, à décrocher les plus gros contrats publicitaires aussi. C'est ça. Euh, et, et donc, du coup, voilà, on, pareil, on ne fait pas une émission sur propaganda, mais je, bon, on peut citer quelques noms qui ont bossé chez bah, eux. Lui, Croyas voilà. fréquente beaucoup Fincher par exemple. Il y a Michael Bay, il y, y, Fincher, beaucoup, Fincher, ouais. y a Michael Bay. Deux noms principaux quand même, en fait, dans cette écurie quoi. Spike Jones, enfin, il y a quoi. C'est ça. Donc ça a été quand même d'une certaine façon une forme, une forme d'école. Euh, L'école des surdoués de, de, de l'époque. Et... Et, et avec des budgets suralistes. Enfin oh. c'est ça aussi qui est intéressant chez Praya, c'est que c'est un mec aussi qui va beaucoup batailler avec ses, ses limites budgétaires dans ses films à venir. Et euh, quand il fait, il, il a fait notamment une pub pour pour Nesti euh, qui fait beaucoup penser à, à un peu du Terry Gilliam, un truc comme ça, quoi. une pub euh, non, le, le plus dingue c'est la pub qu'il avait faite pour Adidas. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu quoi. C'est euh, un, un... un mec qui est enfermé comme ça dans une espèce de, de monde futuriste. C'est aussi très proto euh, Dark City en fait comme truc et qui se libère. Enfin c'est euh, truc bah, classique bah, bah. quoi. Et à la fin il court dans un paysage plus désertique en fait. Il s'évade comme ça de tout ce truc. Voilà. Et, euh, et, euh, et il avait des, des budgets mais enfin n'était pas illimité mais c'était monstrueux quoi, ce qu'ils avaient comme comme pognon à l'époque en fait dans les années euh, c'est un truc qui a complètement disparu le clip vidéo a beaucoup euh, Enfin, périclité périclité quoi aujourd'hui. Hein, Donc ça on, a quand on, même vachement on rappelle, euh, en dehors de et... Cronenhaus aussi, fait en, en Australie, il a bossé avec INXS Et, et sur ensuite euh, sur la scène non. internationale, là c'est carrément des euh, Michael Field, euh, U2 ça. Euh, Joe, euh, Joe, Cocker, non, 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 euh, Joe Jackson, Joe oui, Jackson, Joe Jackson. Euh, etc. Et pour ce qui est de la pub, quand, une fois qu'il arrive chez Propaganda, c'est carrément de, de Nike, de Nissan. Ouais. Enfin, voilà, c'est des très très gros contrats. Quoi. Sur toute une bière, là, une marque de bière, je me rappelle plus, mais il a fait une grande, grande campagne pour eux en fait, qui, qui pastichait, euh, les, les, euh, qui revisitait l'histoire des États-Unis en fait à chaque fois qu'il la réécrivait en fonction de ça et tout. Mais c'est, je trouve que Pryas tu le reconnais beaucoup. Alors, dans ses clips, c'est pas, pas toujours le cas, mais en tout cas dans ces, dans ces pubs, je veux dire, c'est assez évident que j'ai pas vu toutes ces ouais. pubs. Hein, ça c'est, c'est certain, mais. Tu vois, tu vois vraiment clairement le mec. Quoi. Et il a fait aussi euh, des mini-mini cours euh, pour MTV. Euh, alors je sais pas si c'était dans le cadre de Liquid TV, puisque MTV avait, avait cette, cette émission qui s'appelait Liquid TV, qui était un truc ahurissant <laughs> à l'époque, où en gros tout ce qui se faisait d'expérimental en animation, euh, les trucs à la Blinton ouais. et tout ça, c'était chez eux. Et il y avait parfois des, des, des shorts d'une minute. Euh, J'ai vu qu'il y en a un, un qu'on peut trouver sur YouTube qui s'appelle Eyeball. Euh, qui est un truc bah, pareil, hyper expressionniste, avec plein de jungle dans tous les coins, avec un, voilà, avec un, un, un œil qui se balade, euh, avec un mec, un mec qui court après. quoi euh, Bref, donc voilà. Un, un, la, la vraie culture des faiseurs d'images des années 80-90 et donc qui culmine avec, avec propaganda. Et ça, propaganda, du coup, au tournant des années 90, ils se mettent à la, à la production de films ils vont produire les, les John Dahls. Euh, da da David Lynch voilà avec salaireula euh, et, euh, et ils ont cette, euh, ce désir en fait de faire de leur, euh, de leur écurie euh, la nouvelle génération de, de, de filmmakers donc ils hein, vont ouais. un peu pousser aussi ça va ça il, il a le vent, le vent dans le dos à ce moment là Tout, toutefois en fait lui ne, 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 ne va pas travailler sur une production propaganda au cinéma son premier film c'est à la base c'était un moyen métrage hein. Euh, c'est comme ça qu'il l'a envisagé euh, C'était oui, enfin c'est comme ça qu'il l'a écrit en fait. C'est euh, euh, c'est un film, euh, en fait c'est un clip à la base. En fait, je pense qu'il faut commencer par là pour une excess euh, qui était énorme. Enfin je veux dire c'était parmi les plus grosses stars euh, de de l'époque. Ouais, et ouais. et euh, c'est donc il a il était allé tourner un clip euh, euh, dans le en, en Australie et euh, à Broken Hill en fait, enfin, dans les environs de Broken Hill. Donc c'est quoi euh, alors c'est pas désertique mais c'est ces grandes plaines pelées en fait qui euh, semblent infinies euh, voilà et euh, c'est qui euh, se veut dort si vous voulez voir il est pas génial le clip tu l'as vu non ce c'est pas super en fait c'est pas très inventif c'est un peu répétitif et tout quoi mais euh, mais par contre Priya se racontait que c'était très bizarre de se retrouver isolé en Australie avec euh, comment s'appelait j'entends like ouais, des avec voilà, c'est ça et, euh, et euh, il y raconte comment ils sont rentrés dans un pub un peu miteux en fait un, et qui est deux meufs qui, qui ont reconnu, qui, qui l'ont reconnu et d'impression, elles avaient l'impression qu'il y avait Jésus qui tombait du ciel, quoi. Bref, et ça euh, il, il est assez drôle euh, à Express quand il raconte ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que euh, les, les, la, 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 les managers en fait de NXS, savent que le chanteur veut faire du cinéma, en fait, veut, veut commencer à jouer au cinéma et tout. Et ils lui disent, en fait, après, tu pas un projet, mais ça se fait de façon très informelle, app apparemment, quoi. Et euh, il leur envoie un traitement, enfin, un scénar' qu'il a, mais pour un moyen de métrage, effectivement, qui, je crois que c'est 45 pages, un truc comme ça, quoi. Qu il a. cité le titre. Oui. Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud. Gremlins of the Cloud, ouais. Et, euh, et donc, il leur envoie ça. Déjà, et le vrai, titre y... est long. Ouais, ouais. Et, le, et, les, et les, les managers, ils disent, euh, ouais, OK, vas-y, fais-le il leur dit mais c'est pas du tout un scénario de long métrage Moi, je vous ai... ils n'en avaient Juste... même pas conscience en voilà, ils n'avaient même pas conscience de ça en fait ils étaient complètement paumés quoi les mecs et en gros alors ça s'est pas vraiment fait avec eux mais ça s'est fait quand même avec leur argent il a fini par tourner à Broken Hill et avec aussi une partie des résidus du budget du, du clip hein. euh, c'est encore une fois c'était des, des sommes telles en fait que les mecs ils géraient pas tout le temps ou allaient pognon etc donc il y a une partie du clip qui a de l'argent du, du budget du clip qui a servi pour, pour, pour ce film il a eu de l'aide aussi un peu de l'État australien, quoi, qui euh, l'équivalent du CNC local, on va dire ça comme ça. Et euh, donc il a, mont... il, a, il a il a il a tourné ce petit film qui est en 16 mm et qui est tourné littéralement avec rien. Hein, et ça devait être avec Michael Hunchens. Oui, c'est avec lui. Oui, oui, ouais. oui j'ai pas été. Parce que en fait, justement, c'est à ce moment-là, en fait, où Inexcess est devenu un, un, vraiment un groupe extrêmement connu. Mm fait que lui il est parti dans d'autres sphères mm. et le film ne s'est pas fait avec lui, ce qui est d'ailleurs en fait assez étonnant parce que 1901 ça serait devenu, enfin, on sait que Michael Ches en fait s'est suicidé une dizaine d'années après, ce mm. euh, serait devenu un film un peu culte, un peu plus culte que ce qu'il est vraiment en fait euh, aujourd'hui quoi. Mm. Euh... Alors, tu peux le voir hein, quand même. Il est sorti oui, chez oui. Le Chat qui fume. Bah là, par il est, exemple, est sorti chez Chat qui fume en, en Bloré, France, mais bon, ouais. pendant des années. Ouais. Moi, par exemple, c'est un film que j'ai cherché à voir quand j'étais beaucoup plus jeune. Je l'ai mmh. découvert là hein, ouais, pour, pour le ouais. podcast. Ouais. C'est un film que j'ai cherché à voir quand j'étais plus jeune, justement, en fait, quand j'avais découvert The Crow. Ouais. Et, euh, et en fait, c'était quasiment invisible. Invisible. Il y ouais, ouais. une VHS quelque part. Et, et même, même Prayas lui-même, il n'en parle pas beaucoup non, ouais. dans ses interviews carrière ou quand on, même quand on lui pose des questions dessus. T'as l'impression que c'est un peu un non-événement, mais c'est ce que le film. Moi, je trouve que le film. C'est ce qui ressort du film lui-même, c'est-à-dire que l'impression que c'est un peu une expérience. Déjà, que... Déjà, ça parle de quoi ah, ah, Ça, bah ça, ça c'est très compliqué, en fait, Raph. Ouais. En gros, c'est un étranger le... dans la Outback australien. Bah, tu euh... sais même pas si c'est vraiment la Outback australien. Bah... Techniquement, tu pourrais, tu sais pas si, alors si parce que ça peut être à la fois ça, à la fois en fait le. C'est un monde post-apo. Ouais, c'est plutôt un ouais. monde post-apo, surtout avec le générique d'ouverture. Ils ont tous des accents australiens. <laughs> en tout ouais, cas. Mais, mais, oui. euh, mais euh, et en gros qui, qui débarque en fait dans une ferme euh, pas abandonnée puisque en fait en gros c'est vraiment une ferme perdue au milieu de nulle part avec un frère et sa sœur. Hum. Euh, le frère est dans un fauteuil roulant. Euh, c'est euh, un bricolo inventeur plus voilà, ou moins. qui quoi. en fait euh, lui sort des plans. Euh, euh, c'est pour ça que ça fait penser effectivement un peu. Euh, au côté post-apo, c'est qu'il lui sort des plans à la Léonard de Vinci, si tu veux, où il lui... Euh, Ou même bien. le générique d'ouverture. Ouais, mais euh, ce que je ouais. veux dire par là, si tu veux, c'est que normalement, en fait, euh, tu es censé euh, es censé savoir ce que c'est un avion, en mmh. fait, si tu veux. Et là, les mecs découvrent avec les plans, en fait, qu'ils peuvent créer un avion et s'envoler, et partir de là où ils sont, quoi. Mmh. Et euh, lui veut partir, d'autant plus qu'il est dans un fauteuil roulant et qu'il euh, voilà, est bon, coincé là où il est. Et en fait, sa sœur, euh, qui est complètement illuminée, en fait, ne veut pas, euh, ne veut pas partir parce qu'elle a fait une promesse... À leur père qui Alors, les a voilà. laissés ici, quoi, qui est a, qui a enterré, en fait, de, 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 de s'occuper de lui, de s'occuper de sa, sa, sa Et clair, le mec quoi. est poursuivi par trois étrangers voilà, des, qui... qui sont plus des, des silhouettes qu'autre voilà, chose, d'ailleurs. Qui, qui, voilà. qui tardent à arriver. et tout. En fait, le film euh, ne raconte pas grand chose. Quoi. C est, c est, le, ça dure 1h40. Le, le, le truc, c'est que là, le mec, en l'occurrence, il veut construire son avion. C'est le seul truc que tu pas dit, euh, Steph. Parce oui, qu'il voilà. y a une paroi rocheuse en fait, euh, qu'il faut réussir à surmonter voilà, qui, et qui les bloque dans cette. Euh, dans cette espèce de no man's Land. Quoi. Et, euh, ouais, et le film ne raconte pas grand-chose. Les personnages ne sont pas spécialement attachants. C'est peut-être l'inventeur qui est le plus attachant. Et encore, je suis... bah, je tu... pas... Ils ne sont pas attachants, mais tu les... en tout cas, lui et sa sœur, tu les, tu les, tu identifies. les identifies parce ouais. que la sœur, elle est un peu... Euh, comment dire, euh... Ouais, mais moi j'ai du mal avec elle. C'est bah, donc un, un court métrage plus, 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 étalé ouais, hein, est 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 sur 1h40, ouais. avec des comédiens pas toujours euh, au, très, top. Euh, au top. quoi euh, avec toutefois une imagerie assez euh, comment dire, prégnante, hein, mine de rien. Parce ah oui, que, oui voilà, alors par ça, contre, euh... bah, c'est le truc, c'est que. C'est pareil, moi je trouve ça un peu répétitif. C'est-à-dire qu'une fois Bien que sûr. tu t es, t es, t as compris que tu avais des, des plans extrêmement larges, extrêmement amples, quand tu à l'extérieur et que quand tu à l'intérieur, c'est très confiné, avec encore une fois, donc ces focales très très courtes qui déforment, qui sont avec les personnages, qui sont filmés très près, puis des intérieurs déjà encore une fois très enfumés. Enfin, c'est vraiment un film de son époque hein, aussi. C'est très ça, monomaniaque. C'est, faut le dire quoi. -dire, tu peux pas. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à, je sais pas, le souffle du démon. Enfin tout. Chérie 2000, Non mais il y, y a tellement. <laughs> bah, surtout Chérie demi, ça raconte quelque chose. Il y a, il si tu veux, il y, y, y a quand même uh, une espèce de vague comme ça de de, 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 de films, euh, bah, quand même de clipper et tout quoi. Mm. Tu vois qui. qui euh utilisent des expédients optiques. Après, moi, je trouve que le, le problème surtout avec, enfin, euh, c'est pas un problème, mais c'est que il y a une promesse au début avec ce générique d'ouverture, c'est qui est donc une, la longue déambulation de, de l'étranger euh, au milieu de décors constitués avec des, de la perspective forcée, je pense. Enfin, et donc, il traverse des trucs. qui qui sont des résidus de notre société parce que pour moi c'est un monde post-apo enfin, c'est comme ça que je l'ai oui, vu mais oui, bah après en fait tu as, t as et... une énorme as un énorme une énorme affiche de Malboro Oui, ouais, ouais, voilà mais Piketty, complètement émietté et tout et, ouais. et, et euh, c'est vraiment beau quoi c'est vraiment sympa mmh. et tout et c'est euh, chaque plan est chouette quoi, est, chaque plan est un est un ravissement quoi mais t'as l'impression qu'il euh, a fait un long parce qu'il fallait faire un long. Tous les récits ne sont et pas adaptés à un long, tous les récits ne sont pas adaptés Et au-delà de coin. ça, je pense surtout qu'il n'a pas eu le temps. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. quand justement, on lui, a, on lui a pointé du doigt qu'il n'avait que 45 pages et qu'en fait, il fallait à un moment donné oui, utiliser oui, l'argent oui. qui était là. Il bah, l'a a écrit en un week-end. Hein, voilà, c'est ça. Il n'a pas eu le temps de développer ouais. quelque chose de ouais, beaucoup ouais. plus poussé que ça. Quoi. Non, il n'y a pas de promesse. en fait. C'est aussi dans le film Au bout d'un moment, c'est aussi l'histoire d'une stagnation et tout, mais compliqué en fait c'est tu sais, pour raconter des personnages qui sont pour raconter le désert des Tartares quoi enfin euh, je sais pas mais tu vois il faut, faut savoir le faire quoi faut mmh. savoir divertir quand même ton public ou en tout cas l'accrocher avec une tension et tout et ça ça manque beaucoup quoi et il y a pas il y, y a rien vraiment payant avec ces étrangers avec ces poursuivants par exemple il y a rien de fin, tu non vois, non bien sûr mais bah, à fait... la fin en fait sur la façon qu'il a de s'échapper sur ce qu'il y aurait ailleurs le film, même il ça, a, y a pas grand chose quoi. Le film, on va dire, il a le, le, le mérite d'être le premier film d'Alex Proyas. C'est ça, c'est ça, ça, ça son mérite mine dans Mine de rien carrière. de l'avoir tourné pour 500 000 voilà. dollars. Mine de rien aussi euh, le et c'est moi qui dis ça, mais le fait qu'il le tourne en 16 euh, donne une tessiture en fait une texture quand même au film qui est, qui est au, de prime abord en tout cas c'est sympa quoi c'est rigolo de voir ça et puis de toute façon t'as les paysages c'est pas, ça, pas, pas rigolo beau. mais ça, c est, c est ça a façon, de la gueule voilà, et, as, et puis t'as le paysage t'as as Broken Hill c'est toujours euh, non, non, hyper sûr, impressionnant euh, ouais. quoi, quand même comme, et comme, t'as et euh, un personnage principal un peu taiseux, là un peu euh, comment dire euh, bah, tu euh, le reconnais ouais. quand même moi je trouve un peu c'est à dire que même si c'est pas un film urbain par exemple même si euh, voilà mais a... avec un beau mulet Ouais. Parce que bon, c'est aussi quand on dit que c'est un film des années 80, c'est que le mec, il a, il a un beau mulet australien. Non mais dans cette, enfin dans, le si dans la façon de silhouetter les personnages, ouais. par exemple, il y a des trucs quand même quoi. Non non, tu, non bien tu, sûr. Tu, tu ah, non, mais le, le, là, le, tout le tout le bagage en fait, euh, comment dire, artistique d'Alex Proyas, c'est là. Ah ouais. euh, on va en parler beaucoup hein, de la technicité d'Alex Proyas, ouais, ouais. ouais. euh, euh, les références en fait, encore une fois, toutes les références dont on a parlé jusque là en fait, qui sont des références en fait à l'expressionnisme allemand, t'en as. Euh, euh, la façon de filmer la c'est aussi un truc en fait euh, qui, comment dire, euh, qui lui appartient quoi dans le film là euh, je veux dire c'est pas enfin je veux dire, pas filmé comme Mad Max c'est pas filmé comme non, non. donc il y a quelque chose en fait qui quand tu regardes le film est à lui et d'ailleurs c'est assez marrant parce que la nana par exemple en question il y a littéralement une scène où en fait où elle est, où elle se maquille en fait avec un visage blanc avec à un moment donné les traits les traits autour des yeux noirs et tout et forcément avec le recul tu penses à The Crow un minimum, quoi, tu oh. vois, mais même si je ne pense pas que ce soit volontaire, mais on va en parler de ces choses-là parce qu'il y, y a, je pense, quelques plans, c'est assez intéressant, euh, dans des films où tu t'y attends pas forcément, euh, qui renvoient littéralement en fait, à, à d'autres films de sa carrière, euh, et tu te dis, bon, sans, sans parler d'un auteur à proprement parler, tu vois même, non, mais on peut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez marrant de voir comment il se réapproprie certains de ses, 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 ses plans signatures. Ah, oh, oh, en fait. Lui, lui se, voit, lui se voit clairement comme un auteur. Non, non bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Et Quand euh, je parle d'auteur, c'est ouais, en fait Il y a un geste qui va revenir carrière, dans toute sa filmographie. Et c'est quelqu'un qui se voit aussi comme un, un créatif dans un, un monde qui ne l'est pas. C'est-à-dire que, mm -hmm. euh, comme Julien a dit, voilà, il vient d'une famille, famille pauvre. On peut imaginer qu'il a aussi grandi dans un environnement. Où c'était pas encouragé. Et donc, du, du coup, ses visions euh, pouvaient lui sembler euh, un, un peu aliennes euh, aux yeux des autres. Donc, il a toujours été convaincu qu'il avait son monde à lui, son truc à lui. Oui, et, euh, et là, j'ai l'impression qu'avec un film comme ça, c'est presque ce qu'il met en scène. Quoi. Cette idée de. de ah, vraiment, parce ah, qu'en en fait. Ce c c idée, c cette idée de mec qui, qui cherche à s'envoler pour, euh, pour aller par-delà le, par le mur. Oui, enfin, mais ouais, euh, euh, <laughs> je sais pas. En fait, hum. tu sais, ce qui est étonnant avec ce film, en fait, ce premier film, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un événement et c'est rare qu'un premier film tourner dans une économie de moyens comme ça soit quelque part un événement tu vois ah, ce que je, je veux je dire je voudrais c pas citer Fear and Desire de, <laughs> de Kubrick ouais, mais c'est pas, pas, non, pas non, tout à non, fait vrai mais... parce que Fear and Desire par exemple c'est un film que Kubrick il a arraché au destin quelque oui, part oui, tu oui. vois que, que le film soit bien ou pas, c'est autre pas chose. Il a arraché au destin. Là, tu n'as même pas l'impression que Proyas est vraiment arraché au destin. Il l'a fait pour 500 000 dollars, c'est très peu. Il l'a fait très vite, on est d'accord avec tous et tout. Mais il n'a pas particulièrement lutté pour le truc. Enfin, c est, c est... Ça lui est un peu tombé comme ça. Et il l'a fait parce que c'était une expérience et que de toute façon, il voulait faire des films. À la mesure de ce podcast, mmh. ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet quand même de boucler la grosse partie sur euh, comment dire Sur tout le ça. clip bio, sur le ouais. clip, sur tout mmh. ça. En fait, avant de se lancer dans le premier vrai film, en fait, hein, qui est The Crow, quoi. Mais en vrai, le premier vrai film d'Alex Proyas, ça ne devait pas être The Crow, ça devait être Dark City. C'est quelque chose qu'il qu a écrit vraiment, travaillé euh, euh, en profondeur pendant. Euh, pendant le script a été écrit en, en, au début des années 90. Hein, euh... C'est Disney qui a pris un, un, une option d'abord. Après, le film est tombé euh, est tombé la, chez la Fox et, euh, et après, il est tombé dans les limbes du développement tel et on lui a proposé The Crow. Il a accepté The Crow parce que. Tout simplement, il voyait que visuellement, il pouvait appliquer certains de ses espoirs de Dark City quoi. dans The Crow. Quoi. Alors, The Crow, c'est peut-être. Euh, bon, déjà, c'est son vrai succès hein, dans sa carrière. Ouais, C'est-à-dire que voilà, c'est le, le film qui a vraiment marché. Euh, c'est aussi un film que lui-même reconnaît qu'il n'a jamais revu. Depuis ouais. la sortie du film, il a jamais envie. Euh, puisque en fait, euh, bah, voilà, en fait, tout le monde le sait, mais euh, on va en parler hein, de manière extensive. C'est le film sur lequel en fait, euh, euh, Brandon Lee a été tué, la voilà, star du film, quoi, le fils de Bruce Lee. Euh, et, euh, et donc voilà, le film. On est là, on est en 2024. Le film fête ses 30 ans cette année. Euh, voilà. Alors, je, je, je pitch rapidement The Crow, En fait, c'est un film de vengeance, en fait, mais qui est tiré d'un comic book écrit par James Hobart euh, c'est un comic book en fait euh, qui raconte l'histoire d'un homme dont la fiancée a été tuée, lui-même a été tué aussi en fait par une bande de voyous. Et en fait, il revient le soir d'Halloween en fait pour euh, comment dire euh, euh, mener sa vengeance en fait contre tous les gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont qui les ont tués quoi. Euh, il revient avec grâce à l'esprit d'un corbeau euh, qui euh, comment dire le mène vers, vers ses Ça, victimes Ça c'est vraiment dans le film, dans le, le comic ouais, en fait. Il et... n'y a pas. Ces règles du fantastique. Non, 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 ouais. dans le, dans bah, le... le comics, il est, plus, euh, voilà, en fait, il est plus, habité par justement le propre drame de, de James Sobar. C'est-à-dire mmh. que, en fait, au début des années 80, euh, James Sobar perd sa, sa, sa fiancée euh, avec laquelle il devait se marier euh, dans un accident de voiture. Elle se fait écraser par un chauffard et, en fait, euh, euh... Est sous, voilà, dans un comment dire euh, élan cathartique se met à dessiner cette bande dessinée, il se met à créer cette bande dessinée en fait pour essayer justement de, de, de ne pas mener sa vengeance pour de vrai quoi. Et le euh, deuil comme il peut. Ouais, voilà, cas, de ouais. Deuil exactement quoi. Euh, c'est vraiment du comic book underground. Enfin, hein, euh, le film, en fait, en gros, c'est le film qui a mis la lumière sur, sur, sur la ah, bande ça dessinée. Va, ça marche avant. Dans, moi, je connais pas l'histoire du comic spécifiquement, mais ce que James Sobar lui raconte, c'est que et, et lui, c'était quasiment auto publié en fait, euh, ouais. de Crow, initialement. Euh, dans une petite boutique de comics et tout. Et, et le, le, le comics a quand même eu beaucoup de succès euh, à l'aune de son lancement, en tout cas. Quoi. Euh, et euh, suffisamment... Mais en tout bien cas, des années avant. Et, 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 ouais, ouais, et, et suffisamment, en tout cas, pour, pour commencer à rentrer en développement. Et à ce qu'on euh, achète des droits, enfin des producteurs achètent des droits et décident de, de, de le porter à l'écran. Et il y a, euh, comment dire, une espèce de logique euh, de poème euh, douloureux, en fait, dans ce comic-book à la base. Euh, D'espèces de, de jets, en fait, comme ça, euh, euh, ouais, où il n'y a pas vraiment de, de lien narratif extrêmement poussé. Quoi. Euh, et euh, et euh, du coup, en fait, en gros, apparemment, euh, euh, Proyas, lui, avait l'air de se dire Ok, oui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un, un projet sur lequel moi, je peux commencer à greffer euh, un peu ce que j'ai à, à proposer au cinéma. Il euh, y a beaucoup de choses hein, qui vont revenir hein, le travail sur les maquettes, hein, qu'on va voir plus tard dans Dark City. Il y a euh, comment dire euh, l'aspect monochromatique. Il faut savoir qu'à la base une des idées de Croia, de c'était de tourner le film en noir et blanc, qui je pense en fait euh, était une bonne idée. Ce qui est quasiment le cas. Enfin, le film est extrêmement délavé. Il n'y a quasiment peu, enfin, pas de couleur. Complètement, bien sûr, mais, euh, il, y a mais un peu, euh... il y a du rouge et puis il y a les flashbacks quoi en fait. Voilà. Et, mais il y a mais il y a euh... après si il y a quand même des couleurs. Euh... Je veux dire, ce n'est pas du noir et blanc, c'est beaucoup bien sûr. plus euh, oui. comment dire. Euh... Et c'est quasiment euh, du noir et blanc. C'est beaucoup quoi. plus monochromatique que, du, que... Non, mais là, alors voilà, parce qu'on va rentrer dans un espèce de, de, non, de conversation. Moi, ça me semblait logique à l'époque. Moi, je l'ai découvert euh, en avant-première, C'était pas une projection de presse, c'est une avant-première. Euh, The Crow, dans, dans une salle qui était remplie, non pas de, de, de cinéphiles, mais de God. de, de God, voilà, mm. euh, qui venaient voir un vidéoclip. Vraiment, et, euh, le, le succès du film, il a été porté par son caractère musical entre guillemets quoi. Le fait que ce soit un clipper qui soit qui soit dépêché, ça semblait naturel par rapport à, à, oh. au, au type de personnage qui est décrit. Euh, c'est terrible mais je pense que le fait que la star soit décédée et il oui, y a en plus, beaucoup, en plus beaucoup de de parallèles entre ce qui lui arrivait ce qui se passe dans le film. Enfin je veux dire c'est quand même terrible hein. c'est et, et quelque part je pense que ça c'est marrant parce que c'est un film qui a failli pas sortir en fait beaucoup ouais. beaucoup de problèmes en post prod. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'y a pas des producteurs qui se sont dit derrière. Euh, enfin, c'est pas Vin Diesel qui euh, as l'impression qu'il se frotte les mains quand Paul Walker est mort et il se dit que c'est tout un Fast and Furious dessus. Là, ce n'est pas ça. C'est que les mecs, ils sont passés la patate chaude pendant très longtemps quoi, avant de distribuer le film. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec la MPA, mais ça, on va peut-être un peu vite en besogne. Mais, ouais. mais, 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 euh, mais euh, c'est vrai que du coup, en fait, le, le, la, le, la disparition de Brandon Lee, euh, je pense qu'elle a joué énormément aussi dans l'appréciation... Euh, L'appréciation du film. Faut, faut juste. Moi, je me souviens de la, de la sortie, puisque tu en parles. Moi, je me souviens être monté à Paris, euh, parce que j'habitais pas à Paris euh, à l'époque. Et être monté à Paris, comme d'habitude, je faisais tourner des, des boutiques spécialisées. Mais putain, t'avais du vœu partout. Je me rappelle, à movie 2000, t'avais es que du Gros dans tous les coins, t'as l'impression qu'il n'y avait que des gottes du coup, la movies de mine d'un coup. Je me ah. rappelle à Album, c'est pareil, t'avais du vœu partout, c'était hallucinant on, on, quoi. C'est bien tous les petit, trois. C'est Petit événement quoi. On vient tous les trois en fait du même magazine, hein, Mad Movies à l'époque. Euh, moi je sais que quand j'ai appris la mort de, de, de Brandon Lee, j'étais allé voir euh, Rapid Fire. Peu de temps après, parce qu'il est sorti chez nous en fait euh, un mois après, on a fait un podcast avec mon ami Julien Charpentier dessus quoi. Euh, donc, on en parle de manière extensive. Et la question, c'était est-ce qu'on fait un podcast pour les 30 ans de la mort de Brandon Lee En fait, est-ce qu'on faisait un podcast sur, sur Rapid Fire ou sur The Crow à l'époque et En fait, finalement, c'est s'est gardé The Crow pour justement faire un, un épisode sur Proyas. Euh, donc, je vous, vous invite à l'écouter. Mais en gros, euh, le truc surtout, c'est qu'on savait pas ce que c'était The Crow exactement. Parce qu'encore une fois, je veux dire, nous, les Français, la BD, on savait pas ce que c'était. Alex Proyas, inconnu au bataillon. Ouais. Euh, comment dire Effectivement, il y avait déjà une logique de se dire est-ce que le film euh, comment dire, va sortir ou pas et quand tu vois que c'est Brandon Lee qui joue le rôle, et si tu as vu trois films de Brandon Lee, bon, en l'occurrence, moi j'avais vu Crapid Fire à l'époque, mais après j'avais vu Laser Mission et L'Héritier de la violence, quoi, de, de Ronnie Yu, Le truc, c'est que tu te dis, bah, c'est un film où on te raconte l'histoire. Dans Mad, il te racontait l'histoire, il te disait, alors il est mort sur l'histoire, enfin, sur un film où il revient d'entre les Morts. Tu te dis, c'est un film de vengeance euh, action des années 80, en fait. Mais ce est marrant, ouais. au début des années, euh, au début de l'année 94, qu'ils ont fait cette couve, je me rappelle, avec Brandon Lee, en gros plan euh, pour The Crow, je me suis dit ah, « putain, mais c'est ça en fait, euh, The Crow ?» Et ça, ça a été, il faut le savoir, un des plus gros cartons de mad en, en termes de, 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 de vente de couve. Ils ont eu ça, après ils ont eu X-Files, c'est vrai que ouais, ouais, et, énorme. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, si tu veux, d'un seul coup, il y avait une espèce de, de synergie entre le fantastique gothique, euh, revenu au goût du jour, quoi. Euh, L'existence, la logique d'existence de Mad Movies, qui en fait, quand même, célèbre les Fantastique, quoi. Euh, donc voilà, et c'est extrêmement lié, en fait. Donc, euh, donc euh, en gros, et moi, je sais que c'est le truc qui m'a le plus. Enfin, euh, d'un seul coup, je me suis dit, putain, mais moi, je veux le voir, ce film. Ça avait l'air complètement ouf, quoi. Et euh, je lisais des comic books hein, à l'époque, déjà. Euh, et moi, c'est ça qui m'a, pour le coup, accroché, en fait, quand j'ai vu le film. Euh, bon déjà moi j'étais euh, dire la cible parfaite hein. j'avais 18 ans je n'étais pas forcément gothique quoi contrairement à notre ami Eric Vogel qui adore le film euh, euh, oui, voilà. ouais, moi, Eric Vogel mon seul regret c'est que, que j'ai un problème avec Brandon Lee en fait dans, dans The Crow. Je, ah, ouais ouais, je trouve pas je trouve pas que physiquement il, il ne me convient pas pour le rôle parce vrai. que justement je, moi je vois je vois Eric Vogel à la place ouais, tu vas adorer The euh... Crow 3 quoi dans The Crow 3, c'est un mec qui ressemble à Eric Vogel. Ah bon, là, bon, là, bon ils ont enfin eu ce bon réflexe. <laughs> bon, en tout cas, voilà. Maintenant, vous savez que Eric Vogel, c'est véritablement The Crow Et que. Euh, à l'époque, en tout cas. C'est-à-dire qu'il avait eu, pareil, 16 il ans. Jouait, il jouait de la guitare électrique sur le toit de, de Movis 2000 euh, les soirs de pleine lune. <laughs> Mais le truc, en tout cas, c'est que. Euh, euh, comment dire. Euh, j'écoutais moi The Cure tu vois enfin, donc voilà en fait pour moi il y avait un, la... un truc il faut quand même le signaler c'est que The Cure avait énormément de succès ça faisait très longtemps enfin je dis ils étaient déjà un statut de, de méga star et tout et, euh, et, euh, et, euh, et, et Robert Smith en fait il refusait enfin euh, il était il, il sait très difficilement les droits de ses de ces chansons dans les dans les films en fait c'est pas facile du tout en fait d'avoir il a cédé par exemple pour Josh Dredd Alors, ça peut sembler bizarre mais c'est parce que c'est un fan du comics en fait en bon anglais quoi. ouais mais ce qui est marrant mais... c'est que c'est que quand t'écoutes la chanson t'as pas du tout l'impression que ça parle de Dredd non fait, non, mais non mais voilà et mais mais voilà et, 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 et mine de rien je pense que c'est là aussi il y a eu une concordance en fait qui a fait que c'était un mini phénomène hein, The Crow. c'est que euh, c'est que tout à coup t'avais aussi ça t'avais euh, avais donc The tu t'avais aussi Nain Schnell euh, qui ont failli apparaître dans le film en plus, quoi, qui devait être le, le dernier groupe à jouer dans le, euh, dans le film. Et il euh, y avait un truc où il était. Et, et Prayas si vient aussi de ça. Enfin, C'est évident, ça va avec le côté noctambule, je pense. Il y a en fait un croisement d'influences dans ce film, mine de rien, mmh. en fait, qui, euh, quand euh, tu du réfléchis. rends logique. Oui, puis quand tu réfléchis un tout petit peu, euh, je sais que. Bon, moi, évidemment, il y a l'affiche, euh, comment dire, derrière Julien, là, de, de, de Del Toro, là, la superbe affiche de tout en fait où on voit Blade. Euh, Blade pour moi c'était l'aboutissement la, la, total en fait si tu veux de, de ce de que The ce Crow que... annonçait. Ouais. ouais voilà de ce que la geek culture allait pouvoir devenir en fait dans la façon de, de, on, avait on, dit, eu, de, ouais, de... on avait vu Darkman avant déjà qui nous, oui, oui. nous avait euh, bien bien calmé en termes de, de comic bookisation du cinéma. -ce que c'est vrai que euh, enfin, moi je, mon souvenir de, la pro, de cette projection de, de, de The Crow c'est c'est surtout ça c'était le plaisir de voir effectivement un nombre d'éléments graphiques que je, que je n'avais l'habitude de voir que dans le vidéoclip, mais censé construire un, un film. Alors, moi, je, je vais jouer le, le vieux con là, mais parce que je sens bien que vous aimez bien. Euh, moi, je n'ai ai, pas aimé <coughs> du tout hein, <coughs> sa sortie. Hein. Mais moi, enfin, j'avais ce, ce souci avec, euh, avec le côté série d'images impactantes. Euh, mais, mais je ne me suis jamais laissé emporter par le récit. Ou... Mais c'est quelque chose, euh, en fait... Euh, je fin... trouve même euh, limite euh, digne d'un direct ou vidéo... Hein, par un, un... Ben, en fait, ça, ça serait le cas, je, ouais. je, je, je te dirais, ça serait le cas justement si c'était pas euh, déjà en vrai euh, complètement porté par Bandoni, il faut le dire. Hein. C'est-à-dire que il est quand même assez. Toi, tu dis qu'il te convient pas parce que physiquement il te convient pas, tu vois. Mais il faut savoir déjà. Il est trop Lee, massif en fait. Bah, il a il perdu du musqué, poids. En fait, ouais, pour ouais, le film, parfum, ouais, tu ouais, vois. Au contraire, ouais, ouais, en ouais, fait, ouais, en ouais, fait ouais, il a perdu énormément sec. de poids en fait. Ouais. Et justement, ça a été un des soucis de, de, de dans la production, c'est que le premier, la première personne qui a dit non à la base à Brandon Lee, c'est James Soobar qui dit mais euh, mais c'est pas du tout. Vous avez foutu du karaté dans mon mm. film qu'est-ce qui se passe et tout dans l'adaptation de ce qu film quoi. Et en fait, les mecs lui disent non non, c'est pas du tout ça quoi. Brandon Lee lui, lui-même voulait. Sortir vraiment de l'ornière de. Euh, comment dire. D'action euh, euh, hero. Euh, ouais, de puis vidéo surtout club. de l'ombre de son père, en fait. Ouais. C'est-à-dire que qu'en gros, malheureusement, bah, il n'en sortira pas, puisque justement, euh, euh, comment dire, euh, le destin euh, va le rattraper. Il, il est mort Son père est mort à 33 ans, lui, il est mort à 28 ans, mais en fait, ils sont morts à 30 ans d'écart, quoi. Donc, il y a vraiment un truc euh, de. Euh, comment dire, de destin étrange, en fait, si tu veux, euh, qui euh, qui. Euh, euh, presque psycho, psycho euh, comment dire, psycho ah, mais, mais, lié tu tu vois, même, fin... même conspire hein, à l'époque j'entendais des Oui, bien sûr qu'il y avait des gens ouais. qui pensaient qu'il que y avait un truc qui que était, lié était à les à quoi. mêmes qui avaient buté Bruce Lee et son fils etc. Ouais, combien j'ai ouais. entendu ce truc là oui, oui mais bon ça après c'est des trucs où tu, tu, ouais, justement mais, tu ne sais pas ce qui s'est passé que, et on va en parler, parce que culturellement mais... encore une fois ça a une signification ouais. c'est la raison pour laquelle les gens en parlent mais en fait Brandon lui-même en fait était le premier à dire non mais on va pas mettre de comment dire ne on va pas mettre de trucs comme ça par contre ce que j'allais dire, et moi j'allais être beaucoup plus précis, c'était sur le croisement des influences, c'est-à-dire mmh. que en gros, euh, d'un seul coup, tu te retrouves avec un film mine de rien. Et moi, j'ai envie de dire, il y en a combien en fait qui peuvent se targuer de proposer ça aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont des influences comic book, des influences de l'expressionnisme allemand, des influences en fait de, de des, la, des de John Woo, mmh. euh, des influences en fait. Donc, au d'un moment, en fait, quand tu mélanges ce truc-là et que ça donne un film à peu près. Mmh. Cohérent et, cohérent et qui tient la route, il faut arriver à le faire. Quoi. Parce que le clip le faisait déjà naturellement. Ça a toujours été la fonction du clip dans les années 80, 80 as début beaux, 90. T'as des bons 90. clips et as des mauvais clips. Hein. Oui, mais que d'être une. Mmh. Euh, pas une machine à laver, mais un, une centrifugeuse de, de tout ce que la culture pop pouvait, pouvait proposer. C'est pour ça que pour moi, et je ne le dis pas avec, euh, avec dégoût, hein, The Crow est un gigantesque vidéoclip. C'est la raison pour laquelle il a réveillé cette adolescence euh, ouais, ouais. Euh, qui était plus versée dans la, dans la musique. Et moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est que la, le public de, de cette avant-première, donc qui, qui attendait le film, puisque le film n'était pas encore sorti. Le public de cette avant-première était un public de, dont tu sentais bien qu'ils n'allaient pas souvent au cinéma. Ils étaient venus pour le caractère musical en fait du truc. Ça sonnait comme euh, une promesse d'un ben, film qui avait été fait pour eux. Quoi. Alors, il faut peut-être raconter un peu quand même les coulisses du film aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la première problématique, c'est que c'est un film qui a, coûté beaucoup, qui, qui a coûté beaucoup moins cher que ce qu'il aurait dû coûter. Oui. c'est le premier point. Ben c'est une, une prod que... d'être pressman. Il le, ouais. il, il le découvre chez lui, en fait, euh, euh, parce qu'il fait la tournée un peu des papotes. En fait, euh, Alex Pryas, on lui propose plusieurs euh, euh, budgets, enfin, de, de films à plus, plus gros budget et tout. Et en fait, Donc, il, il se dit, ah, avec The Crew, je peux faire quelque chose et tout. Et euh, effectivement, c'est un tout petit budget. Euh, Tourner euh, la plupart des décors qu'on fait dans une, une, euh, usine de, une ancienne usine de, de, de ciment en fait, euh, désaffectée où il fait un froid glacial. Et ça se voit, en fait, ça fait partie aussi, je pense, des choses qui, mine de rien, euh, euh, cimentent le film et euh, lui permettent aussi de s'ancrer dans un truc beaucoup plus euh, viscéral. C'est-à-dire que quand il flotte et tout, quand il sort de. de il s'extirpe de terre, par exemple, Brandon New des trucs comme ça, tu tu vois la vapeur qui, qui sort de sa bouche tu sens le... la souffrance tu sens qu'il fait froid tu ouais. sens qu fait que c'est désagréable tu sens que c'est vraiment crade et tout et ça et c'est effectivement donc un tournage extrêmement euh, difficile ils ont très peu de moyens très peu de moyens pour, pour éclairer le film, un film à il y a à 13 millions de, de dollars à la base c'est ça euh, où l'idée c'était un, un des membres de l'équipe qui disait ils ont essayé d'en faire passer ça pour un film à 30 millions quoi. Mmh. Euh, et, et mine de rien, en vrai, quand tu regardes le film, même encore aujourd'hui, hein, il ne travaille pas du tout son budget. Hein. Non, non, pour non, le non. coup, c'est vraiment un film, euh, comment dire, euh, hyper léché, hyper, euh, comment dire, euh, travaillé, quoi. Mais euh, 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 le, le directeur de la photo de en fait, pendant, il a, il était allé euh, voir euh, le, le tournage du, du Grand Sceau, en fait, qui se tournait ouais. pas très très loin en fait, euh, au même moment. Et euh, il raconte à quel point il était dégoûté ce qu'il voyait Dickens. s'il y avait des, des, des lumières partout. Il avait tous les projecteurs qu'il voulait et qui souhaitait. Et eux, ils galéraient à mort, en fait, pour éclairer les, les décors et les... Et les, et les scènes en, en studio en fait de, de construction de la ville j'aime beaucoup aussi la, le travail de construction de ville en fait aussi dans The Crow c'est un truc qui me touche beaucoup c'est le truc qu'il faut préciser chez, chez Foyas parce quoi. que ça va revenir en ouais. fait c'est que c'est un créateur d'univers, ouais, Vraiment, à dire vraiment, vraiment. Il, a, il a ce truc en fait pour lui c'est une des raisons pour lesquelles fait un podcast sur lui, c'est mm -hmm. à dire que même que ce soit dans les films que moi j'estime de qualité comme évidemment Dark City, comme The Crow et les films de moins bonne qualité comme Gods of Egypt ah, tu vois <laughs> voilà, c'est quand même un créateur d'univers le mec. Donc il y a quelque chose là-dedans de, 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 de voilà en fait dans et qui est en enfin phase avec son époque. cest que moi je me souviens très bien que euh, j'ai jamais aimé le film et tout, mais je me rappelle que cette idée par exemple de filmer ces maquettes au, au tout début et d'incruster au milieu des maquettes, des, des, des euh, numériquement, je pense des, 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 des vapeurs de fumée comme ça qui s'extirpent et qui font la, le, le, les incendies en fait qui sont éparpillés mmh. dans toute la ville et tout. Ça te donne un choc en fait de d'échelle qui fonctionne super bien, c'est-à-dire que tu as conscience parce qu'il y avait pas beaucoup d'argent a priori non plus pour les maquettes, c'est toujours les mêmes immeubles en fait qui le, qui réagençaient, en fait pour donner l'impression qu'il y avait une grande variété de, de, de panoramas ce qui n'était pas le cas, mais, euh, mais tu sens que c'est des maquettes, tu apprécies ça parce qu'il y a le côté pastiche faux qui est toujours charmant en fait dans les maquettes. Et, euh, et en même temps, tu as ce truc avec le, le, la, la, la fumée en fait, qui te dit ⁇ Mais non, c'est pas des maquettes ⁇ Et je trouve que ce, ce mélange fonctionne hyper bien. Enfin, c'est comme l'incrustation des personnages dans, le, dans la, dans la, 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 la fenêtre circulaire de, de l'appartement des héros, etc. Il et, et, y a tout un truc que j'aime beaucoup. Et tu parlais des scènes comics. Moi, je me souviens que j'avais été beaucoup, vachement impressionné. Je trouvais ça hyper cool, en fait. Alors que moi, j'avais pas trop aimé le film, encore une fois, à sa sortie. Mais par contre, j'ai trouvé ça hyper cool que tout à coup, tu aies une scène où les héros court euh, sur un toit et euh, poursuivi par un hélico. Ça peut sembler complètement con, mais pour moi, ça, c'était de trucs que je pouvais lire dans un, dans un comics, dans et un Batman. Et que tu et avais dans Darkman. Et, et, et que, que tu voyais un... très peu au cinéma. Effectivement, ouais. tu l'avais dans Darkman, mais de, de, de jour, donc c'est un peu différent ouais. et tout. Pareil, je me rappelle que la fin, c'est trop court, mais le, le fait que les deux mecs ils se battent à l'épée au sommet d'une cathédrale, ouais. cathédrale comme ça sur le toit à la fin j'étais trop content quoi. il arrache la, 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 la croix avec le la foudre qui tombe dessus tout il y avait des, vraiment une, des imageries qu'on voyait pas trop Proyas, d'ailleurs a abordé aussi le film comme un anti Batman enfin, c'est comme ça que lui, le, il l'a appréhendé quoi alors qu'a priori en plus il faut aussi le dire ça c'est que le, les premières, euh, la première adaptation du de la, du comics en fait euh, de James O'Barr... Enfin, euh, c'est James Bar il dit, qui dit ça. Il disait c'était euh, des Witch mais avec un, un zombie quoi en fait. Ouais. Pareil que c'était. Pour le coup, ils avaient vraiment pris ça comme un pur film de vengeance, euh, euh, bête et méchant quoi. Et euh, le truc alors c'est que donc sur le tournage de ce film là, il, est, il y avait une espèce de permissivité à la cocaïne, à l'usage de la cocaïne en fait pour pouvoir ouais, faire des, est... Euh, est -ce des heures, des heures démentielles quoi. Mm. Ce qui en fait explique qu'il y avait déjà eu pas mal de, de, de soucis. Je crois qu'il y, y a un décor qui a brûlé, si je ne dis pas de bêtises, en fait, sur le, sur le film. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait des accidents. Il y avait des, 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 accidents, y avait des accidents déjà un peu prémonitoires entre guillemets mmh. par rapport à. Bah, à, à ce juste qu que passait. quand tu es une équipe de gens qui sont très fatigués, qui tournent majoritairement en fait des scènes d'action qui sont par définition dangereuses. Surtout à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on n'était pas comme aujourd'hui où tu, tu peux avoir tous les de sécurité que tu veux, des câbles et tu les effaces après. Ouais. Ça restait quand même très, très compliqué on parlera peut-être du travail numérique qui a été fait sur Vecro en euh, ouais. post prod mais, mais en tout cas ça ça a resté très compliqué forcément tu as, 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 as des accidents quoi. voilà fatale, et on quoi. en arrive à ce, ce jour euh, cette, ce, 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 cette nuit de tournage fatidique en fait où justement en gros euh, euh, dans la scène euh, où son personnage se fait tuer où ils ont tourné cette scène là en fait as le comédien Michael Messi qui est euh, comment dire euh, un comédien qu'on a vu alors qui est décédé maintenant euh, mais qui est un comédien qu'on a vu notamment dans Seven par exemple euh, voilà qui joue un des méchants quoi euh, lui tire dessus en fait il y a un, un résidu de, de comment dire de balles de, 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 oui. de, de balles de balle, comment dire de balles à balle blanc, blanc qui, enfin, enfin de, de douille quoi à l'intérieur voilà, en tout cas qui l'impact c'est comme ça en fait que tu peux bah, Proyas d'ailleurs ne tournera plus jamais avec une, une, une arme à feu hein, ensuite, hein, mais c'est vrai que lui il est vachement euh, donc militant. Il ouais, y a des tonnes d'armes à feu dans Aérobot. Hein, mais... Oui, mais c'est pas des vrais. Ouais. C'est-à-dire que le, lui il est très militant en fait pour, ouais. euh, pour virer toutes les armes à feu des, des tournages. Et on, moi, je... Oui, je ouais, Moi je vais complètement dans ce sens-là. Je ne comprends même pas qu'on soit encore dans ce système hyper archaïque. Moi j'adore euh, le travail de Maratier, de ses équipes, c'est génial hein, ce qu'ils font et tout. Mais c'est vrai que c'est complètement archaïque le fait de se dire on utilise encore des vraies armes en fait, au cinéma, avec des. Combien même je sais que c'est des balles à blanc, ils sont pacifiés. Oui, bien tout. sûr. Bien normalement, sûr. ça n'arrive pas, hein, ce genre de truc, quoi. mais ça arrive. Et à partir du moment où c'est arrivé. Mais ce n'est pas arrivé bon... qu'une seule fois, puisque c'est arrivé récemment et avec, ben voilà, euh, avec Alec le... Baldwin le... sur le tournage de Rust. Donc, euh, mais mais euh, là, ouais, hein, en l'occurrence, a priori, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un morceau de douille a priori, qui serait resté dans le, dans le canon euh, et euh, qui, qui n'aurait pas été clear, en fait avant le tournage. Et. Euh, et c'est ça qui aurait tué en fait euh, Brandon Lee faut faut quand même préciser que ces images là elles ont été brûlées ouais. on les verra jamais et elles ont été visionnées évidemment après pendant tous les procès euh, qu'il y a eu il faut aussi préciser que c'est quand même arrivé relativement tard en fait dans le, le tournage du film qu'il avait fait. tourné quasiment tout il lui les restait quasiment euh, rien, ouais, ouais. et euh, ça c'est pas rien non plus en fait c'est à dire que voilà euh, c'est aussi ce qui va permettre au film de de, de rester de et de, de continuer comme ça et il y a ce et de créer son aura aussi hein, médiatique ah ouais, il faut clairement dire. non non mais ça c'est mmh. sûr mais sauf que en, en, encore une fois c'est ça qui est intéressant c'est que euh, et c'est pour ça que je parlais je me permettais de parler de de Fast and Furious c'est que Fast and Furious tu vois totalement comment les mecs ils se sont dit ah ouais Là c'est bon, on va faire une autre burl avec ça. Et moi quand j'ai vu The Crow, je connaissais pas les coulisses, tu vois tous les trucs et tout. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bon bah, les mecs ils se sont dit c'est en fait c'est la bonne aubaine. C'est à dire que d'un côté c'est les larmes de crocodile, <laughs> d'un côté oh. et en fait non ça a été l'horreur en fait. C'est à dire que tout le monde s'est barré après. Il y a eu les procès et tout. Proyas il a fait une grosse déprime a priori euh, après il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et d'ailleurs il fera des, des courts métrages, euh, Book of Dreams. Je sais pas si vous avez vu ça mais mm. qui sont vraiment super. C'est pareil c'est sur c'est sur le net, regardez, c'est très étonnant, c'est vraiment super, quoi. Mais c'est ce qu'il a fait juste après Vaucaud pour se laver en quelque sorte de, de tout ça. Et, euh, et ensuite, après le procès, etc. Le film, a, ils ont réussi à faire fonctionner a priori les assurances et tout. C'est ce qui leur a permis en fait de faire des retouches numériques pour récupérer euh, Brandon Lee à partir de chutes euh, sur trois plans. Alors, il y a un plan où il rentre dans l'appartement, qui est un plan qui a été repris dans la, dans la, la ruelle. ruelle. Ouais, ouais. Euh, c'est un des plans qu'on voit vraiment. Ouais, c'est pas terrible parce qu'en ouais. plus, ils n'ont pas réussi à effacer bien les gouttes d'eau. Donc, ouais. ils en ont laissé un peu dans l'appartement ouais. et tout. C'est pas super. Il y a un plan euh, où on, voit, on le voit en train de s'effondrer comme ça, de, à, à travers un miroir euh, qui a été brisé. Où là, ils avaient découpé en fait tous les plans de Brandon Lee pour le, pour le mettre à l'intérieur. Et il y a le dernier plan, c'est un, un travelling arrière avec Brandon Lee qui est au bord de la fenêtre en fait, avec le, le corbeau sur le. Sur l'épaule, alors c'est le corps de la doublure de Brandon Lee, dont le nom Avec Michel. le visage. Et avec son euh, visage qui a été ouais. collé euh, numériquement ouais. sur le temps de quelques plans en fait. Et pour le coup, images. je trouve que ce plan il fonctionne encore très bien aujourd'hui. Ouais, celui-là ouais. il va. Et même le miroir, ça va quoi en ouais. fait. Mais c'est parce que il y avait pas non plus un enjeu, un enjeu énorme. Mais ce qui, est... ce qui était dingue, c'est que pour le coup, ces mecs-là, les... les Dream Quest, quand ils avaient fait ces trucs-là et tout, ils a... il avaient beaucoup beaucoup documenté. Je veux dire, tu avais, je me rappelle, tu avais un sic... movie secret dans... Movie Magic pardon. C'était cette série en fait sur les effets spéciaux, ils en avaient quasiment fait un dessus et tout, c'était très bizarre, tu as l'impression que les mecs ils étaient en train de vendre leur techno en fait euh, sur sur le cadavre de, de Brandon Lee, c'était bah très que, désagréable. Parce Mais... que c'était on était on était à une époque aussi où il y avait euh, où il y avait cette crainte de l'utilisation des des acteurs et actrices euh, décédés dans la pub, ça commençait hein, avec Marilyn qui vendait du Chanel et euh, je sais pas moi Steve McQueen euh, je ne sais quelle bagnole. après, ouais, ça ouais, mais, après ouais, mais, mais, ouais. mais on avait déjà le, cette, cette, cette crainte. Le jeu de la nostalgie euh, euh, morbide. Oui, de, 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 de faire tourner oh, les oui. morts. Et là, on avait littéralement un film. C'est comme ça que c'est arrivé. Évidemment, hein. ce n'était pas le cas. C'est de l'affaire de trois plans, tu l'as dit. Mais euh, dans la presse, c'était. Euh, dans ce film, il y a. Vous non allez mais... voir un mort en action. Et puis, c'était quand même. Euh, in... euh, c'est 84. 80... Qui est sorti, 94, mais 93. Ouais. Aussi. 94, ouais. 94, mais en tout cas, un, un an après jour, ouais, c'est ça. C'était mais... assez neuf, ouais. C'est-à-dire que. Et même à l'époque de Jurassic Park, tout était éclipsé par les dinos. Du coup, on n'avait pas parlé encore. C'est après. Du remplacement de la du gamine. Du voilà. Visage de la, de, la fille, de la petite fille, en fait, quand elle tombe, mmh. en fait, dans le, oh, voilà. le euh, sous le toit là. Donc oh, voilà. Oui, ouais. Donc euh, oui, effectivement, c'était des techno relativement relativement Je mais on n'a pas. Je crois y en a un autre avec un tout petit peu plus tard avec. Euh... Mais tu me corrigeras peut-être là-dessus. Wesley Snipes sur Drop Zone. Ah oui oui. Ouais, euh, quand il chute en fait de parce de... qu'il était assez impressionnant. Il y a. Il y en a. enfin après, ouais. de toute façon, il y en a eu beaucoup. Mais le truc, juste le truc aussi qu'il faut peut-être préciser, Steph c'est que la, la famille était pour. Alors qu'ils étaient tous très très. Enfin, Brandon Lee était hyper fier de son interprétation. Encore une fois, à mon avis à, à juste titre dans le film, je le trouve vraiment euh, superbe. Ah bon, ouais, quoi. moi je le trouve incroyable. Et euh, et, euh, et, euh... et d'ailleurs, il donne des interviews sur le plateau où tu vois son enthousiasme n'est pas fin. Je pense qu'il est et, et euh... Non, il voulait vraiment orienter sa carrière. En et fait. C sa famille a voulu absolument qu'il sorte de toute façon le film. Et donc c'est avec leur le, le accord en fait qu'ils ont. Tout fait à tout fait. Ça aussi. Mais il faut savoir une chose, hein, c'est qu'à la base c'est un film Paramount. C'est-à-dire hum, que le film ça. était produit par Paramount. Paramount a lâché le film. En fait, ils ont dit non à part non, Pressman le... avec un deal avec Paramount pour la distribution. Voilà exactement. Et en fait, ils ont dit non, on ne on ne, comment dire, on le sort pas. Mm. Donc Miramax a récupéré le film de son côté. Ils ont allongé 8 millions de dollars mine de rien en fait pour mm. euh, comment dire euh, le tournage les, les tournages additionnels parce que il y a ce dont tu parles en fait, les, ra les raccords numériques, mais il y a des scènes en plus hein, euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir que par exemple, il y a toute un il y a un personnage entier qui a disparu du film. Qui était interprété par Michael Berryman, ouais. euh, qui s'appelait, je crois, le Skull Cowboy ou un truc ouais, ça, quoi. Ça. Et en gros, c'était plus ou moins son guide. C'était euh, la mort. Voilà, c'était son la, guide la, de l'au-delà, en fait. la lui... de la mort qui venait et qui était là pour expliciter les règles. Et, euh, mais qu'ils ont viré justement parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément besoin de ça. Mais c'était euh, juste pour préciser sur ce ouais. truc c'était un personnage très ambitieux. C'était l'effet de maquillage le plus complexe et de très loin du film. Hein. Il y en a quelques-uns, mais celui-là a été très compliqué puisque c'était un masque mécanique en fait, que portait euh, ah ouais. euh, Berryman. Barry en fait, qu donc il a été intégralement tourné avec ce truc-là mmh. et tout. Et il y a quelques photos de tournage et quelques... Il y a des vidéos, scènes sur le, des, sur le DVD euh, vidéo en fait, qui, qui subsistent, mais qui voilà. Sortie, ça, ouais. ça a dû pour un film comme ça sacrifier un personnage mmh. pareil. C'est pareil, de toute façon c'est un film qui a été complètement remodelé au montage. Quoi. Mais ça, ça c'est hein. évident. Il y a euh, notamment une scène... Euh, où la petite Sarah, la gamine, euh, comment dire, euh, revient euh, dans, euh, sur les lieux du crime euh, parce qu'elle comprend en fait que le personnage de Brandon Lee, Eric Draven, est, est, est de nouveau vivant et c'est euh, clairement une doublure euh, en fait euh, de Brandon Lee qui la prend dans ses bras quoi, ouais, ouais, ouais. avec une voix où c'est pas la voix de Brandon Lee, c'est évident aussi quoi. Euh, Moi ça m'avait pas choqué à l'époque à ce point-là, mais là en fait quand tu, quand, quand, tu, quand tu le revois en fait tu dis ouais oh, c'est clair que c'est une scène en plus quoi. Il euh, y a euh, comment dire euh, voilà, il y a quelques passages comme ça, en fait, effectivement, où il a été remodelé. Et, et, et Proyas lui-même disait, il l'a fait pour, euh, comment dire, la mère de Brandon Lee et, et pour euh, Le la, la compagne, euh, Elisa. Euh, les deux sont, sont, comment dire, euh, sont cités à la fin, en fait. Euh, c'est euh, pas seulement pour Brandon Lee, mais c'est pour Brandon et Elisa. Mm. En fait, c'est la, 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 la dédicace, quoi. Mm. Mais il euh, euh, y a, euh, comment dire, euh, lui disait clairement qu'il était en mode automatique, en fait. Oui c'est-à-dire mmh. qu'il se rappelle même pas vraiment de ce qu'ils ont changé il peut il peut difficilement en parler mmh. il a jamais revu le film il veut jamais revoir le film de sa vie euh, lui à la base il ne voulait pas le terminer de toute façon ouais. hein, il en était arrivé à ce stade là quoi euh, mais euh... mais oui, après il, il en parle en... en fait il en parle dans la façon où lui il disait j'ai perdu un ami en fait en gros hein, parce que apparemment justement toutes les influences Hong Kong et tout ça ça venait de Brandon Lee donc, apparemment, il passait des soirées à regarder les films de John Wu. Il lui montrait ça. Il dit qu'il faut qu'on fasse ça dans telle scène, etc. Et ça, il y a entière, hein. a pris beaucoup d'ampleur aussi, a priori, sur le tournage pour euh, chorégraphier les scènes ouais. de combat. Ils ont beaucoup bossé avec, euh, avec Proyas là-dessus et tout. Non, mais c'est vrai que ça a été une vraie collaboration, une vraie rencontre. C'est une tragédie parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné, en fait. Ces deux mecs-là, déjà, je ne sais pas ce qu'aurait donné Brandon Nee, en fait, euh, dans la suite. Et puis, je ne sais pas ce que cette collaboration-là aurait pu, aurait pu donner. Puis, ce qui est triste, en plus, c'est que. Là, On a parlé de tout ce qui s'est passé intrinsèquement au film, mais le film avait, comme, comme il avait cette espèce de d'aura de mortifère en fait autour de lui, euh, la MPA leur a fait la misère, mais un truc de, de, de ouf. Je crois qu'ils ont, ont été XC trois fois quoi, avant qu'ils réussissent à, à faire valider le film. Euh, et, la, la violence du film, elle est sacrément tempérée. Hein. Quand ah on ouais, ouais, c'est clair. C'est évident. Hein. Après, v... le film, il est tellement euh, noir et morbide ouais, ouais, que ça. Voilà, mais, euh... il, il, a, il, il reste quand même habité. Il y a une ambiance à couper au couteau. Ça, c'est indéniable. Quoi, et je pense que c'est ça qui. Sauve le truc, mais c'est vrai qu'il y, y a du coup énormément de. Bah, il, y a une, une, il y a eu énormément de retouches, en au fait, aussi, euh, qui ont été faites là-dessus. Des scènes qui ont été extrêmement raccourcies, euh, notamment avec toute la, la bande de mauvais garçons. Là, euh, ouais, la bande de Top Boy, c'est Top Boy, c'est ça Non, non c'est hein, t, non. t, -T ouais, euh, Mais euh, voilà, et, et, et qui, euh, notamment, qui maltraitait une meuf et tout. Enfin, bref, il y, y a eu plein, plein de scènes qui ont été coupées là-dessus. Il y avait Alan Green qui est venu en, en, ouais, très fait, tard, vrai, en fait, ouais. pour ouais. écrire aussi euh, la. Le, 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 la, les petites lignes de dialogue qui en off au début qui enfin, entourent le film qui est très chouette d'ailleurs je trouve que ça, ça marche très bien quoi ce qu'il a fait bref c'est un film qui a été complètement euh, c'est une espèce de créature de Frankenstein en fait c'est marrant parce qu'il n'arrête pas de se mettre du scotch noir en fait sur lui euh, Brandon pendant tout le film et t'as l'impression que le film a été un peu fait comme ça mais je pense que ça l'ambiance et le côté atypique du film c'est ça qui est marrant moi est que, quand je l'ai vu à l'époque je me suis dit putain c'est que des clichés là c'est ridicule là, quand il quand il joue de la guitare sur son toit et qui casse le truc et tout et en fait aujourd'hui avec le recul je trouve que c'est un film qui est très étrange en fait qui est tout à fait il y atypique. Il, y a, il a là je pense qu'il souffre en fait déjà de la façon dont on pouvait faire ces films à cette époque-là c'est-à-dire euh, euh, malgré tout en fait se dire bon on va faire un film comic book mais on va mettre un flic si tu veux qui mène un peu l'enquête la oui, voilà ce qui arrive dans la scène d'action euh, ouais, euh, qu voilà, à la fin pour l'aider patati ouais. patata tu vois le, le bon flic noir qui se fait engueuler par son mmh. patron ça, ce genre de choses où tu te dis bon bah, déjà que ça fout là quoi euh, a... il si moi j'aime bien la scène où il va le voir chez lui en fait oui, oui. je le trouve assez touchant mais moi j'aime bien euh, Ernie Hudson ouais non mais d'accord ouais. mais après mais Ernie Hudson grand, grand comédien de Rafik ne baille pas grand comédien de Congo non, donc oui, euh, vrai. Euh, voilà quoi. Mais euh, mais euh, mais il y avait un casting de malade aussi. Hein. Je veux dire t'as Michael Wincott en fait qui était quand même hyper euh, comment dire, mais qui était pas euh, très connu encore à l'époque. Je veux dire il avait fait quoi 1492. 1492 euh... on l'avait on en parle. Elle une, à son... euh, non elle y il, y surtout, il, hum. ouais, il y a une résurrection. Après c'est après non mais surtout il avait les cheveux courts. Non non il a, il a les cheveux longs. Enfin c'est du Michael Wincott pur jus quoi, ah ouais. avec sa voix grave et avec tout. Avec sa voix de mec qui boit du whisky qui fume des clopes Très rigolo quoi. Ça c'est un truc. James Sobar aime pas du tout en fait tout le fait qu'il soit associé une sorcière, enfin que, ah oui. que ce soit plus ou moins des, des sorciers quoi, tous les deux, mais moi, ça fait partie du truc que j'aime beaucoup en fait dans le film et que je trouve tellement cohérent en fait avec ouais, euh, le, le, la totalité de cet univers-là en fait, je il... Sais pas, il y a un truc qui marche quoi. Il y a aussi, je pense, un truc d'influence en fait, c'est que sur deux trois aspects en voyant le film aujourd'hui, je me dis mais en fait ce film il a créé quelque chose. On va pas, on parle même pas de des suites avec Vincent Perez et, et comment dire Eric Mabius. Vincent Pérez chien. réalisé par Tim ah. Pop, le, le mec qui fait les, ah bah les tu clips vu de Vukir. Ça c'est nul. Hein. Euh, non, voilà. je l'ai pas revu. en fait. On va faire un stéroïde mais... dessus. De suite. Ah hein, ah ouais, non, me... faire. En <laughs> fait, on devrait appeler Marie pour faire le Zocro en entier. toute la saga quoi. Il y a le remake qui sort cette année. Ouais. En fait, euh, ah. réalisé ah. par Rupert Sanders. Hein. Ah, ah. 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 J'allais dire enfin. C'est juste que ça fait des années en fait qu'ils en parlent. Il y avait une série télé avec euh, avec euh, c'est vrai mais euh, un enfer le truc quoi euh, non non ça a créé ça a créé, en fait tout un truc il y a une influence alors moi c'est un truc qui me fait un peu marrer euh. aujourd'hui c'est que le corbeau en fait il y a des plans où il part littéralement dans le dans le, dans le, <laughs> dans le ciel et il Visualise en fait les, les ennemis de, de, de Brandon Lee. Ouais, C'est pas la meilleure idée aussi, quoi, je pense. Ouais, mais alors Assassin's Creed en fait les remercie, quoi, parce qu'en ah ouais. <laughs> gros, putain, ils ont arraché <laughs> le truc et ils l'ont foutu directement non. en, 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 en boucle de gameplay. quoi Si, si tu veux parler d'influence, il y a, y, a, y a Christopher Nolan. Est, ah on, mais complètement On n'en est, là... est pas oh. encore à parler de Dark City et de David Goyer, mais David Goyer dira euh, que quand il a, il a bossé, parce que David Goyer. Est venu tardivement pour, euh, en tant qu'écrivain sur, euh, sur, euh, sur, sur Dark City et a donc bossé oui, oui. avec euh, Nolan plusieurs fois et notamment sur Dark Knight. Et, euh, et, euh, et il disait que euh, et, euh, Nolan était un gros fan en fait, de, de, de Alex Proyas et notamment de Vecro et de Dark City. c'est ouais, clair. C'est évident, un, sur, euh, sur le maquillage de Brandon Lee vis-à-vis -vis du maquillage de, de, de comment... Sledger. Slager merci. Ouais. Avec en plus une. Un, comment dire. Bon, C'était euh... dans le comics aussi. Il a oui, mais. Le, le Joker de, 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 de Jack Nicholson, non, il tu aussi, penses pas à lui il y a aussi. Hein, la scène où il allume. Euh, le Joker a, de David Dyer. Donc, c'est il allume le feu qui prend la forme de. Oui, du corbeau. Du corbeau, corbeau il voilà. y a ça, il y a quand et il. Tout le truc avec dans, sa main dans aussi. C'est dans Batman Begins qu'il qu y a ouais, fait ça. Ouais, ouais, non, 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 mais ouais, c'est clair. Ouais. Et il y a ça, et puis il y, y, y a un truc. Excusez-moi, mais il y a ma... des immeubles qui bougent dans Dark City. Bon, il y a le maquillage en fait, qui se liquéfie en fait, un peu. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas vraiment là. Du coup, tu ne sais pas s'il si fait partie de sa, son épiderme. Oh, c'est ça, c'est ça. C'est de ça que je parle. Non, non, il y a un truc clairement d'influence majeure. Je ne sais pas si lui, le citerait en interview. Tu vois Nolan. Pas Goyer en a parlé en tout oui, cas. Oui quoi, mais vois, Goyer, donc... après ils en parlent entre eux mais tu vois et puis je pense euh, no que Nolan il a pas de mal à reconnaître ouais. ses, ses influences. Hein. Tu, tu vois il a pas. pas de mal à reconnaître. Quand euh, elles sont te... prestigieuses. Il, il aime Fast and Furious. Ouais. <rire> <Mais> <rire> bah, <rire> voilà <rire> il a parlé de Fast and Furious donc tu vois c'est pas si prestigieux Mauvaise langue. Non mais voilà ouais. Donc ouais donc et c'est un film qui a été donc un succès énorme hein, par rapport à en tout cas euh, à son budget et puis euh, et puis en fait. au à l'aspect un peu mortifère, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ça aurait pu être beaucoup plus reproché au film, euh, justement, de profiter du, euh, du comment dire, euh, de la disparition de Brandon Lee pour faire, pour faire du beurre dessus. Quoi. Et puis, ça a lancé plein de mecs. C'est-à-dire que ça a lancé, évidemment, euh, Alex Praya ça, euh, ça a contribué à lancer le directeur de la photo, Darius Wolski et puis retrouvé sur des films comme comme plus, bien plus tard Pirates des Caraïbes et tout. oui oui bien sûr avec, surtout avec Tony Scott et tout après ouais. et euh, ça, ça a lancé aussi Alex McDowell qui était le, le chef déco ouais. en fait ouais, ouais. du film qui était un mec que personne ne connaissait et après tout de suite le mec a été sur le enfin, il a eu une carrière quand même vraiment prestigieuse ouais. en fait grâce grâce à Vecro donc voilà mine de rien c'est vrai que tu peux pas nier l'impact du film quoi voilà il y a, y a... je corrigerai pour Larussovski je pense un... je pense que parce que bossait aussi à Propaganda. Euh, ah oui, euh, mais, euh, mais en fait, c'est euh, Darius Zolski, sa, sa collaboration euh, principale à Propaganda, enfin en tout cas une de ses vraiment principales, c'était Alex Pryor. Yeah. Ils étaient vraiment au cul chemise, en les fait, chemises, euh, ouais. tous les deux, c'est pour ça qu'il l'a amené sur Vecro. Il savait que ce serait très compliqué et il avait besoin de lui, quoi, en fait. Il faut préciser aussi un truc, c'est que, <laughs> Alors, en fait, euh, euh, c'est pas très drôle, mais euh, James Sobar lui-même, en fait, a très mal vécu, du coup. La sortie du film, parce que même si ça a mis la lumière sur sa création, euh, en gros il perdait de nouveau euh, quelqu'un à cause de sa propre création. En fait, il en, a, il en était presque venu à dire, j'aurais préféré que, comment dire, euh, ne pas que ce film ne se fasse jamais. En fait, n'avoir jamais fait cette bande dessinée pour qu'il n'existe jamais, que Brandon Lee soit encore vivant aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment voilà, il y a, y a entre guillemets, c'est un hommage, un vrai hommage hein, à Brandon Lee, le film, quoi, quelque part, quoi, euh, à son travail, à son talent et tout. Mais, euh, comment dire. Euh, sauf pour Raf. Hein, sauf pour Rafik, parce que Rafik considère que Brandon Lee est nul dans le film, quoi. voilà Rafik, qui pisse sur les morts. Euh. <laughs> Rafik est un bâtard, voilà, c'est tout, quoi. Vous, vous, pouvez, vous pouvez le préciser dans les commentaires, comme ça on lui rappellera la prochaine fois, en fait, quand on, quand on fera la prochaine émission et on le mettra un petit peu à mal là-dessus, quoi. Non, il y a des scènes. Mais après, Rafik, il se rappelle que d'une scène, il se rappelle de cette scène comme ça, où, parce qu'à l'époque, c'était un grand héros <laughs> Donc, en fait, <laughs> la scène où elle se fait enlever la, 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 la cocaïne, tu sais, de. Euh, de, de euh, ouais. ouais. Euh, voilà, parce qu'il y a quand même un côté un peu plus cu en fait. Euh, oui, mais alors ça, c'est très le, étonnant. Ouais, c'est voilà. le truc qui est marrant, c'est que je pense qu'il avait déjà. Mais ça, on va en reparler plus tard. Il euh, y, y a aussi une autre tension chez Eproyas, C'est entre euh, le, son côté euh, très mystique. Mm. Euh, plus fleur, que tu et, et, et Fleur Bleu. et euh, bah, ouais, moi je l'approcherais vraiment du côté mystique, c'est-à-dire le, le, le mec, t'as l'impression vraiment qu'il il y a une foi profonde dans le, le bien, le mal, c'est très comme oui, ça. Oui, mais là, là t'as quand même une scène Et... où il l empêche l'autre de fumer une clope, en fait, ouais, si tu veux. Hyper voilà. bizarre, dit, si tu fumes, aussi. tu vas mourir, tu vois. C'est clair, ouais. elle est hyper bizarre quand il vient de tuer des mecs en les balançant en Et les, les tu... mecs, ils règlent la scène, en fait, t'as quand même le personnage de. de comment mais je pense dire, que euh... ça, c'est une concession prod, quoi, à mon avis, tu crois ouais, pas mais à mais ça Je sais pas, parce que le personnage, par exemple, de, de la gamine, en fait, qui a une mère qui est prostituée. Qui ah est non tra... pas ça, je parle pas de ça. Non, elle est pas prostituée, pardon, je dis n'importe quoi. C'était l'actrice qui joue la prostituée dans Impitoyable. Euh, J'ai plus son nom là sous la main, mais euh, en fait, euh, t'as cette scène où elle se fait enlever justement les en <laughs> <des rire> lui fait <t> des oeufs, elle lui fait des yeux <laughs> bourrés. Ça faisait partie des trucs que je supportais pas. Mais oui, mais parce que c'est une scène qui est complètement, c'est du bon sentiment de merde en ouais, fait. Ouais, euh, vraiment Nasbrock hein, est ouais. et complètement, et est, surtout, c'est hop, c'est réglé. La problém cette problématique est réglée en deux minutes quoi. La gamine, c'est compliqué de toute façon, je trouve, mmh. dans le film. Plus que qu'Arnie Newton en fait, je trouve que c'est. Il y, a, il, y a, il y a de temps en temps que ça marche et tout, mais, mais c'est compliqué. Après, et je pense au fait que c'est ça aussi qui remporte le morceau, c'est qu'il est quand même sincère sur quasi tout. Oui, Déjà, il, ouais. il a fait quelques concessions hein, au prod et, et sur le, sur le film Proyas, mais je pense qu'il est sincère, même sur la gamine, sur certaines scènes, il est sincère sur certains trucs. Et ça remporte le morceau, en fait. Ça, ça, ça fait que ça marche, quoi, du coup. Quoi. Ouais. Même si hein, la musique de Graham Rival pompe. Euh, la passion du Christ. Tu aurais pu parler de ça. Gabriel, tout, tout, tout ouais, la dernière tentation ouais, du Christ, pardon, de de Gabriel. Tous les scores post dernière tentation du Christ pompent la dernière tentation. C'est clair. Non, mais c'était un score incroyable, score de. Je crois que je suis là. C'est quand même le plus dingue, quoi, en fait. Tu trouves pas non, Le cro, tu... le, 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 le plagiat, il est. Euh, oh ils s'en merdent pas, quoi. Vraiment, il faut, faut aussi vraiment... noter un truc, c'est que ce qui avait, ce qui peut ressembler à ce que vous parlait de la musique là, ce qui pouvait ressembler quand même à, à, à comment dire, parce que c'était quand même la grande époque on faisait des albums qui était lié à la sortie des films quoi. Euh, surtout des gros films comme ça des compilations, euh, euh, c'est qu'en fait pour le coup ça a vraiment été travaillé par Alex Proyas c'est à dire c'est tout un élément qu'il voulait vraiment mettre en place effectivement comme tu l'as dit, la présence de The Cure la présence de Nine Inch Nays, la présence de Stone Temple Pilots tout ça tous ces groupes en fait qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont dit... très cohérents en fait. ouais, voilà. et, pareil, et ouais. tout ça mmh. c'est vraiment un truc qu'il a vraiment euh, comment dire, euh, distillé dans le film euh, de manière très, très euh, volontaire en fait. c'est pas du tout des trucs qui sont plaqués euh, tu vois tu parlais de la chanson de Cure sur Dread bon c'est dans le générique de fin euh, le film il vient de se terminer euh, tu viens de te taper Tango et Cash, en gros mais avec Dread à la place quoi et tu te dis qu'est-ce qui se passe et tout quoi tu vois je veux dire t as, t as, t as... pourquoi cette chanson elle est là c'était juste pour dire que c'est pas évident c est, c est... je pense que c'était euh... enfin c'est pas que je pense c'était surprenant de voir The Cure tout à coup au générique d'un film et un film ouais, qui n'était ouais, ouais. pas un, un... Un budget énorme pour quoi. Une, quoi, une quoi, chanson quoi, inédite. Enfin ouais, 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 voilà. pas un film d'auteur obscur anglais, euh, mais, euh, mais un, un film, un pur film comic book aussi. Et, euh, et, et, et Moi j'aime beaucoup en plus l'utilisation de, de la chanson. J'aime beaucoup quand il arrive et tout. Je que la, quand, la, quand il ouais, La voix euh... Smith en fait à ce moment ça. Ouais, et qui se met à courir. Super quoi. Tel un film français des années 80. Bah ouais, mais bon. Je sais pas. Non, non, mais ça fait partie C'est vraiment je pense un que, que j'ai réévalué en fait. Ah, euh, mais moi j'aime beaucoup. Hein, vraiment, je, je... je trouve qu'en en fait, surtout, je, tu vois, avec le recul, il y a un autre truc aussi, c'est que je vois pas d'équivalent en fait. Il y a très peu de films en fait qui ressemblent à ça, qui sont aussi cohérents dans le truc goth et tout comme ça. Et, et avec un mal-être en fait qui, est, qui, qui existe, en fait, qui est là, qui est profond. Quoi. Ouais, est que, as, que, que tu l'as, mais. C'est différent de, de mais chez, on est en train d'emmerder Rafik qui est en train de bailler, bailler, bailler. Donc bah, bah, on va passer bah, bah. à la suite. La juste que, est est temps, juste je suis euh, on, on a un podcast pour couvrir toute la film. Voilà, ouais, mais tu sais très bien qu'on va faire 10 minutes sur Garage Days et sur euh, Prédiction. Oui, mais en je vais avoir la place. Alors, Rafik, Dark City. Dark City, bien, pas bien. Dark City, on a beaucoup exagéré. Merci. Euh... Alors en parlons <laughs> de <Garden> Dark <Days. rire> Dark City, euh... tu as beaucoup exagéré à l'époque parce que toi t'avais adoré, hein, je me rappelle. Non non, c'est mortel. Hein. En plus on l'a revu tous là. Ouais, c est c est vrai, ouais. Mec, je suis dans les bonus du blu-ray, c'est vrai. Ouais. Euh, et je, ah je, ouais, je m'en excuse. DVD je, dois, ah. bah, je dois avoir 28 ans, 27 ans, je sais plus. Euh... Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, salut, c'est euh, a... Rafik <laughs> Ma tête de puceau, là. Ouais, <laughs> ouais C'est du Murnau en fait, <laughs> euh, Donc, Dark City. Bah, c'est vrai, hein, les, <laughs> les étrangers, c'est une sphère à tout. Hein. Euh, on bah, on l'a dit, euh, dès, dès les années 80, il décide de devenir scénariste. Parce que pour lui, en Australie, c'est la seule façon de faire avancer sa carrière. Donc, ça ne va jamais le quitter. Et en fait, il va, euh, comme Julien l'a notifié dans pas mal de ses, de ses, de ses créations de l'époque, on a déjà des avant-goûts de, de Dark City. Ce, voilà, cette envie de réaliser un film qui soit sous l'influence, notamment du film noir des années 40, elle est, euh, elle est, elle est manifeste. Parce qu'au au départ, la première influence, c'est ça. Hein, c'est vraiment le film noir, surtout les, la littérature de SF, non D'abord le film lui. noir, ah ouais, oui, parce qu'en fait, son premier projet, c'était euh, l'histoire d'un détective euh, qui, euh, qui, euh, qui mène une enquête qui ne le mène, qui ne le mène nulle part, en fait, euh, qui, entre guillemets, le rend fou. Il s'associe d'ailleurs à, à euh, au scénariste Lem Dobbs, qui, euh, qui lui-même est un fan de Humphrey Bogart et D'ailleurs, son c'est pas son vrai nom, et, et le nom d'Obs vient du, en fait, tu sais, une référence au, au film de Bogart, qui était un, un gars qui avait débuté d'ailleurs euh, avec Michael Powell. Euh, et, et ensemble, ils développent ce, ce, ce truc. Sauf qu'au fil de, 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 du développement, il y a des personnages secondaires qui prennent de plus en plus d'épaisseur, et finalement, Proyas s'intéresse plus au mec qui est poursuivi par le par le flic qu'au qu qu flic qu flic lui-même donc il y a voilà il y a une espèce de, de bascule qui se fait mais l'élément fantastique en fait de, de ce flic qui, qui enquête sur un sur un univers euh, pardon, où rien ne fait sens quoi parce que de, de, euh, comme si les gens avaient entre guillemets plusieurs identités euh, successives etc euh, va finir par donner naissance à ce concept un peu euh, gnostique, quoi d'univers euh, qui est entièrement créé par, euh, par une, une espèce... Euh, spoilers, spoilers, euh, spoiler, 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 spoiler. <laughs> ah, voilà. C'est ah, vrai, bon. qu spo... vrai que si vous n'avez pas vu Dark City, il ouais, faut pas l'écouter. C'est pareil, en fait, un film... Un film euh... Alors je vais raconter dans l'ordre, peut-être peut pour ceux qui n'auraient pas vu, comme ça vous pouvez vous déboucher les oreilles. Dark City euh, nous raconte l'histoire d'un mec qui est interprété par Rufus Sewell, qui se réveille euh, dans, une, dans une baignoire. Euh, en présence d'un corps féminin euh, assassiné, il sait pas qui il est, il sait pas qui est cette femme, il sait pas pourquoi on le poursuit, euh, et en fait, il va être contrecoup dans la tête, il y a un dans une dans blessure, tête et, et il est contacté par un, un, un type très très étrange, joué par kiefer Sutherland, qui, euh, qui se présente comme un docteur, euh, et, qui, euh, et qui, en gros, lui, euh, lui dit qu'il est un, un potentiel, qu'il que, que, qu est poursuivi par des gens. Attention, euh, ils vous en veulent parce que vous êtes un potentiel. Qui sont ces gens qui le poursuivent quest ce que ça veut dire quoi être un potentiel Toujours est-il qu'un jour, il va assister, à, 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 dans sa fuite, il va assister à un spectacle inouï euh, où la ville se métamorphosent, euh, les immeubles reprennent place, etc. Et, et ils voient littéralement ces étrangers, ces, ces, ces types un peu au visage un peu émacié, qui modifient les gens euh, euh, et qui, qui leur recréent de nouvelles identités. Euh, donc à minuit. Chaque quoi, nuit. voilà. Et, euh, et Il s'aperçoit aussi que il a une épouse euh, jouée par Jennifer Connelly dans, avec laquelle il va essayer de, de reprendre contact, qui elle-même, comme tous les autres gens de cet univers, change d'identité et de vie euh, euh, chaque nuit. Et il a voilà. des espèces de souvenirs à la fois tenaces et vanneçants, quoi, de notamment d'un bord de mer, euh, d'un bord de mer dans, dans lequel ouais, ouais. il aurait grandi, voilà, voilà, Shell Beach, voilà, tout et à et à fait. dans lequel personne en ville ne sait. Enfin, tout le, il le, sait, monde, sait, ouais. tout le monde tout c'est ça. Voilà, voilà ce qui nous permettra à la fin du film d'avoir un plan très iconique de Jennifer Connelly qui l'attend sur la berge à Shell Beach. Pas euh, en fait, euh, du voilà. tout été repris par euh, Christopher ah, non, Nolan. Mais qui, ouais. <laughs> non mais Aronofsky, euh, euh, Nolan avec euh, les marches sur la plage. Euh, avec Jennifer Connelly voilà. hein, pour ce qui est d'Aronofsky en ah, le ouais, France. Ouais, non, mais bon. euh, non mais ce plan de Jennifer Connelly sur la plage, il a été repris trois fois de, trois <laughs> fois de suite. Le même, en fait, euh, avec la même actrice. Bref. Euh, donc effectivement, dans, au fil des réécritures, l'élément fantastique a pris un peu plus d'ampleur et du coup euh, a, a, a généré ce, ce caractère SF bien plus, bien plus affirmé. Euh, et, en, et aussi, il, a, il, a, il est passé donc de Dobbs à euh, David Goyer, qui avait écrit donc le, le, le script de The Crow: uh, City of Angels. Mais à la demande du studio, c'est-à-dire que le studio, je crois que c'est New Line, c'était déjà New Line à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils avaient passé l'étape euh, à la Fox notamment où il y a eu un moment, Johnny Depp qui était affilié au rôle principal et Proyas ne voulait pas, en fait, il voulait pas un visage connu pour le, le personnage de Murdoch. Euh, après il y a eu un moment où le tout s'arrêtait tout s'est suspendu parce que Tom Cruise a voulu lire le scénario il raconte ça je, je sais plus qui, qui dans l'équipe raconte ça mais c'est très drôle en fait ils disent du coup il y a Tom Cruise il a entendu parler du truc il a voulu lire et tout s'est arrêté tiens les mecs, ils ont attendu qu'il ait fini et après il a dit non je le fais pas et là le film a repris son cours et le film finalement a échoué à, 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 à New Line et pourquoi et oui et à ce moment là en fait je crois que c'est à ce moment-là que David Goyer est arrivé parce que, en tout cas, je sais pourquoi il est arrivé, mais je suis pas sûr que ce soit avec New Line. Mais en tout cas, le truc intéressant, c'est que David Goyer est arrivé et le studio a dit à David Goyer il faut que tu, euh, comment on le que ce soit un peu plus normé, en fait. Mmh. <laughs> parce que, que il ouais, faut que tu le rendes, enfin que tu le, le truc plus accessible, voilà. ouais. Et en fait, euh, et en fait, Goyer, ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est-à-dire qu'ils sont hyper bien dans, ils sont tendus comme la roue en foire avec. Euh, J'aime bien cette expression avec Alex Prayas. Et surtout, ils avaient les mêmes rêves. Quoi, en fait et, euh, et du coup, ça, ça a geekifié le bah, film. Bah oui, en fait, C'est ça qui est super. Quoi. Évidemment. Et, euh, et en fait, on va peut-être se débarrasser tout de suite d'un problème qui a souvent couru autour de Dark City, qui est euh, Dark, enfin, que Matrix a tout pompé à Dark City. Euh, da, euh, Proyas euh, a même ressenti le besoin de faire une vidéo sur YouTube. Alors il dit un peu, quand même que si. Hein. Il, dit, il est assez, moi je l'ai vu très vénère vis-à-vis -vis des vachos. Euh, Et en fait, clair. voilà, le fait Étrangement, il dit rien sur Nolan. Mais ouais. bon, <rire> encore une <laughs> le que euh, les vachos viennent du milieu du comic book. Euh, ce, ces idées là euh, c'est des idées qui tournaient beaucoup dans dans, dans le comic book de, de l'époque pas seulement le côté gnostique de euh, l'univers euh, dans lequel euh, j'évolue n'est pas n'est pas vrai il est factice etc mais aussi l'influence euh, enfin le croisement entre toute un tout un toute une référence SF voire euh, cyberpunk et, euh, et euh, le film noir des années, euh, années 40-50, le style film noir des années 40-50, parce que c'est aussi esthétiquement que les deux films sont rapprochés, pas uniquement au niveau de leur intrigue. Et le fait qu'ils aient été de... tournés tous les deux en Australie en réutilisant des parfois des mêmes, ouais. euh, des mêmes décors tout ça achève effectivement de faire et puis c'est New Line mm. et, et c'est New Line est voilà. New Line qui mm. était affilié déjà à Warner en tant à Warmer, enfin, voilà. allait être affilié à Warner non, ils quelques étaient années déjà affiliés à Warner mais ouais, euh... ils étaient déjà avec mais Warner voilà. donc et voilà et, arrivé dans, et au, au, comme en 93, Dark City 94 est, sorti, ans, ouais. est sorti avant Matrix évidemment pour les spectateurs c'est ah, évident que l'un reprend l'autre il est sorti quoi 3 ans avant non un an un an avant un an et le truc justement c'est que moi cette histoire des décors bon il y a des cyclos qui sont Ouais, se le dit. Maintenant, il faut quand même préciser un truc. Hein. Euh, euh, Matrix ça a été tourné en 98. Euh, Dark City, ça a été tourné en 96. Moi, je m'étonne qu'ils aient gardé les décors. Hein. Mmh. Si, bon, si, bien sûr, les ouais, toiles, ouais, bon, ça ouais. se garde. Hein. Et les décors, ça se garde très souvent, aussi, bien sûr. Euh, je sais que sur justement sur, sur Matrix, Matrix Reloaded, en fait, <laughs> euh, le, le comment dire. Euh... Joel Silver racontait que toute l'autoroute la, qu'ils ont construite, ils étaient dégoûtés parce qu'ils allaient la détruire derrière. Ouais, quoi. Bien sûr, mais ça, c'est pas pareil. Mais par contre, les toiles de fond et les, et les décors, ouais. les tentures et tout, bien sûr que c'est gardé, ça. C'est ouais. stocké, il y a même une expo en fait. Il y à a ça, et, et puis on a de toute façon des, des traces de, 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 pas de. Pas de scénario, mais de, de traitement de Matrix datant de 1994. Euh, donc à une époque où euh, euh, Proyas c'est lui-même en train de bosser. Dessus. En fait, le, le truc, c'est qu'ils ont, de toute façon, ces deux films qui ont capturé quelque chose qui était oui, voilà, dans, oui, dans oui. l'air, dans le temps, donc effectivement très présent dans le comic Chir, de, de l'époque, qui n'avait pas été exploité par le cinéma. Et, et comme tu l'as dit, avec, dans sa collaboration avec Goya, il y a des tas de choses qui vont venir se, euh, se, se greffer. Moi, je pense et... qu'ils ont des points communs, en fait, mmh. dans leur culture euh, commune, dans leur goût commun, en fait. Euh, dans la musique goth, par exemple, je pense qu'il y a des trucs euh, qui, qui, qui viennent, euh, qu'ils qu ont eu. Euh, que, qu ont eu quoi. On a parlé déjà de, du cinéma d'ailleurs euh, hongkongais et du fait qu'il ait travaillé auparavant avec Brandon Lee, etc. Quoi. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'à à, à la fin des années 90, on pourrait même en faire un corpus, mais il y a eu une obsession autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu tout à, tout à coup toute une vague de films comme ça. Qui te parlait d'univers construit ex nihilo où tout à coup le personnage principal ou en tout cas un des personnages principaux se mettait à découvrir que non, finalement, c sa vie entière, notre vie entière était un mensonge. c'était comme si à, à l'approche du nouveau millénaire, comme ça, il y avait il y a eu cette espèce de peur en fait qui a couru sur tout le cinéma. Je veux dire, Truman Show, même des trucs comme Pleasant bah, View. Passé virtuel. Passé hein. bah, virtuel, ouais, <laughs> carrément, bien sûr. Non, mais bien ouais. sûr, mais évidemment ouais. quoi. Je veux dire, qu Ce, dire, qu -ce euh... qui était produit par Roland Emmerich et réalisé bien par. Sûr. Je sais plus. Ah ouais, un ouais. de ces... Un de ces euh, comment mais ouais, mais je, moi je sais que je vais aller le voir parce qu'il est marqué Roland Emmerich. Euh, voilà. euh, mmh. On mmh. devrait faire un podcast sur le mec qui a réalisé Passé Virtuel. <laughs> pas le producteur mais le réalisateur. Tu vois. Non, c'était effectivement quelque chose qui était dans l'ère dans, 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 dans du temps. Je pense pas que c'était uniquement lié à, à la fin du, à, de, du siècle, mais voilà en tout cas l'entrée le, le, dans une société de l'information, de la surinformation, oui. où justement... Le, 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 on, on, les choses étaient remises en, en question que sur leurs fondamentaux et il n'y a rien de plus fondamental la, que la conception du réel. Bah, ouais. A été, enfin l'idée aussi de dire, il faut le préciser ça, hein, parce que mine de rien on est à la fin des années 90, quoi. Euh, le fait de dire euh, ah mais en fait euh, Matrix euh, qui était un carton hein, est une merde, mmh. euh, euh, comment dire, le vrai bon film c'est Dark City. En fait c'est ça que vous voyez, c'est des trucs de commentaires en fait sur les forums de geeks, ouais. si tu veux, euh, à la fin des années 90. En gros, si tu veux, qui en fait essaye de pointer du doigt que en fait l'un a volé l'autre. Mmh. Mais la réalité, si tu veux, c'est que euh, le vol, il est quand même assez, euh, pour moi, euh, léger. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si on précisait que en gros, à trois idées près, qui sont, moi, je trouve beaucoup plus cohérentes dans Matrix. En oui. plus, tu vois, personnellement. Mais en, en, euh, en tout cas, voilà, euh... voilà. le truc, c'est qu'on devrait se réjouir que, que deux films aient réussi à capturer ça. Euh, ce qui se passait au niveau Mais de a... la culture populaire de l'époque, parce que euh, on a, on a on a parlé donc de la. Pardon, de l'esthétisme associé au film noir. On n'a pas cité Murnau, donc je, je, je le recite euh, par rapport au, euh, à Nosferatu dans, dans la façon de décrire les, les étrangers. Euh, je, je parlais tout à l'heure de, de, de coup de cœur. Je, je, moi, je disais, je vois beaucoup de coup de cœur dans, dans Dark City et dans sa façon d'utiliser de, 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 certains, certains décors et de faire certains travelling enfin, la, la, utiliser l'architecture dans, dans les mouvements de caméra. Et euh, et il avait été aussi comparé à Blade Runner à l'époque ah oui, euh, euh, justement par cette idée de reconstruire toute une, une ville tentaculaire une, idée, hein, une mais... idée de ville mais pas, ouais, pas seulement une ville tentaculaire mais aussi une, la ville c'est-à-dire c'est c'est une ville qui représente toutes les villes en fait à tout prendre ouais. à tout prendre moi j'aurais tendance à penser Alors que, que pour les studios c'est ce qui a fait qu'ils ont produit le film c'est-à-dire ouais. qu'en fait ils du dit bah, c'est le nouveau Blade Runner Pff <laughs> voilà, et hop, on y va. Tu vois Alors que, soit dit en passant, il y avait un film sorti deux ans avant qui avait été un carton et dans lequel cette idée de la ville qui représente toutes les villes était parfaitement, euh, tellement parfaitement faite que personne n'avait réagi, c'est euh, Seven de David Fincher, euh, qui, qui a été un, un travail de production design délirant pour justement créer la ville ultime. Quoi. Toujours est-il que bon, sur Dark City, ça donne euh, lieu à des visions euh, sensationnelles et notamment tout ce qu'on appelle euh, la... Tuning. le tuning voilà lorsque les étrangers refont le monde entre guillemets et que les immeubles se mettent à voilà à, à, à changer les, 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 les pièces qui s'agrandissent etc enfin euh... suivant le rapport social en fait qu'ils essayent de créer ouais, parce ouais. que tu as aussi ce truc là c'est à dire ouais. qu'en fait en gros il faut expliquer pourquoi les étrangers font ça hum. en il fait, y a une espèce de logique en fait c'est une expérience c'est une, c est c est une... une, ouais. une il... expérience en fait sociologique ils sont persuadés et... que la que survie et... de leur espèce euh, va, doit passer en fait par euh... existentiel ouais. parce que en gros ouais. toute l'idée c'est que c'est une c'est des créatures extraterrestres qui disparaissent en fait qui ont disparu et qui recréent un monde en se disant comment est-ce que les humains existent en fait qu'est-ce ouais. qu qui fait qu'un humain est un humain quelle est l'âme humaine quoi et en gros euh, comment dire euh, bah, ils prennent les mêmes personnes et les mettre par exemple comme en des fait, comme Dans des, des tas de situations. Euh, voilà, hein. et puis finalement, ils les, les mettent dans, dans, dans. Comment dire ce, voilà. qu ce qui va les mener à la conclusion que celui qu'ils sont en train de poursuivre pourrait être le résultat de leur expérience, en fait, celui vers lequel, vers lequel ils tendent. Euh, mais, mais Parce qu'il a des pouvoirs télékinésiques et a des pouvoirs télékinésiques, ce qui est une magnifique excuse du coup pour intégrer aussi un truc pareil que Akira. avec lequel voilà, euh, non mais avec lequel Hollywood avait des problèmes, à l'époque. mais c'est clair, ouais. c'est clair que c'est vraiment du Akira quoi. Le, le, combat, le combat, final, c'est un ouais. combat de télépathe où les mecs s'envoient des trucs dans la gueule tout en volant. les des des choses qui ont repris dans, un petit peu dans dans, dans Matrix, dans Matrix Revolution. Révolution. Ouais. Bah, T'as quand même des plans assez. assez mais euh, oui, mais encore en une voit, fois, hein. c'était un non, truc non, qui était dans la culture de, de, des comics de, de, de toutes les années 90. Quoi. Tous, ces, tous ces cinéastes qui sont arrivés à la fin des années 90, il ils... bah, y a une raison pour laquelle par la suite, les films de, de ce genre-là vont être présentés en, en, en priorité au Comic-Con. Ah. Parce qu'on va bien finir par comprendre que c'est là que ça a, que ça a germé. Quoi. Euh, pour, le, pour le bon comme le mauvais côté des choses, hein, d'ailleurs. Euh, oui, Julien, vas-y, parce que j'arrête pas de te couper la parole. <laughs> non, pas du tout. non, Non, on t'entend pas, ça. Julien. Ah, non, 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 bah oui, moi je pense que, encore une fois, je pense que l'influence, enfin en tout cas le, la relation avec Matrix, tu peux pas l'évacuer comme ça, surtout encore une fois, si tu le mets, tu, tu rajoutes là dans la sauce, en fait, euh, Vecro, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des scènes de poursuite sur les toits. Mm. Putain, il y a des plein de trucs dans Vecro, dans la scène de poursuite sur les toits, j'ai pas pu m'empêcher d'arrêter de penser à l'ouverture de. de, de, de de Matrix. de Matrix après moi je, ce que j'aimerais bien c'est euh, pas avoir la vie de Troyas dessus en fait ça je m'en fous un peu c'est d'avoir la vie des Washo je voudrais ouais. savoir ce que qu'elles elles ont pensé en fait quand elles ont vu ces deux films là qui étaient, qui, qui étaient là alors qu'elles elles étaient déjà en train de travailler à qui allait devenir euh, plus tard. Ah, elles ont plus vu tard The, Matrix. Ouais, The Crow, c'est sûr. Que mais mais par exemple, il y a un truc de, de mise en scène que j'aime beaucoup. Enfin de ouais, c'est une mise en scène de couleurs en fait que j'aime beaucoup dans Dark City qui aussi me, me ramène à, à, à Matrix, qui est l'idée de Darius Wolski, donc le, le chef opérateur d'avoir euh, éclairé tout l'univers des humains. On va dire ça comme ça. Enfin, le, cette réalité euh, fabriquée. Avec que des lampes à sodium, donc c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça a disparu, mais à l'époque, c'était les lampes qui éclairaient, euh, le, qui, qui servaient à l'éclairage public en fait. Euh, Element of Crime, par exemple, de Lars von Trier, oui, avait, avait été entièrement éclairé avec ces lampes-là euh, qui servaient à, avant aussi à un fond d'incruste parfois et tout. Et c'était, euh, ça donne une tessiture, un truc un peu jaunâtre, un peu maladif, euh, li, 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 livide. Enfin, c'était quand même des lumières qui n'étaient pas très agréables comme ça, euh, comme ça à l'œil. Et par contre, tout le monde des, des, des étrangers éclairait uniquement avec de la des HMI, qui donne un truc hyper bleu, hyper électrique. Et là, encore une fois, alors, pour le coup, tu n'as pas le côté lamp à sodium du tout dans, dans Matrix, mais le côté euh, éclairage euh, au néon, euh, au HMI, à fond les ballons, euh, avec ce truc un peu bleuté, tu le retrouves à fond aussi dans, dans, dans Matrix. Donc, c'est vrai que du coup, il y a plein de trucs comme ça, plein d'échos, en fait, auquel tu peux. Le côté cuir, le côté. que tu ne peux pas t'empêcher, auquel tu peux pas t'empêcher de de Penser après, je trouve que c'est aussi ne euh, pas faire honneur en fait à Dark City de, de ramener ça. à ça. Mmh. C'est aussi un film qui a ses spécificités propre, qui est euh, un truc, quand même un OVNI, Enfin, qui était un OVNI. mais je me rappelle la première fois que j'ai vu cette bande-annonce, et encore une fois, je m'inscrivais moi contre The avec euh, le petit côté roquet euh, chiant. Enfin, que tu tu voir jeune comme ça en disant. Mais voilà. Il avait raison le gars mais dans son commentaire, le petit blondin. Mais en fait, quand j'ai. quand moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que mais ce elle truc était, elle, était, elle était géniale parce que. Ça vient ce machin, quoi. Il y avait pour cette bande-annonce, il faut le dire, hein, euh, euh, c'est la seule bande-annonce du film. Ouais. Euh, il n'y avait pas de parole. Une composition musicale faite exprès. Qui était géniale. Bon, voilà. Ouais. Euh, comment dire Il euh, n'y euh, avait pas de parole, il n'y avait que des images. Et tu te dis Putain, mais moi, j'ai envie de voir ça, en fait. J'ai envie de voir un film qui a cet univers-là. Ouais. C'est clair. Et moi, pour le coup, j'étais fan de The Crow, donc j'étais à fond euh, derrière le film. Quoi. Je suis allé le voir le soir de la sortie. Euh. Ouais, et c'est vrai que quand tu le voyais, c'était pareil. C'était une, 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 une bouffée d'air. En plus, malheureusement, on a vu le directeur Scott après. Moi, je préfère, un, un titre perso. Sur, sur plein d'aspects et ils ont un peu adouci le côté euh, déstabilisant qu'il avait dans le, le film initial c'est à dire qu'il y, y a notamment il y a cette voix off au début qui ouais. plante un peu le truc ça te prend plus par la main et tout en fait le, New Line a une réaction complètement conne quoi. mais c'est dû aussi aux projections test qui étaient pas bonnes mais, que... mais New Line a une réaction complète complètement conne en disant mais le problème c'est qu'ils comprennent pas et Proyas leur disait oui mais le spectateur ils comprennent à la fin et Nulan lui, lui disait, oui, mais ils ne comprennent pas au début. Et après, il s'est dit, c'est le but qu'ils ne comprennent pas au début, mais il faut comprendre à la fin. Et en fait, en se basant là-dessus, ils l'ont conduit. à… ce n'est pas des remontages euh, énormes, monumentaux, mais il y en a quand même pas y a mal. cette. Tout, euh, cette, cette qui sont, qui y a sont vraiment malvenus. Quoi. Alors, c'est marrant parce que je trouve que les cuts, finalement, ils se ressemblent pas mal, hein, à part cette voix off au début. C'est Voilà. Euh, et des des ce surtout... truc, après, il a élangé des scènes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a un tout petit peu, euh, comment dire. Euh, il a donné un petit peu plus de corps à certaines séquences, quoi. Mais euh, moi, je trouve que le film d'origine, il se tient quand même très oui, bien. Oui. C'est juste que c'est un film qui a mis énormément de temps à sortir parce bah qu'en ouais, en fait, il a été tourné Titanic, quasiment ouais. deux ans ouais. avant la sortie euh, euh, en 98 C'est-à-dire qu'en gros, euh, effectivement, ouais, parce que ça, il faut rappeler, bon, on en avait parlé, je crois, dans le podcast de Cameron, mais en gros, Titanic devait sortir en été, été 97 Et en fait, euh, les mecs se disaient euh, bon, apparemment, il y a quand même des chances que ce soit un gros carton, on ne sait pas, en tout cas, c'est un énorme budget et tout. Donc on ne va peut-être peut pas se retrouver en phase de... Parce que euh, c'est aussi, il faut le dire, de Dark City, c'est que c'était plutôt un petit budget. C'est 35, je crois, un truc comme ça. non, hein. ouais, euh, 23, je crois. Oui. Moi, j ai, j ai 27, eu... moi j'ai noté 27. 27 ouais, bon, en fait. bon, j'ai bah, dit 35, t'as as dit 23 et moi j'ai noté 23. Graphique, combien tu donnes Moi, j'irais 27, c'est bien. Ça me <laughs> bien. Alain, Alain, tu donnes combien à la louche Attends, je, regarde, je regarde. Bon, ah non, parce qu'on sait jamais, non, Mais donner un chiffre au hasard, on... <laughs> c'est un film en tout cas, quel que soit son budget, qui euh, n'est pas n'est pas excessif loin de là. Ah, non, non, non. C'est un film très généreux et c'est aussi ce qui à l'époque de sa sortie euh, faisait vraiment plaisir. C'était, il s'était donné les moyens de ses ambitions visuelles parce qu'encore ah, une oui. fois. Euh, ces fameuses scènes de, de, de tuning, tu as et ces immeubles, quoi, Furious, tu as ces immeubles qui, qui, qui se recomposent, mais avec en, entre les trucs des, des mecs en train de se poursuivre quoi, dans, dans le décor génial, en question. Scène, ouais. Et ça, franchement, voilà, pour quelqu'un qui a grandi dans les années 90, qui, tu, mais encore une fois, tu ne voyais ça que dans des comic books et quelques dessins animés japonais. Quoi. Ouais, non, ouais, c c et, et c'est une super idée visuelle moi je trouve j'adore ce truc surtout ce que j'aime j'adore dans les films en fait quand on te pose une, une situation là on dit le toning et tu pourrais t'arrêter là et le mec il se dit non je vais me profiter de ça pour rajouter une scène d'action au milieu de tout mmh, ça mmh. c'est génial quoi en fait c'est super parce que t'es vraiment immergé dans le truc fais on t'exploite euh... à fond le truc. et Nolan, ce concept de, les... de, 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 de bah, en gros d'univers factice qui est qui est, qui est recomposé euh, chaque jour à minuit ça, ça lui offre aussi en fait il ces comment dire, ces, ces réflexes de cinéaste amoureux de certains types d'images se justifient scénaristiquement. C'est-à-dire, le, le mec, évidemment, le, il adore les cités la nuit, euh, les, les villes, les, les villes vides dans lesquelles une silhouette traverse sous la pluie, etc. Et, et là, dans cet univers-là, il, il fait toujours nuit. Mais c'est normal, en fait, personne ne se pose la question. Euh, donc ça va permettre de faire un film entièrement nocturne. Euh, oui, la question, elle est posée hein, d'ailleurs dans le film. C'est-à-dire, il... les gens, si, si, en Vendée, est-ce que tu te poses la question de pourquoi tu n'as jamais vu le jour Jeudi, ouais. il, hein, il pose la question. Il ouais. hein. y, a, y a un truc aussi qui est génial. Mais c'est justifié par, par le récit. Enfin, le récit ne sert à justifier ouais, qu'un euh... désir esthète, en fait, si tu veux. Ouais, euh, ouais. Et, euh, et c'est pareil avec euh, le look des, 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 des personnages. Donc euh, il est fan, effectivement, de. De ce, de ce look des années des années 40. Il se prend deux des comédiens qui, en plus, ont, ont, ont toujours été associés à ça. William Hurt, dans le rôle du détective William Hurt, il a démarré avec la fièvre au corps. Hein. Basiquement, c'est vraiment le film qu'il a lancé à Hollywood et qui est un pur film noir, hommage euh, de, de Laurence Kasdan. Euh, et Jennifer Connelly, ça faisait des, de, depuis pratiquement le début de sa carrière qu'on qu la voyait comme une pin-up des, 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 des années 40. Et là, il te le, il te le fait cash. Quoi. Il t'en fait une chanteuse dans, dans, dans un cabaret et ça marche du feu de dieu parce que tu sens que tout a été construit c'est un... voilà c'est le clipper qui euh, qui s'est fait qui a trouvé le, le, le bon récit en fait pour clipper comme un fou sans, voilà, sans, voilà et... William Hart c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux donc. et mmh. ça, ça et aussi le, le... Moi, oui mais ça c'est les restes du premier projet ouais, ouais. mais et ça et puis je trouve aussi que le tu vois par exemple le, le... Tout, tout le film a été tourné en, en studio aussi, à, alors en Australie, hein, c'est pas tourné, il n'a pas tourné aux, aux États-Unis. Oui, parce comme, que, comme, comme Matrix, comme, voilà, on dit tout comme à Matrix, et, et, et dans les futurs studios de la Fox, là, donc enfin ce qui allait devenir les studios où ils vont tourner les préquels de, de Star Wars, tout ça, bref. Mais mais euh, et, et donc avec des décors qui n'étaient pas si énormes que ça. Enfin, il y avait quand même des gros décors, mais ils étaient quand même assez limités, quoi. Euh, Volsky, par exemple, pour mettre ses lumières, par exemple, il trouvait que les décors parfois étaient trop étriqués parce qu'il voulait aussi avoir ce côté un peu étouffant et euh, il, a, il, a, il a appliqué un truc que lui avait appris euh, euh, Tony Scott en fait sur, le, sur les tournages c'est quand t'as pas de place en fait pour mettre tes projets il faut que tu aies une, toujours une tronçonneuse avec toi et donc il avait, il venait avec sa tronçonneuse et il découpait le décor à la tronçonneuse pour mettre ses projecteurs et tout quand il le voulait. Voilà, une leçon de Tony Scott. Mais ce qui est cool aussi de ça, c'est que en fait c'est de, j'ai une image de Tony Scott dans son champ, avec son cigare et maintenant une tronçonneuse. Et en fait, ce qui était, ce que j'aime beaucoup moi là-dessus aussi, c'est que. Euh, euh, sur ce côté confiné c'est que du coup il a, la, les perspectives sont pétées, c'est à dire qu'il y a plein de décors qui sont en perspective forcée ou des, et ils il l'assument complètement, il y a une vraie logique en fait là-dedans parce que tu dis effectivement la, la perspective est pétée parce que c'est une vie qui la perspective peut plus fonctionner tellement les mecs ils ont tout remodelé en constamment et puis parce que c'est un îlot perdu dans, 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 dans la galaxie quoi. et euh, ça j'adore ça en fait il y a du coup des trucs aussi au moment du cinéma expressionniste, il y a un plan large, par exemple, avec des, des fils de voitures comme mmh. ça, miniatures, qui défilent. Et tu te dis, mais elles vont dans quelle direction et pourquoi, en fait, la ligne de fuite, elle est là, ici, et là, elle est, elle est, elle est, elle est à cet endroit. Mais du coup, ça fonctionne, en fait, tout de suite. Tu te dis, ah oui, il y a vraiment un truc qui est, qui est pété, en fait, dans cette ville. Il faut que je comprenne pourquoi c'est cassé comme ça. Quoi. Film euh, qui a été, ceci dit, encensé par euh, Roger et Berthe. Oui c'est ça. Ouais. C'est à dire qu'en fait c'est les, les, ah, le les prémices du DVD. Il faut savoir ouais. que c'est un film très cérébral. Hein. C'était presque attendu. Je dirais que la critique l'accueil euh, ouais, plutôt bon, bien. Bah, est... Pas non plus. Ils sont pas montés au plafond. Mais pas un grand cérébral, là, Roger Ebert. N'était pas un grand cérébral. Il faut le dire. Quand même. Non mais il se voit comme cérébral. Oui mais tu vois par exemple ce qui était intéressant c'est je, je... pourquoi je connecte ça en fait. C'est à dire que en gros je sais pas pour vous mais moi c'est un des premiers DVD que j'ai acheté. Euh, vraiment euh, en DVD, DVD quoi, et euh, à une époque où on va dire que. Édition bah, américaine juste... ou canadienne. Américaine. Ah donc tu avais pas le deux pouces en l'air là. Non, deux pouces en l'air. Euh, <laughs> Roger Hébert, deux pouces <laughs> en l'air. Mais euh, mais euh, non, par contre, euh, euh, tu avais son commentaire audio. Mmh. Ouais, en mmh. fait, avec euh, voilà. Et en fait, ça participe aussi de la renaissance du film, c'est-à-dire que c'est un film qui s'est planté ouais. quand il est sorti en, en salle. Euh, qui, moi, je pense, paye les pots cassés en fait, justement, de, de, des films qui vont arriver. À mon avis, sans Dark City, il n'y a pas, euh, comment dire, euh, Le Seigneur Zano, d'une certaine manière. Mmh. Mais Matrix, <laughs> Matrix, c'est <je rire> vraiment pas. Je... Non, non, en fait, il n'y a pas. C'est ce que... vrai que New Line ne savait pas comment vendre ce truc. Ouais. Voilà, y a, mmh. en fait, si tu, si, si, tu vois qu'ils sont intéressés, tu sais qu'il y a un Michael DeLuca derrière pour s'intéresser à ce genre de choses, mmh. qui était un exécutif du, du Sans Dark City, il n'y aurait pas eu perdu dans l'espace. Alors, ça, ça, moi je pense qu'en fait. Non, sans... perdu dans l'espace, c'est ce c'est ce qu'aurait ce qu dû être Dark City. Mais euh, voilà, c'est ça ce que j'allais dire plutôt c'est que, en fait, c'est justement sans le succès de Seven, sans le succès de certains trucs comme ça, en fait, où les mecs sont dit d'un seul coup, putain, on a, on a The Mask, tu vois, il n'y aurait pas perdu dans l'espace, effectivement. C'est là où, en fait, c'est plutôt là que ça se joue. Mais par contre, en fait, des projets proto-geeks parce que c'était ça en fait hein, ça, je veux ouais. dire, mm. là aujourd'hui on est arrivé à un stade en fait où la, la, la pop culture elle, elle, elle s'auto bouffe en fait hein, elle s'autophagocyte quoi et euh, le truc si tu veux c'est que bah, nous à l'époque ces projets là c'était des projets euh, c'était euh, des projets qui faisaient le forcing en fait quand les gens avaient les des références des... en fait mm. bah, justement ils se faisaient d'une bande annonce avec une musique et en fait on disait oh putain il faut aller voir le film mais on, mais était, combien surtout, on était combien surtout c'était combien aller voir ça quoi des, ça combler des, des, des manques des... Quoi. enfin moi je sais que j'avais un manque de ça je voyais ah ouais. tout à coup les mecs qui se levaient comme des vaisseaux spatiaux en fait dans les années 90 quoi moi j'ai été content de voir Star parce qu'il y avait deux trois vaisseaux Passion en fait de temps en temps dans le truc quoi, et là de voir les mecs en fait qui l'évitaient qui s'envoyaient des coups de poing par la gueule et tout. Parce que moi je suis de ce en fait avec le comment dire l'un des étrangers qui l'évite en fait sur le truc. Je me suis putain, mais c'est quoi cet univers quoi? C'est c'est pas que un film noir en fait. Et puis il y a aussi ce goût du de l'image, mais ça je pense que ça vient aussi de son amour de la littérature de SF. C'est quand tu lis de la SF aussi, tu es souvent amené à lire beaucoup de nouvelles. Et je trou... par exemple, la, la, la scène de révélation, en fait, quand il révèle avec William Murphy et il casse ce mur de briques pour révéler en fait, l'espace derrière, pour moi, ça c'est un pur truc de nouvelle mmh. SF. c'est pas vraiment un truc de clipper pour le coup, pour moi, ça. C'est vraiment non, un non, truc ouais. d'un mec qui a lu beaucoup de nouvelles de SF qui s'est retrouvé à la fin avec oh, ⁇ putain, mais en fait c'est la Statue de la Liberté qui est sur la plage, comme ça je vous ai spoilé un autre film. <laughs> ⁇ Mais, euh, mais euh, voilà, mais, mais non, mais tu vois, c est c est ce nous genre avait, de tu trucs, te quoi. rappelles quand on, qu on parle au début, des, début du podcast, mmh. mais en fait, un des troisièmes podcasts qu'on avait fait, c'était La planète des singes. Ah ouais, et les vrai. gens nous avaient reproché d'avoir rêvé. La fin de pas la les la <laughs> Et là, il ah, y a des, dit... des gens qui l'ont pas vu. Hein. Ouais, mais il est... ouais, le film, il a 50 ans. Il ouais, euh... y a des jeunes. Hein, c'est devenu ouais, l'affiche. Euh... <laughs> c'est devenu l'affiche. Non, de non, mais, non, mais, non, voilà. mais, non mais, mais je veux <laughs> dire, y y il y avait tous ces trucs-là. C'est vrai que c'était. Euh, c'est ça aussi. Dark City, c'est comme Blade et Blade 2. Enfin, surtout Blade, quoi. C'est surtout le premier Blade. Il faut les replacer dans leur contexte, en fait. C'est des films de proto geek en fait. C'était tellement. Ça faisait du bien. Quoi. En fait, quoi, ouais. on te disait, putain, ça peut marcher. C'est pas obligé d'avoir Batman je... et Robin. Non, moi, j'aime bien Batman et Robin, <laughs> mais tu sais <laughs> tu vois ce que je veux dire. Veux... C'est des béliers. C'est des, ouais, des trucs qui ont vraiment forcé l'entrée le, de, de toute une culture pop qui était en train de pulser dans d'autres médias. Dans le jeu vidéo, dans le manga, dans, la, dans le comic book. Et tout d'un coup, le cinéma qui, jusque-là, résistait à ça parce qu'il voilà, n'y avait pas le. Parce qu'il n'y avait que des vieux, en fait, pour produire. Oui, clairement, film. clairement. Oui, ou, mais... ou des, des mecs des codes de, de commerce. Comptes, quoi. Ouais, et clairement. tout d'un coup, tu as effectivement ces proto-geeks qui, arri qui arrivent et qui défoncent le truc. Et, qui et le... justement, en fait, la raison pour laquelle j'en parle, c'est <coughs> <c> que <coughs> ça peut marcher artistiquement, c'est-à-dire que le film est mortel, quoi. <coughs> Mais ça marche pas forcément. Commercialement, euh, non, parce qu'il faut savoir le vendre, encore voilà. une fois. Et, et, et ouais. le truc, c'est que je pense qu'en fait, c'est aussi le malheur de la carrière d'Alex Proyas. En fait, c'est que euh, pour moi, Alex Proyas, pourquoi j'ai précisé tout à l'heure qu'en en fait, euh, effectivement, lui se voit comme un auteur, mais qu'en fait, la question, elle se pose de manière extérieure à sa carrière, c'est-à-dire pour la, la façon dont les gens peuvent le percevoir, c'est que il va faire quasiment, à part Garage Days, on, mmh. on, va, on va y venir quand on va y venir, mais. En fait, il va ne faire que des projets de, de euh, studio, euh, comment dire, de studio pour, qui ne sont pas initiés par... AeroBot, ce n'est pas initié par lui. Ah oui, non, non, euh, euh, Gods of Egypt, ce pas initié par lui. Il l'a même pas mm -hmm. écrit, pour le coup. Et, et bon, prédiction, voilà. Mais euh, après, que, que lui, il les investisse, c'est une, une autre idée, c'est une autre chose, <coughs> on va en parler. Mais en gros, en tout cas, s'il avait réussi à avoir un succès avec Comment dire euh, 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 Dark City. Vrai que... je pense qu'il aurait été le chef de file de, toute cette, de, toute, de, de, tout, de tout ce mouvement en il fait. y a un, y a un, y a un, un vrai rendez-vous manqué. Alors heureusement encore une fois qu'il y avait le physique parce que c'est ce qui a permis en fait au film de, voilà, de se rattraper et de cartonner. Et, 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 et encore une fois, on, dès qu'on a l'occasion de le rappeler, on le rappelle. Mais voilà, le physique en fait, le fait que tu avais les films qui étaient vendus tout à coup à deux vitesses, donc ils n'avaient pas forcément le temps ou l'opportunité de pour plein de raisons en fait de de, de, de marcher en fait en, en salle bah tout à coup au physique ça, il se rattrapaient quoi je veux dire, il y en a eu tellement des, des grands films comme ça quoi Elboy ouais. euh, Starship Troopers enfin euh, voilà il y en a énormément Metropolitan en fait. a fait des études en fait c'est à dire que si en fait ils ont, ils ont étudié le, le, le DVD d'artiste ils ont dit si on le sort sans Rafik on oui. fait un million de moins de ventes que si on le sort avec Rafik donc mettons Rafik dedans bah, voilà oui. et donc Rafik s'est retrouvé dedans Appelle-les pour toucher un peu de pognon. Non mais Capture Mag n'existe que parce que le DVD de Dark City s'était bien vendu à voilà, Cracked. Exactement, ouais, c'est ça. Notre notoriété <laughs> démarre là en fait. <laughs> oui c'est hein, vrai ouais. qu'il y, 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 euh... enfin, y, y a un truc, il y a un truc... Enfin c'est clair que Dark City, l'échec, il y a un truc qui va casser quoi. À partir de là ça va être compliqué. Quoi, bah, lui en fait, alors c'est marrant parce que quand il parle justement de, du rapport à Matrix, il dit euh, je ne je, je, je veux pas donner l'impression en fait que comment dire je sois amer à l'idée qu'il y a un film qui est cartonné derrière et tout. Mais euh, euh, si Amertumia, ce euh, c'est pas dirigé vers, euh, vers Matrix mais c'est vraiment dirigé vers l'idée que en gros, c'est un film qui est resté quasiment pendant un an sur, euh, sur les étagères de la New Line que euh, comment dire, euh, il a été un petit peu remonté même si bon, moi je trouve qu'encore une fois, c'est pas pas le truc le plus euh, comment dire, il a été massacré, c'est Voilà le plus flagrant quoi, c'était que ça reste quand même un très grand film euh, voilà. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre hein. C'est-à-dire que clairement, c'est son, clairement. son, c'est le film le plus pro yassinien tu vois, ça, ça se dit, tu vois. Euh, mais, euh, mais euh, c'est clairement ça. En fait, c'est ça c'est ouais, ouais, pour ouais. ça aussi qu'on en parle, c'est qu'il ouais. y a quand même un mec encore une fois qui est très singulier derrière tout ça, quoi. Voilà. Et, euh, et il va et mettre qui, quand même, et, rien, euh. et qui, qui d'une certaine manière, raconte encore une fois euh, se raconte à travers le le film. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard que que, que, que ce film-là. Euh, Mettre en scène un personnage qui soit euh, littéralement capable de, de modifier euh, le monde par la seule, la seule pouvoir de son, de son esprit. Cette idée de Proyas qu'il qu a un, un, un pouvoir de création et que c'est ce qui en, en fait un personnage unique, c'est pas à sous-estimer. Hein. C'est un truc qui, à mon avis, euh, est vital chez lui. Euh, et, il n'aurait pas tenu le coup dans sa carrière, justement à cause de ses rendez-vous manqués ou ses échecs, etc. Euh, S'il n'avait pas cette conviction qu'il a un truc à proposer au monde, euh... je pense que c'est le cas. Hein. Je pense qu'il a un truc. Hein. Et je pense qu'il ne lui a pas donné l'occasion en fait, de tout lui faire, mais ça on va en parler tout de suite. Oui. Et puis le truc c'est que derrière en fait il y a aussi encore une fois il y a, y a, y a, c'est quelqu'un en fait qui arrive à créer des, des, des euh, notions en gros euh, de fin, comment ré se réapproprier des codes en fait de la narration cinématographique. Le flashback par exemple dans euh, Dark City, mm. c'est incroyable la façon dont il l'utilise cette espèce de flash qui reviennent voilà où tu comprends absolument tout ce qui se passe. T'as aucun souci en fait voilà. Bon, je trouve le, 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 le même si lui se met en, en scène dedans en fait le personnage de de Kiefer Sutherland en fait euh, voilà ça, ça aide à, à, à digérer la narration. En fait les images clés sont hyper euh, sont Génial, hyper fortes. Hein. Moi, ouais. pas ça. Le fait si, qu'il si, si, met, se mette dedans, dedans oui, mais ça aide super. à la narration c'est ça que je veux dire. Alors ah, qu'à la limite visuellement en fait si tu veux ça pouvait passer aussi quoi. Mm. C'est à dire que en fait il l'explicite pour le coup. C'est peut-être là où en fait justement un David Goyer se retrouve à expliciter justement le, 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 le truc quoi. <laughs> Shell Beach, par exemple, c'est un truc qui est, qui, est, qui, est tout, qui est basique, mais en gros, il y a aussi ce truc, c'est que quelque part le beat du film, euh, il est presque incompréhensible parce que en vrai, euh, ça reste un film qui est totalement tourné vers le public. Totalement. peut pas au début effectivement, mais à la fin, ça reste un film, un film émotionnel, c'est une histoire d'amour. Il y a quelque chose en fait de, de, de voilà. Voilà, ouais, puis il y a quelque chose de totalement, euh, encore une fois. Euh, euh, populaire, en fait, dans la logique de présenter le, 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 ce que ça raconte. Et, et puis, il y a des, plein de petites idées. Moi, j'adore le fait, par exemple, que les étrangers soient euh, androgynes. C'est-à-dire qu'il bon, y, a, y a cette idée d'avoir un petit gamin au milieu des étrangers, quoi. Il y a et un as, truc... T'as le comédien, t'as et... le créateur de Rocky Horror Picture Show. Dedans, oui, euh, oui. Et, et, euh, et en fait, il a fait jouer aussi des femmes, en fait. Il euh, y a... Y a j'ai mis longtemps en fait, à le déceler ça, mmh. parce que je l'ai entendu dire et puis après je, tu repères et tout ouais. il y a des femmes qui, ont, qui sont doublées avec des voix d'hommes aussi parfois et j'adore ce truc-là en fait j'adore le fait que les étrangers ce truc euh, et et je vais aussi un autre petit truc dont on n'a pas parlé, c'est que le boulot de Tatopoulos, moi, je suis pas toujours oui. un fan de Patrick euh, Tatopoulos. On n'a pas parlé. Tatopoulos. Je sais pas si il gars Mais il y a un <laughs> grec. Ouais, mais il y a un truc. <laughs> mais je trouve qu'il a, a pour le coup dans, dans Dark City, j'adore. Moi, son boulot. Ils ont bossé. Et puis surtout, j'adore cette idée en... du grand visage là qui s'ouvre mmh. avec l'horloge à l'intérieur. En étroite collaboration. c'est vrai que ça On en parlé. Batman et Robin. Le truc, c'est que Tatopoulos était déjà sur le design alors que le script n'était pas encore écrit. Donc, à partir là tu peux concevoir à quel point le travail euh, du, du design a influencé le récit le récit, euh, récit lui-même et c'est vrai que de, oui, euh, merci Julien de de le remettre euh, je m'en veux de pas de pas avoir cité son nom parce que c'est de mon utilité parce que même si on sait très bien que en euh, bon fera, fan de, de Roland Emmerich, ne <laughs> fera jamais, jamais mieux que ce qu'il a fait avec Roland Gate, Dark City ça reste quand même un des, un des vrais beaux boulots de oui. ouais, c'est clair ça est Star Gate alors ensuite on passe, la, on passe à la suite ou pas Non, déjà. Vous non, avez ben voilà, vraiment, en tout ouais. cas, voilà, il se prend quand même l'échec dans la dans, dans bah ouais, gueule, ouais. dans les dents. Il a la pub pour tenir, il faut le rappeler. Il hein, va euh, mettre 4 euh, ans à refaire euh, un film. Hein. Oui, il, mais il, il, va a attirer, de, il, a, il a de quoi vivre à côté aussi. Voilà. Et là, de quoi vivre sa dépression et, Mais c'est surtout c'était un truc qu'il disait lui, qu'il a beaucoup, et dont il a beaucoup parlé. Il disait tout à j'arrivais au cinéma. Alors lui, son but c'était de faire des films, pas de faire du pognon et quoi, et quoi que ce soit. Mais surtout ce qui, ce qui était compliqué pour ces mecs-là, a priori. Hein. Et je pense que ça explique des carrières complètement ratées comme euh, Marc Romanek ou, euh, ou des, des mecs comme ça. C'est qu'il était traité comme une star en fait dans la pub et dans le clip avec des budgets hallucinants. Vous avez tous les gadgets, donc qui voulaient les, les dernières grues, les derniers machins, des super opérateurs, des super euh, chefs-op, etc. Et il arrivait au cinéma, on le traitait comme de la merde, quoi. On réécrivait les trucs, euh, il n'avait pas de budget, il n'avait pas de pognon, il devait, il devait gérer les trucs avec des, des bouts de ficelle, quoi, tout le temps, en permanence, quoi. Et je pense que ça, mine de rien, en fait. Euh, ça doit pas être si facile que ça psychologiquement à faire, même si quand même tu te dis euh, oui, mais je fais mon film. quoi. Ouais, d'accord, mais bon, je pense que dans le quotidien, en fait, ça doit pas être très, très facile. Alors, à bon, gérer. Euh, des films où il y aura des énormes budgets, euh, je veux dire, euh, ils vont en faire un ou deux hein, derrière. Et ouais. euh, le truc, c'est que. ouais, quoi Deux. Un. Egypt, il y a ah oui, God of Egypt, ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, mais peu moins poignons. que ce qui est prédit. Hein. Ah ouais. <laughs> dit, ah ouais, beaucoup, mais euh, <laughs> bon, en tout cas, euh, comment dire, euh, l'idée initiale bah, de Garage ouais. Day, c'est de vraiment revenir à un tout petit oui. film. Et, et, et revenir à l'Australie aussi. Alors moi je pense que c'est. Revenir à ses racines, à sa jeunesse, moi ouais. je pense, il y a plusieurs ouais. comme ça. Oui, enfin c'est un, 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 un tout. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, euh, 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 j'aime bien cette expression là. C'est un peu l'idée d'être fiscalement conscient, en fait. C'est-à-dire, euh, je, 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 je francise complètement une, une expression américaine, quoi. Mais de se dire, ok, donc là, j'ai fait des films. Qui, 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 j'ai fait un film qui s'est planté. Faut que je fasse un tout petit film, euh, comment dire, qui est un film américain. D'ailleurs, parce que c'est pas un film australien. Gargé, euh, c'est mmh. produit par la Fox, Fox Searchlight, en l'occurrence, quoi. Euh, et, euh, et alors, bon, alors c'est. Euh, Comment raconter le, le bah, film C'est d'une... C'est une chronique, hein. C'est une chronique, ouais. c'est ouais. les affres d'un groupe d'un... En fait, c'est un film plutôt choral, moi, je ferais ça comme ça. Et ça suit donc un, des, des aspirants euh, rockers, quoi, qui, euh, alors, qui, qui sont en lutte euh, à la fois pour leur carrière et pour leur vie... Euh, et, et sentimentale. Sentimentale, quoi, voilà. Et donc comment euh, et balancer l'un et l'autre et tout voilà. voilà. Et donc c'est surtout je pense pour Proyas une aussi enfin entre autres choses mais je pense que c'est aussi une une façon de dépeindre tous ces euh, tous ces passionnés de la, de la de la scène musicale que donc lui il a côtoyé dont il a été un, un des acteurs puisque Rafik l'a dit euh, vite fait tout à l'heure mais il, il, a, que... il, a, il a il a il a été il a fait partie d'un groupe même si à 3 4 mois ça a jamais été très sérieux mais et en fait ça a jamais été très sérieux ouais. il était derrière un synthé Ah oui, en il fait, était il était, synthé, il était au synthé et en fait il, il avait il avait un micro aussi il chantait donc en fait mais j'ai aimé voir ça à mon avis vous faisait des voix derrière des, vo des vocales. Oh, ouais. il, <laughs> il a composé il a composé une chanson pour Campion, euh, ah, oui, oui, oui cours, mais en fait. voilà donc en tout cas en tout cas il a fait partie de ça même si lui-même effectivement reconnaît qu'il n'a jamais il était déjà il disait j'étais déjà cinéaste à l'époque mmh. hein, c'est-à-dire donc euh, donc mais... voilà quoi donc voilà Garage D, c'est ça. Mais en fait, ce qui est sympa, juste pour voilà, donc y, évidemment, t'as as le producteur de musique euh, euh, complètement euh, véreux Enfin, enfin pas verreux, mais, mais, mais les, salaud. Les, ouais, c'est un connard tôt ouais. de fini quoi. Mais il y a un personnage que moi j'aime bien dans le film qui est un vieux rocker en fait, ouais. sur le retour euh, qui se maquille comme les, les chanteurs de Kiss et tout là. Et, et, euh, se Balade souvent au but et tout, c'est assez, assez rigolo. Il y a quand même un vrai côté australien en fait dans le film, je pense. Les je ben bon, euh... c'est pareil. Moi, je suis comme Raph, je suis jamais allé en Australie, je connais pas la ville et tout, mais je trouve qu'il y a un vrai côté comme ça en fait qui est, qui est pas désagréable en fait dans le Garage c est, c est pas, surtout que pas de C'est pas désagréable, c'est surtout hein. que c'est oui. un retour un retour en tournage naturel, c'est à dire oui, qu'en fait, alors, ça un retour faut... avec plein des fixes et tout, quand non, même, mais d'accord, bien ouais. sûr. Mais de, de, de comment dire, t as, t as une puis, des actrices principales qui raconte que à l'époque, elle racontait que. Alors, je vais de ce voir mes fans et tout, mais en fait, je ne suis pas capable de faire une bulle, en, une bulle de chewing-gum en, en, en vrai. Donc, en fait, elle est en numérique. Tu as envie de dire bah oui, euh, ça se voit un peu. <laughs> ça ça un peu ça ça pique, ouais. Ouais. Euh, Sous influence anglaise, quand même, assez marquée. Parce ah, que, clairement, trend euh, c'est voilà, une évidence. Effectivement, j'ai l'impression. Pareil, il y avait plein truc de trucs à que, cette époque-là, comme voilà, ça, en fait. Il hein. y a eu dans les années, donc, dans les, dans les années 90, ah, un une, peu après, hein. toute une vague. Euh, de... qu'avait qu avait démarré avec quoi quel serait le film qui a vraiment lancé cette, cette vague là parce que même, même un film comme la Cour je le Cour, je le fais rentrer dans cette, dans cette catégorie là alors moi, moi je dirais plutôt de... euh, Petit meurtre entre amis et, ouais, euh, et oui c'est ça, petits, ça petit, un, en gros et Danny Boyle ouais. euh, voilà de, de cinéma Guirici. ultra cuté <laughs> Bourré d'effets. En, en gros, tout ce que le cinéma utilisait déjà dans sa narration euh, de, de, de flashback, flash, flash forward, euh, etc. Mais de le faire d'une façon presque épuisante, d'une certaine manière. Bah, pour en fait, bourrer, de retrouver ou... la frénésie euh, de en, vie recueur, euh, voilà, c du ça. jeune. Euh, <laughs> Du jeune, quoi. Ça. <laughs> le jeune, tu vois, quand il a des hormones, des machins voilà, et de tout pas, De ne pas hésiter à et faire Et qu'il va voilà. tout le temps bouffer des kebabs, bah, il aide. C'est c'est là quoi. Si tu as, si as envie d'un ralenti, tu le fais. Si tu as envie d'un accéléré, tu le fais. Euh, si tu as envie de, non, non, ça, de que ta clair. caméra tourne de façon totalement inutile autour des personnages, tu le fais. Mais quand ils s'embrassent. Comment Mais quand il On respecte cour le Mais non, mais voilà. Mais du coup, ça donne au film une texture très cinéma britannique des années 90. En fait, a, moi je trouve qu'il y a un, un, un problème étrange. En fait, que, euh, 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 Proyas se pose cette question. Il le dit encore aujourd'hui. Hein, il dit est-ce que je suis vraiment taillé pour faire des comédies quoi Et effectivement, ouais. je pense que en fait, je suis pas, pas sûr, très drôle. En fait, c'est marrant parce que tu as vu, dans ses pubs, il y a plein de pubs qui sont très drôles. qu'il a réussi à faire. Ouais. Mais, mais quand que... c'est un gag sur un instant ou un truc, ouais. mais pourquoi pas et là, Mais, mais là, dans ces films, dans le, à chaque le fois qu'il essaye de faire de l'humour, c'est surtout qu'il y a un truc qui est très étrange, c'est que ça se veut à la fois une comédie avec un personnage qui est schizo. Euh, donc t'as toute une scène entière enfin t'as une scène entière en fait où, euh, où t'as un personnage qui, euh, dont on croit qu'il est en train de tromper sa petite amie enfin, je spoil hein, j'avance euh, dans le mmh. truc et en fait on se rend compte mais très tardivement dans le film hein, c'est un film qui fait 1h45 qu que, 1h20, que, ça, quoi, quoi, que sa maîtresse n'existe pas que sa maîtresse n'existe hein. pas et qu'il est en train de baiser le mur là, parce qu'ils sont en train de s'embrasser contre eux, voilà et donc il a littéralement le froc par terre ce qui devient une scène ridicule euh, euh, mais euh, et, et tu te dis ok donc tout ce personnage qui existait qui est en plus hyper euh, gothique. En fait, elle a un moment donné, où elle apparaît en fait dans, bah une, ouais, dans un dans en train, en train de, de, de le chevaucher dans un cimetière. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, tout ce truc en fait qui vient de l'esprit du gars. Euh, où lui-même dit en fait je veux être normal je veux être normal parce qu'en fait il y a sa petite amie qui tombe enceinte de lui à ce moment-là euh, euh, c'est un truc qui arrive très tardivement au bout d'une du heure du il, il, 20... il décide d'adopter une pastèque voilà alors ça c'est pareil il y a une scène un peu étrange ah, non, un melon melon un bon, bon, un bon, bon, hein, bon, bon, merci qu'il appelle Méli d'ailleurs et en fait il y a aussi un truc où il fait ah, ça c'est pas drôle ça, non mais il fait une tentative de suicide il celui aussi qui se camme à mort aussi. Voilà. C'est assez bizarre. Aussi en bien fait, il y a tout un tas de trucs en fait qui sont qui sont des éléments où as envie de dire mais c'est un dépressif qui a fait la comédie ou quoi là C'est super bizarre. Bah, en l'occurrence, toujours... oui, on peut l'imaginer. Enfin, je veux dire, c est, c est, ça correspond pas à la partie la plus Après, heureuse de sa vie. Les dépressifs font des bons humoristes en non, général. Mais euh... il y a un truc dans le timing, je trouve. Euh, Prayas, c'est ouais, ça, moi, je pense. Je... Il y a un truc dans le timing et je trouve aussi un problème de. de de casting ou de direction d'acteur, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne les connais pas, la plupart des de, de membres de cette équipe. Alors, c'est très mais, simple, en fait, mais les qui son... ouais. lui ont encore pompé un acteur, hein, puisque, en ouais. fait, euh, le, le comédien principal, c'est l'un des, des mécanos dans Speed Racer, quoi. Euh, donc, voilà, quoi. mais, euh... non, mais les Wachowski, ils ont tout pompé. Hein. <laughs> à, Proyas. <laughs> à Proyas, en fait. Mais en tout cas, je, je les trouve tous euh, assez mal dirigés euh, dans, ouais, euh, dans le film. Pour le, le coup, y je y pense y il, que il ça... a de mettre est... en place, au début, une... La, la relation entre, entre le, le, ce qui pourrait être le héros, donc le chanteur du groupe, et, et, sa, et, et sa bassiste. Euh, où tu finis par comprendre qu'en fait, ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. C'est plus ouais. ou moins, euh, comme on appelle ça, des friends, friends with benefits. Qui, euh... voilà. ouais. euh, euh, des fuck friends, en français. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a rien qui sonne juste dans, 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 dans cette scène. Euh, je ne saurais même pas de pointer du doigt, mais... Et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il ait affaire à de mauvais comédiens. Euh, non, non, je ne pense pas que... Ce, elle, elle, elle est assez connue, je crois, en Australie, d'ailleurs. Euh, ouais. euh, mais euh, le truc, c'est que moi, je pense que c'est un film qui aurait... Au, alors, à la, à la, au regard, en fait, de, de, de sa carrière potentielle, en fait, parce que là, c'est un film qui a 20 ans maintenant, c'était sorti en 2002. très dur à voir, en plus, Très ouais. dur à Tu peux l'acheter en VOD, euh, voilà, ouais. mais le truc, c'est que en fait, bon, c'est une qualité SD pourrie. Euh, c'est un film qui est sorti en vidéo chez nous. Hein. Moi, je crois que je l'avais traité justement dans ma euh, à l'époque en vidéo euh, en 2004, euh, donc la même année que que, que, -Robot. que Robot, mais qui a été fait deux ans avant. C'est un des seuls films qu'il a fait très vite. C'est-à-dire en fait, en gros, il le dit, il a dit genre, entre le moment où il l'a tourné, et le moment où c'est sorti, euh, où ça a été présenté euh, et c'est sorti en salle en Australie, ouais. il s'est passé à peine un an et des brouettes, quoi. Les gens, comme les gens ne, ne, ne le verront pas et qu'il faut quand même leur donner une vague idée de ce à quoi le film ressemble. Euh, vous avez certainement, à l'époque du DVD, vous, êtes, vous avez été obligé de tomber sur cette pub. Euh, vous ne voleriez pas le sac d'une grand-mère. <laughs> vous ne voleriez pas une voiture. Non, bon, c'est quand même pas aussi bah, dégueulasse. A, bah si, il y a un peu ah, de ça. Ah non, non, c'est un peu plus soigné quand même. Il y a déconner, quand même des trucs. Il hein. y, y a beaucoup d'effets. Non, mais si tu, dur, ouais. annonce, tu <laughs> te rappelles de cette bande-annonce Tu te rappelles de cette annonce qui était horrible, quoi non non non, était vraiment... ouais. non, 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 c'était vraiment. Non, non, c'est un peu plus soigné. Le problème, le problème, on va dire, c'est qu'effectivement, je suis d'accord sur le ton sur Les problématiques de ton, le ton à choisir, le ton à, à, à régler. Euh, je pense que sur le papier, c'était un peu plus cohérent que, 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 que le produit final, en mmh. fait, quand le, 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 le montage global et tout. Je pense que le fait de. C'est un cérébral, hein, je pense, Moyas. Euh, 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 le fait de faire le film très vite, je ne suis pas sûr que c'était une si bonne idée ouais. que ça, même si je ne pense pas que ça valide l'énergie du film. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce, ce genre de récit ne fonctionne que, que si tu t'attaches très vite au, au, oui, au personnage. Bien sûr. Et Et là, moi, je pense qu'il manque, en fait, qu manque vraiment une star. C'est-à-dire, je pense que le même film avec Heath Ledger dans le rôle, je, euh, je pense qu'il y aurait une connexion en fait qui aurait déjà permis au film de, de traverser un peu le temps. Bien sûr, parce que c'est une série d'anecdotes qui sont certainement inspirées de choses oui, qui oui. se sont réellement euh, produites. Euh, puisque, tu vois, tu, tu, c'est vraiment les, ga les galères typiques d'un groupe qui essaie de se, de se, de, de se lancer. Et euh, pour moi, là, je parle vraiment à titre euh, subjectif. Le, les personnages ne me deviennent sympathiques que dans le générique de fin, parce qu'il a laissé les comédiens ouais, ouais. faire euh, une chorégraphie. Une chorégraphie en plan séquence, qui rappelle d'ailleurs euh, pas mal de choses qui se faisaient dans le vidéoclip des années 80. Et, et c'est à ce moment-là que je les ai trouvés cool. Mais je ne suis pas tombé amoureux des personnages, je suis tombé amoureux des comédiens, en me disant mmh. « En fait, j'ai envie de traîner avec eux, ils ont l'air fun. » Il y a un truc, il, y a, il y a quand même ouais. ce, ce truc de la fin, en fait, où, où il te dit… ou bon. s'il y a un échec, en fait. C'est un échec, quoi. effectivement. Où il y pas. Et mmh. moi, j'aime bien ça, en fait. Ça me rattrape un peu le film aussi, tu vois. Je, je trouve que en fait, cette, euh, cette fin un peu… Euh, <coughs> Sa mère. Mais, mais c'est pas grave en fait. Ouais. On te dit c'est pas grave. Bah, il a fait un ils, choix. Ils, oui. ils, ont, ils, vivent, ils, ont, ils ont quand même. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas profité de leur passion. C'est pas pour ça. Et Donc spoiler, voilà. Trucs. Mais ils ont essayé. Mais ils ont essayé. Tout le et, film, c'est effectivement ça, eux en fait. qui essaient de, chouette, qui essaient me de, qui essaient de percer. Ils vont, il va y avoir tout un concours de circonstances qui les mène à, à s'incruster sur la scène d'un gros concert euh, auquel ils ne devraient pas avoir accès. Donc ils sont vraiment devant une énorme foule. Et là, ils jouent sont nuls et ils sont nuls ils tout sont le monde nuls. Les trouve nuls. Ouais. Mais... Et est nul mais c'est très étonnant d'ailleurs mais... et c'est là où effectivement la scène est, est faite très intelligemment eux ils sont contents bah, oui. ils sont sur scène et en fait ils ont le et sourire bah, j'aime bien ça en ouais, fait. Ouais. tu vois je trouve que par, tu parlais à toute cette, de toute cette vague en fait de, de films et tout il euh, y a, y a... Y a, y a pas ce genre de ça c'est culotté en fait je trouve ça assez atypique. Alors, ça typique ça, 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 ça ne correspond... Psycholo... rappelle pas le film complètement mais, je mais ça psy sympa, psychologiquement quoi. ça se justifie à mon avis par l'endroit le, le, où il était lui à ce, à, à, à ce moment là euh... bah, on, on rappelle que enfin, il, il sortait d'un <laughs> échec aussi donc il y avait quand même cette idée que si le monde enfin, voilà si, si, si le monde me siffle ou n'aime pas ou n'aime pas ce que je fais je vais quand même ch chercher à, à... À me raccrocher au fait que moi, moi j'aime ce que je fais, j'aime le faire. J'apprécie le fait qu'il est tenté de faire une comédie, j'apprécie le fait qu'il est tenté de. Voilà, maintenant je pense qu'il est pas taillé pour ça, je sais pas du tout filmé comme une comédie, ouais. c'est ça qui est très étrange en fait. Et là je parle même pas que de Timing Coming, hein. je parle vraiment en fait que il a beau, beau, couper et tout, oui, euh, il a beau essayer ça. en fait de se dire bon, je tourne en décor naturel, donc en fait si tu veux, il y a une lumière un peu plus solaire, ça reste quand même assez sombre en fait pour une comédie quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'il reprend quelques plans en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a le plan littéralement de, de, de la Lucarne en fait avec. Euh, il y a un mouvement de grue. C'est euh, l'endroit le, 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 ouais. où il répète. Il y a un euh, mouvement de grue très très osé aussi entre deux immeubles. Exactement. 3, quand elle vient, voilà, ouais. à, la, à la Dark City. Euh, non, et à la, fin, à la fin, à la fin justement dans la scène où le, le personnage, euh, euh, comment dire, euh, qui tromperait sa petite amie euh, arrive et en fait il y a la scène justement où il est en train de s'écrouler dans, dans 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 les poubelles d'une ruelle quoi. Et en fait, tu as, as la main de la petite amie qui arrive, qui s'approche en fait de son visage. C'est littéralement le plan de The Crow en fait quand elle réapparaît à la fin mm -hmm. euh, et qu'elle qu touche le visage de Brandon Lee. Quoi, c'est littéralement la même chose quoi, en moins euh, éthéré. Mais, mais par contre, quand tu, quand t'as la révélation derrière, c'est exactement la même logique. Donc tu te dis c'est un personnage évanescent qui n'existe pas, qui est, qui, qui, qui est pas là et tout quoi, comme dans, comme dans The Crow. Donc il y a des moments comme ça en fait. Où et tu et dans dis, dans ouais, The Crow, il de... baisait le mur aussi. Hein non, dans <laughs> non. The Crow, il ne baisse pas le mur. Non, en fait. Un peu de respect pour Brandon, s'il te plaît. Euh, mais euh, euh, et puis ça se passe dans un cimetière dans le Mais euh, mais mais voilà en fait il y a tout un il y a tout un comment dire il euh, y a tout, tout un tas d'éléments comme ça où tu dis c'est quand même un film d'Alex Proyas. Moi euh, personnellement je trouve ça effectivement c'est pas mauvais mais c'est vrai que c'est presque un coup dans l'eau et c'est un coup d'épée dans l'eau et puis en plus le truc c'est que il y a comment dire euh, lui-même raconte que en gros quand euh, il voulait que la Fox sorte le film il était déjà en train de développer ce euh, allait devenir iRobot en fait. Qui, je crois n'était pas encore à la Fox, mais on va y venir quoi. Mais en fait, il était déjà en train de discuter avec la Fox pour que la Fox sorte d'abord le film aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait il le présente à Sundance, Sundance voulait le prendre, euh, que en fait il ait sa petite répute d'abord aux États-Unis pour que quand il arrive au en Australie, ça soit pas un truc sur lequel on comment dire on, on lui tape sur la gueule quoi. Et parce qu'apparemment, euh, bon ça c'est sa théorie, euh, comment dire euh, le public australien a tendance à taper sur les vedettes australiennes euh, euh, sauf si elles, Elles ont leur, été validées, leur, euh... Euh, validées en fait par un Américain, mm -hmm. quoi, par, par, par le reste du monde. Quoi. Euh, ce qui explique peut-être le succès de Paul Hogan. Voilà, mais <laughs> même si je ne pas dire dual, parce que moi je suis un très grand fan de Crocodile Dundee voilà mais euh, mais euh, le premier mais euh, mais voilà mais euh, donc ouais c'est un petit peu un coup dans l'eau et là il y a le retour quand même en fait au méga blockbuster pour le coup Alors, hein. enfin je veux dire alors au retour, de son premier quoi c'est son premier mais alors après ça reste un énorme film de studio non, on aussi, précise quoi, quand même euh... que, mais, que quelles que soient les, les qualités euh, ou pas de, de, de Garagé, c'est quand même un moment de respiration qui lui était nécessaire moi j'ai vraiment la sensation qu'il se raconte beaucoup euh, dans oui, oui, oui. je pas j'aime pas le film mais, mais... Ce que je vois dans, dans, la, dans le final du, de, de Garage Days avec ce côté, j'accepte de, de ne pas être aimé pour, pour ma création, oui. mais par contre j'ai besoin de le faire. Tu voulais euh, repréciser, en, en bon critique que tu es, tu voulais repréciser ce que tu as précisé il y a trois minutes Non, mais pas, pour, ah oui. pour dire que c'est vraiment une constante dans sa carrière, quoi, de, oui, de, oui. de toujours se raccrocher à ce qu'il croit être, son talent son, son, son talent propre, et, euh, et c'est ce qu'il fait survivre euh, artistiquement. C'est plus voilà. compliqué avec Airbot, je pense. <laughs> Son premier film de studio, c'est surtout Pr ça. Premier méga blog euh, le, le, alors déjà juste pour euh, passer très rapidement sur ouais, le développement. Le light, ça de... reste un studio, hein. euh, S'il faut, si, si... Ouais, mais là, c'est vraiment un film de studio avec une star. Euh, on l'a pas dit sur Dark City, mais il a beaucoup, beaucoup lutté donc pour pas avoir de star. Enfin, je crois qu'on l'a pas dit. mais si, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, bon voilà. Bah, là, là, pour le coup, il ne va, va pas lutter en fait du tout. Donc ça, euh, ce qui deviendra Aerobot plus tard, euh, débute euh, dans les, au milieu des années 90 avec un scénar qui s'appelait Hardwire au début. Euh, qui était un thriller policier avec des... de, de, de l'IA hein, mais plus c'est un truc à la Gaeta Christie qui était presque un huplot en fait. euh, Un peu un comme Un truc euh, d'enquête en fait. Un euh, track sur internet. Avec... Hein. <laughs> Par exemple. Et euh... Non mais bon, on cite les classiques <laughs> des années 90. C'est horrible <laughs> dans tous <laughs> ces curse. Je... <laughs> curse Bon bref, euh, arrêtez s'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. Bref, euh, le, le film passe entre plein de studios différents. À un moment, Disney a, acquiert les droits en fait de, de, du film et le destine à Brian Singer, tu vois. Enfin, C'est juste pour vous donner un peu l'ambiance. Donc, c'est la Fox qui finit par euh, acheter les, les droits du film, qui commence à le développer Donc, avec Alex Prius en le mettant dessus, avec Schwarzy au début, avec euh, Arnold Schwarzenegger qui devait jouer le, le, le personnage, euh, le rôle principal. On voit le coup euh, marketing à fond. Enfin, tu vois, ouais. Schwarzy qui affronte des robots alors qu'il a joué le Terminator, je pense qu'il y avait un truc comme ça. Quoi. Et puis, je pense que Schwarzy tournait autour de ses succès euh, passés et il y avait un truc à la Total Recall peut-être là-dedans et mmh. tout. Et, euh, et ils vont ramener. Hein, et ça, c'est assez étonnant finalement. L'influence, le, 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 en tout cas, la, le côté adaptation de Asimov. Alors c'est une adaptation très libre. Hein, c'est inspiré des nouvelles de Asimov autour des, des lois de la, de la robotique. Va, va venir relativement tardivement en fait dans le développement, euh, dans, dans le développement du film. En tout cas, ça arrive au moment où Schwarzenegger est, euh, est affilié. Et en fait, c'est Will Smith qui va remporter la timbale et qui va lui ramener à qui va en fait sur euh, qui était son scénariste. Euh, attitré, en fait à l'époque et qui réécrivait tous les films. L'anti matière oh, du blockbuster de la fin des années 90. Ouais, un mec complètement nul quoi. C'est vrai que c'est un vrai gros problème je pense. Que... Même si t'aimes bien Batman euh... et Robin. Dans le, dans le, ouais. Ah, non, ah non, on, mais a, on a une euh... faille hein. je suis ah un euh, humain. Ouais, ouais, non, mais bah, mais... mais t'aimes bien il, euh, sur Internet. Mais, euh, mais... <laughs> non, ça, mais non. il était sur euh, Perdu dans l'espace aussi qui euh, va Non non mais c'est vrai que c'est c'est vraiment un scénariste de merde et qu'avait tous les travers en fait qu'on pouvait trouver dans les. Les blockbusters de l'époque, c'est-à-dire de, de, des trucs d'humour, euh, les trucs... Euh le, le, ce que tu, que tu revois, Erobot, aujourd'hui, par exemple, le personnage féminin, il est très, très embarrassant. <laughs> quoi. Tu dis, oh là 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 là, là putain, c'est quand même elle est, est, il, il a cette capacité quoi. à dévitaliser les projets, en fait. Non, hein. non, c'est vrai, est est, que... est, il est terrible. Ouais. Alors après... Et il a toujours cette petite arnaque de scénariste, en fait, ce truc là dans celui-là, par exemple, en fait c'est cette petite citation, en fait, où il croit qu'il est très malin. Là, en l'occurrence, c'est les contes de Grimm, là, tu vois, c'est Ansel et Gretel. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est qu faisait... Ouais, que c'est nul en plus. Mais oui, mais c'était trop mal amené, en fait, dans le film. Mais... mais, mais, euh, mais euh, non, je, moi, je je pense que les vrais, le vrai le, le cœur du truc c'est euh, le robot euh, en lui-même évidemment et l'autre le Sony. Le Sony ouais et l'autre truc aussi c'est euh, c'est euh, le, le fait que le personnage de Will Smith soit lui-même spoiler aussi mais partiellement robotique je pense que toute la tension en fait que qui a dû intéresser, à enfin, faire des trucs qui a euh, pour c'est ça en fait Praya ce qui l'intéressait c'était déjà de faire un blockbuster ça il le dit pas mais à mon avis c'était clairement de bosser en fait de montrer pas de blanche au studio dans l'espoir que ultérieurement on allait le euh, laisser un, un coup pour eux un coup pour moi quoi en gros parce que finalement il l'avait jamais fait ça et euh, ça c'était le, le, le premier truc et ensuite mine de rien d'adaptation comme on l'a dit euh, déjà c'est un très très gros lecteur en fait de, de littérature de science fiction hein, pria ça a beaucoup porté euh, euh, dark city notamment quoi mais euh, voilà il est, il, est, il adore ça et là, en l'occurrence, quand bien même c'est Asimov de loin avec des jumelles et en étant très myope, il y a quand même des reste de Asimov dedans. C'est-à-dire cette idée de, euh, puisque les nouvelles de Asimov, juste pour mémoire, c'est d'avoir euh, en préétabli euh, ces, ces lois de la robotique qui sont censées euh, nous euh, prémunir des déviances de l'intelligence artificielle vis-à-vis, -vis, en tout cas, de l'humanité. Et en fait, il y a toujours un, un robot qui se met à déconner tout en respectant ces, ces, ces lois de la robotique et donc de trouver Elles la sont philosophiquement euh, interprétable en fait bah, voilà en fait exactement ouais. de se dire mais dans telle situation en fait il y a la loi de la robotique qui joue complètement contre mmh. euh, sa finalité première quoi donc voilà et, mais je pense que le truc de de Pryas, lui c'est bah, de réfléchir autour de l'IA et de créer tout à coup de de l'empathie pour ce, ce personnage de robot ce qui est un projet euh, bon, c'est pas le seul à faire ça hein, évidemment mais euh, surtout à cette époque là mais qui est un projet de, de fan de SF euh, j'allais dire de base mais enfin non c'est un truc commun il n'y a pas quoi. beaucoup de fans de SF de base qui font des, pro, qui font des blockbusters font à, des à, bloc plus, à des centaines de millions de dollars <coughs> peu ou prou le, 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 la thématique d'Atomic Cyborg non mais entre autres mais euh, le festival euh, non mais d'IA quoi enfin tu vois de de Spielberg et tout mais alors le truc c'est que je crève l'abcé tout de suite c'est que Alex Pryor s'entend très très bien avec Wilsmus ce qu'on ne pensait pas. Moi, je me rappelle. On n'aurait que... pas cru. Ouais. Non, à l'époque, en fait, tu t avais vraiment l'impression, mais même encore aujourd'hui, tu as vraiment l'impression que Will Smith, il a complètement phagocyté le film et qu'il l'a détruit. quoi. Mais en fait, non, ils s'entendent hyper bien, en fait, tous les deux sur le tournage. D'ailleurs, pour... moi, j'avais assisté à la conférence de presse du film et il y avait Will Smith qui était là, qui est quand même très impressionnant, très charismatique et tout. Et il y avait Alex Pryas aussi qui était là. Et Will Smith avait raconté que Michael Mann était venu sur le plateau le jour où il tournait c'est des scènes avec Sony donc il a vu ce mec en juste corps vert en fait qui était sur le truc et il paraît que Michael Mann il se dit mais où est-ce que je suis là qu'est-ce qui se passe et tout et, euh, et mais par contre ça se passe hyper hyper mal avec la Fox et Prayas le ça c'est un truc qu qui qui dont il parle beaucoup aujourd'hui quoi il dit c'était et ça nous on l'observait en tant que journaliste hein, c'est le dire, au début des années 2000 la Fox c'était l'horreur quoi je veux dire, tout ce qu'il faisait c'était la Fox période Tom Rothman ouais c'était vraiment de la merde quoi je veux dire il, 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 dans les budgets enfin là, à c'est un chef par rapport à tout truc. ce qu'ils ont sorti. Ah hein. non, mais ouais. c'est clair, c'est un de leurs meilleurs. Mais, mais en fait, Prayas dit euh, il a cette analogie, dit, moi j'ai eu l'impression sur Aérobot de devoir euh, courir un marathon très compliqué, très dur déjà, et avec tous les exécutifs qui me lançaient des chaises dans les pattes en permanence, quoi en fait. Et je devais remonter, pas me casser la gueule et tout, euh, tout le temps. Et euh, sur, le, un des trucs, par exemple, qu'il a dû à gérer, qui a, été, qui a été très compliqué, c'est les pertes d'argent pour rien. C'est-à-dire que comme les mecs devaient, remettaient tout, tout mmh. en question tout le temps en permanence, Déjà, lui, s'est mis à douter de lui. En fait, ça aussi, c'est un truc dont il parle, en fait, aujourd'hui. Et, euh, et surtout, ils ont, euh, ils ont perdu énormément, énormément de paiements. Par exemple, il paraît que. Il euh, y a eu des débats euh, sur la voiture que conduit euh, Will Smith, là. il est une, une espèce de parce qu'il ah, ouais. y a un gros problème de placement de produits aussi ah, dans ça... les robots. Ça, c'est un énorme problème. Ouais, <laughs> mais ça, c'est même plus, plus qu'un problème. C'est-à-dire le est... film est sorti en 2004, ouais. le film se passe en 2035, mmh. et le personnage de Will Smith reçoit des, du... des conversations des euh, 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 vintage ouais. de 2004, si ouais, tu veux, ouais, en ouais, fait, ouais. Voilà, qui sont plus moche. Mais beaucoup de converses ne sont pas très jolies. Il hein. faut ouais. se foutre de la gueule du monde. Quoi. Et en fait, le truc, c'est que, que, comment dire, euh, il te fait un placement de produit. Et il l'aimait vraiment. Il y en a littéralement à un moment donné où il monte sa pompe. Comme ouais, c'est hallucinant. Donc, mais euh... y a, ça revient 3-4 fois. Quoi. Et l'Audi, ouais. c'est pareil. Je ne sais plus ce qu'il y a ou s'il y a d'autres placements de produits comme ça qui sont tr bah, très embarrassants. Euh, ouais. voilà il y a une, une, un autre truc aussi. Et, je... bah, et puis, il monte son cul. Hein, parce que bon, sans mais... plus, ça, il place, le placement de produit premier, c'est Will Smith. Mais hein, oui, par contre, donc, ça se passe très très bien avec Will Smith. Mais Proyas c'est un film avec lequel il y a beaucoup de c'est-à-dire qu'il ne le considère pas du tout comme étant comme étant le sien et tout. Donc qu'est-ce qui a à retenir, en fait de l'aérobot ben moi, mine de rien, il y a quand même un truc, c'est euh, c'est le projet euh, technologique. C'est-à-dire que euh, euh, mine de rien, il y a, il y a cette idée d'utiliser le comédien pour jouer le pour jouer le robot. Alors c'est pas de la performance capture, de la mo même de la mocap. Hein. C'était un peu trop tôt pour ça. Mais par contre, euh, croyez là il a, il a ça à la à, à de la Merde, quand tu dessines au-dessus, là, ce que faisait Ralph Du rotoscope. Le oui. rotoscoping, putain, mmh. comment je peux oublier ça Non, mais c'est clairement ça, Il ouais. apparaît que ça a du rotoscope C'est sorti la même année que... que Scanner Darkly euh, Non, Polar Express, en fait. Oui, oui, bah oui, mais bon, en, en l'occurrence, en fait, il le filmait sur le plateau, mmh. et, et lui, il ne servait que de référence, quoi. Et, euh, et Proya, sa petite expérience dans l'animation, elle avait ressorti, c'est-à-dire qu'il passait... Euh, des jours et des jours à Venice Beach là dans les, les studios de Digital Domain à, à, à vérifier tout ça et tout il y a eu ça il y a eu il a lui il a mis en place en fait des systèmes de tournage avec des avec des caméras pour faire des mouvements qui sont quand même très étonnants même encore aujourd'hui quand tu les vois des espèces de 360 comme mais il y a ça, une technicité absolument incroyable dans ce film hein. c'est complètement fou en fait tu vois ça tu dis mais comment comment euh... il a fait en fait le truc après bon tu, tu comprends et tout et surtout c'est le premier film où Proyas a commencé à réfléchir à euh, euh, tout ce qu'on peut qualifier enfin mettre en termes de plateau virtuel c'est-à-dire qu'il a, il a il, encore une fois à cette époque-là c'était euh, c'est fou comment la techno a évolué là en 20 ans mais mais euh, mais euh, il n'y avait pas du tout les outils de temps réel qu'on peut avoir aujourd'hui et tout mais il y avait quand même des, des séquences qui tournaient intégralement sur fond vert et tout bon ce qui se voit un peu hein, le film est un peu vide hein, quand même techniquement c'est quand même un, un petit peu un problème. Mais, euh, mais lui, il réfléchissait à des, à des façons en fait, de prévisualiser déjà au moment du, du tournage sur fond vert ce qui allait devenir le, le plan final. Et c'est à partir de ce film-là qu'il a commencé qu a commencé à germer en lui l'idée de créer un, un, un cinéma autrement. De toute façon, le début des années 2000, c'est. Il y a beaucoup de ça. Hein. C'est là où Avatar se relance. Il y a toute l'expérience de Zemeckis. Il y a tout ce que Peter Jackson a pu tester aussi sur ah, les le anneaux. Ça commence à partir dans ces directions. Voilà, ah, bah, évidemment, hein. ce qu'avaient fait les, 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 les Washo avec, euh, avec Matrix, en fait, où on réfléchit à, mais peut-être qu'il serait temps, en fait, de réfléchir à une autre façon de faire du cinéma. Et donc, Prayas, ça se déclenche vraiment à partir de ce, ce film-là. Et mine de rien, c'est pas une intervention. Et, et s'il y a quand même un autre petit truc, c'est que je trouve que le, le fan de SF Retrouve dans quelques images en fait iconiques et notamment avec c'est pareil la toute fin. Moi j'aime beaucoup la toute fin en fait de, de, de Aérobot et le dernier plan en fait. Le truc où il se retrouve sur, la, bah, sur et la... surtout parce que déjà tu t'attends pas à ce que ce soit Sony en fait qui soit là. Enfin, moi je, je, je me rappelle Mais que... justement. C'est pas une conversation qu'on avait eu oui. à l'époque, graphique Ça, moi j'avais la sensation en voyant. Voilà, le truc c'est ah, j'explique euh, mon cheminement de pensée. Euh, j'avais lu à l'époque le script de Marc Protosevich pour I Am Legend, euh, que je trouvais être un script incroyablement brillant. Et j'avais vu le film de, de mer de, de, de Francis Lawrence avec Will Smith et un scénario d'Akiva Goldsmith. Ah, ça, c'est. Oui, qui a été fait après. après ouais. a été fait après, ouais. après bien ah, après, ouais. Ah oui, alors, donc, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là Oui. Et euh, le, le fait est que je. je... J'ai toujours soupçonné que le récit de iRobot uh, était construit de façon à ce que Will Smith soit amené à, à réaliser que c'était lui le robot, en fait. Que la personne qu'il détestait le plus au monde, c'était basiquement lui. Ah, c'est un peu ça, et, le film. En oui, mais sauf que, oui, littéralement, l'élu dessiné en fait. sur le, le dessin de Sony, que, que, que le plan final du film allait nous montrer Will Smith accepter sa condition ah ouais. et devenir Garde cet, de cet élu-là. Pardon <coughs> Euh, que, que que Will Smith allait accepter cette, euh, bah en gros ouais. sa condition de si tu veux et sa condition de machine, ça me semblait scénaristiquement euh, logique et euh, donc tout, tout le final du film, tout le dernier tiers où on découvre que finalement c'est le micro-ondes qui a tout mis en place euh, dans le dos de tout le monde etc. Non je sais même plus comment elle s'appelle l'intelligence artificielle. Ah oui euh, oui la, la oui le. Euh, Emma, la méchante, euh, ouais, bah, je, sais je sais pas Florence, <laughs> je sais plus c'est quoi. Bref. C'est celle qui apparaît dans le <laughs> truc. Mais... C'est vrai que ça l'apparaît 10 secondes en fait dans le film. À la non, non, mais il y a plein de ouais, problèmes. C'est un film complètement pété. Hein, tu tu sens qu'il y, y a eu de la réécriture dans tous les coins. quoi. Et, oh. et, et, et considérant ouais. qu'Akiva Goldsman, c'est vraiment le mec qui est là pour mais justement. Ici, tu en <laughs> <-t> Donc, <laughs> pour euh... faire plaisir au studio et, 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 et vraiment leur, euh, leur passer d'une de de, 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 couche de graisse. Euh... Mais en fait, aussi, il très étonnamment en fait le, 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 la team. Parce que euh, Goldsman, c'était vraiment la team Will Smith en fait. Et cette team-là en fait, aujourd'hui. Et, et en fait, je pense pas. Que... Qui, 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 qui mentent ou qu'il adoucissent les angles parce que quand tu l'entends dans les interviews aujourd'hui, euh, Alex Parias, il est quand même dans un truc où il, il est un peu. Il a l'impression qu'il en a rien à foutre de rien, quoi, et que tant pis, et que voilà quoi. Et, euh, et, et pour eux, pour lui, c'est pas, pas les ennemis. Le problème, c'était vraiment le studio oui. et, les, et les modifications à outrance en fait, qui demandait en permanence, surtout. Et, et en tout ça, cas, quoi. ce final ne fait pas sens, voilà. Avec ce truc de. de c'était Tom Rossman qui lui a dit ça quelques jours avant l'avant-première du film. Mm. Il lui a dit mais si tu continues à me faire chier, en fait je, je, je vais rajouter des blagues dans ton film. Tu vois et parce qu'en fait tout le truc justement c'est que, ce que une des demandes du studio c'était de dire bon, parce que Will Smith apparemment est très bon pour ça, il est, très, il est tout à fait capable de, de sortir des, des punchlines en fait à un impro comme ça. Euh, a... hein, hein, il y en a ces punchlines. Non mais il y en a quelques-unes dedans tu vois. Ah, je veux dire euh, pour le coup euh, et en fait c'est pour le coup c'est Proyas qui raconte ça il dit il, 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 il y en a certaines qu'il a improvisé sur le moment qui sont dans le film hein, euh, euh, voilà. Euh, bah du coup, ils en avaient des tonnes. Et toute l'idée de Proyas c'était de les couper au maximum. Et, toute li... et, et Will Smith aussi. D'ailleurs, il voulait pas tant en fait euh, partir dans cette direction et toute l'idée en fait de Rothman c'était d'en rajouter plus parce que c'était l'acteur de Men in Black l'acteur de Independence Day l'acteur de voilà il faut, faut qu'il à... soit cool quoi et tu vois il y a ouais. par exemple un reste qu'ils voulaient faire tous les deux apparemment Will Smith et Alex Pettyfer c'est que il voulaient un côté euh, Black Spotation en fait dans le dans l'approche du film dans le look en fait du, du flic et tout puisqu'il était euh, décalé dans le temps en fait mmh. quoi. et ramener tout un côté euh, peut-être Shaft enfin tu vois euh, voilà et comme ça il, il, tu sens que ah, et tu peux décoder qu'il y a quelques petits résidus dans, dans par-ci par-là, mais c'est tellement ouais, pas le cas quoi, ouais, tu ouais. vois. Et c'est ça, en fait, c'est le gros problème de c'est que c'est un film un peu morne en fait finalement. C'est que en dehors de quelques images comme ça, de quelques plans, de quelques moments avec le robot aussi, moi je trouve avec, avec Sony et tout, et c'est un film qui est qui est, est, -dire qui, que... qui est vraiment euh, qui, qui dépasse pas quoi. Et c'est très étrange de la part de Prias parce que dans ses films suivants, qu'on les aime ou pas en fait. C'est quand même des films qui détonnent. C'est quand même des films bizarres ou, ou, à minima, en fait. Quoi. Et ça, c'est même pas vraiment bizarre, en fait, Aérobot. Non, c mais ça, c'est. Ceci dit, c'est presque un film Fox qui avait honte d'être bien filmé à cette époque-là. Parce qu'il faut quand même rappeler que oui. les films Fox de cette époque-là, c'était les 4 fanta fantastiques. Non, ouais, c'est ça. Les 4 fantastiques, il y le surfeur d'argent, ouais. euh, Electra. Euh, euh, Daredevil. Non, non, euh, non c'était la honte. Euh, ouais, c'était euh, euh, dans le lot, effectivement. 3, il faut lui rendre justice au fait que qu'Aérobot, ne serait-ce que visuellement, c'est le haut du pavé de ce que la France ah ouais, a produit. C'est dingue. Donc, un euh, effectivement, film, il y a des, comme le dit Julien, je suis d'accord avec lui sur le plan du design, etc. Il y a des scènes effectivement quand tu vois cette armée de robots euh, dans, dans ce garage, euh, voilà, au moment ah, où ouais, ouais. Ouais. Euh, ou même l'attaque l'attaque de, de la bagnole de Will Smith par les par les robots. Je sais mm -hmm. que la première fois que je l'ai vu, en, voilà, en salle, ça, ça fait son effet, quoi. Ça remplit sa fonction. Donc, euh, mais il y, y, ouais. ouais, y a un côté film de bon élève quand même. Ouais, et je suis d'accord ouais. avec Julien sur le voilà, le, il... le Proyas un peu à, légèrement décalé. Euh, il n'a jamais été complètement anti. Euh, C'est pas un punk non plus quoi. Si tu veux, mais mais il y a toujours Non un, mais il y, un un même, où il y a une hein. étrangeté. même. il y a une étrangeté. Voilà. tu préfères là, tu, The crew, un tu, peu. Préfères tu préfères Aerobot, Traffic. Pardon. Tu préfères ce crew ou tu préfères Aerobot Je préfère Aerobot. Ah, euh, ah, ouais, ouais, tu et vois le salaud, le salaud, Et puis et puis première film avec avec Marco Beltrami aussi. Ouais, on va Faire Matrix ou, ou sur Internet. Bon, alors ça <laughs> suffit, putain, on avance. T'as remarqué qu'on a fait tout Dark City. Mais, et alors encore... On a fait tout Dark City sans que je cite Trevor Jones une ouais, seule fois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hein. <laughs> Moi, j'aime bien sa musique, ouais, bah, euh... bah, musique. La musique de, de la Beltram, elle est sympa. Ah, hein, ouais, sur, elle est super sur Aerobot. Ouais, mais, et alors, encore un design de Patrick Tatopoulos. Tu sais, c'est celui qui avait fait les Black dans Stargate et le Godzilla dans le. Je sais pas si tu devrais voir ce film, Steph. Bon, bref et euh, euh, avec cette ouais, idée vous devriez bizarre voir en fait, ces films les gars non non mais je suis très partagé sur ce design je sais toujours pas quoi on pas trop à hein. la fois hyper kitsch et pas mauvais en bah, fait, en fait... l'idée qu'il avait eu en fait euh, 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 c'était de surfer sur le, le, le en fait mmh. et, et, et c'est à dire que et, or l'idée du iMac dans son design le, le principe du iMac c'était regardez on n'a rien à vous cacher euh, ça veut dire qu'on est honnête et que tout se passe bien c'est pour ça que le truc était un peu translucide etc et donc euh, Tatuopoulos a observé ça. Il a dit, bah, moi, je vais transférer ça sur le robot. Et il y, y a une idée de design qui, en théorie, je trouve, fonctionne bien. C'est-à-dire ce, ce truc où, euh, selon le fait qu'il soit opaque ou pas dans son visage euh, qui est censé euh, euh, émuler celui d'un humain, imiter celui d'un humain, et eh ben, tu vois plus ou moins les rouages en fait qui animent le, le, le faciès en fait quoi. Et donc tu vois plus ou moins la, la machine euh, qui est euh, aux commandes en fait derrière, euh, derrière ce corps artificiel quoi mais en même temps je le trouve un peu il est est, un peu est, il, est un, il est très daté est surtout... il vachement de son moi je oui pense mais en que même temps moi le je le prends, daté, ouais, hein. moi je le, je le prends comme je pense le... que c'est la fabrication enfin, ce est, il est la, censé la... représenter dans dans le film c'est-à-dire un, un objet de consommation oui, euh, oui. auquel les gens doivent faire confiance et le ouais, et c'est un visage qui euh, qui a un côté un peu un peu rassurant, rassurant enfantin, euh, mm. qui pour moi correspond à ce qu'une bah justement une marque euh, c est, c est euh, qui manque... sur le marché quoi, ouais, mais que... il manque de définition. on va dire que justement avec la... en fait, quelques années après je pense que ce design aurait pu être poussé à terme en fait dans cette méthodologie la méthodologie du tout numérique. à mon avis en fait le, le, la problématique c'est que en 2004 malgré le fait que Jurassic Park avait déjà plus de 10 ans etc etc, on ne pouvait pas totalement, en fait, euh, en tout cas dans les budgets qu'ils avaient et dans le, le temps imparti, parce que c'est un film aussi qui s'est fait assez vite. Hein, non, mais c'est ça le problème en fait voilà. de Fox, c'est que là il y avait Weta, il y avait Digital Domain, ah ouais, et Fox faisait les films extrêmement rapidement hein, à cette époque-là. C'est arrivé jusqu'à X-Men First Class où là ils c'était carrément du délire quoi. Mais ils, ils, ils étaient connus pour ça en fait, ils étaient connus pour faire les films dans une frénésie la euh, même année euh, la même année euh, la, littéralement l'été de ce blockbuster là, il y avait Spider-Man 2, les effets spéciaux, ils étaient flawless à l'époque ils étaient littéralement euh, comment Laisse. dire Ah non, mais ils avaient euh, 75 millions de dollars de budget rien que pour les effets en fait dans le, dans le truc et je pense qu'ils ont pris le temps, là, enfin, on en a parlé plusieurs fois mais bon voilà. Mm. Donc du coup, il y a quand même une, une disparité en fait où je pense que euh, ils auraient gagné à avoir des effets pratiques aussi en fait. Pour Mélanger les deux, quoi. Euh... Il y en a un, oui, mais bon, ça c'est pas ce qui est évident en non, fait non, dans non, le film, quoi. Clair, clair. Ouais. Petit succès d'estime, quoi. Ça, ça marche en ouais, fait, ouais. c'est pas délirant, quoi. Et c'est un film qui, euh, qui fait des bénéfices et qui, qui rentre largement dans ses frais. Par contre, Proyas en sortant du film dit Je bosse plus jamais avec un studio. Fini, quoi. Et il tiendra parole d'ailleurs. Hein. Il va bosser qu'avec des indépendants de taille divers et variés, hein. mais il va, il va continuer à bosser qu'avec des indépendants par la suite. Summit, euh, Legendary, etc., quoi. Il va arriver sur Prédiction. prédiction. Knowing. Knowing, ouais, en, ouais. En, en anglais. <laughs> c'est toi qui nous en parle Eh bah ben oui, parce que moi j'ai tous les bons films, mes amis. Alors, euh, non. Mais pourtant, alors... c'est un film catastrophe en fait. Normalement, non. un film aurait dû. Euh... Non, en fait, Prédiction, je suis euh, hyper. J'ai un, un truc très schizo en fait vis-à-vis de ce film. Euh, qui est pareil en fait, qu'un un film qui, le... qui, qui va développer pendant, euh, enfin, euh, qui, qui a été développé sans ce c'est pas son idée euh, à, euh, à l'origine. L'idée initiale c'était donc cette, euh, cette découverte d'une capsule temporelle, d'un message en fait dans une euh, codé en fait dans une capsule temporelle euh, qui se termine notamment par II à la fin, EE. Euh, -E. En français, qui est euh, everybody else, le, tous les autres. Et donc, en gros, une, ce message codé annonce une, une apocalypse, quoi, une, la, la, la fin des temps, la fin du monde. Quoi. Euh, dans le film de Proyas, en fait, Proyas lui va. Ça devient la scène d'ouverture. Oui, bah, oui, oui, bien sûr, oui. mais c'était déjà plus ou moins l'idée de base, si tu veux la dessus Je ouais, ça être... voilà, c'est une gamine un peu, un peu autiste qui. Qui est, voilà, qui est censé, avec son, sa classe, faire une capsule temporelle, donc enterrer un objet pendant les des années Et la gamine, au lieu de faire un message, euh, genre bonjour, le, le monde, on vous aime bien, on vous fait un et bisou. Et vous, vous allez avoir voilà. des voitures volantes. Voilà. Tout ça, ouais. euh, balance, en fait, des lignes de code de, de malade. Voilà. Euh, voilà, qui, euh... Pour Nicolas Cage. <laughs> Pour <Et rire> elle arrive pas à finir ouais. le truc, et après, on la retrouve dans des. On lui arrache, en fait, sa son, son, ça, ça, ça feuille. Et on la retrouve après dans des toilettes. Elle, elle, a, elle a gratté, on ne sait pas trop ce qu'elle a foutu en fait sur la porte des toilettes, mais elle a les, les mains non, en sang, en sang. Enfin, les, les doigts en sang. Elle et là, as un, as, un, as, un, as, un, as un saut temporel, une ellipse temporelle, et tu te retrouves avec Nicolas Sketch, qui est un astrophysicien, qui n'a pas parlé avec euh, à son père depuis des années, et des années. Et tu ne sais pas pourquoi, mais il y a sa sœur qui vient le voir régulièrement, qui il faudrait que tu te réconcilies avec ton père, et euh, qui est donc un astrophysicien, euh, qui est, euh, tu sens qu'il a une faille, en fait il y a une tristesse et plus tard tu vas apprendre que il est veuf euh, euh, récemment quoi et qu il a un sérieux penchant pour l'alcool et euh, son fils en fait va déterrer enfin l'école de son fils va déterrer la fameuse capsule temporelle suite à un concours de circonstances le personnage de Nicolas Cage va euh, euh, écoper va hériter en fait de ce message codé et euh, va se rendre compte que ces lignes de code sont en fait des, des dates en enfin, au début il voit d'abord les dates puis après il voit en fait que c'est des c'est comment des, des coordonnées des euh, de, de GPS enfin pas de GPS mais de, de spatial quoi donc coordonnées temporelles et coordonnées euh, spatiales qui indiquent euh, toutes les catastrophes en fait à venir quoi et il y a une dernière catastrophe qui est une énigme on ne sait pas ce que c'est quoi et c'est là où est le gros problème <laughs> moi je sais que je, je l'achète tellement pas du tout en fait ce, ce, ce truc ce, ce, cette feuille avec les lignes de code quoi. Il le découvre avec le, le 9 septembre en fait le personnage de le 11 gaz. septembre le 11 septembre pardon ouais. euh, c'est parce que je, dans ma tête ouais, j'étais avec nine, nine, nine ouais. et nine, euh, 11, donc euh, c'est à l'inverse en, en anglais mais donc voilà il le découvre comme ça et tout et après tu te dis mais enfin je sais il y a un truc qui marche pas en fait tu te dis mais euh, il faut quel degré de mort en fait pour que ça figure sur le truc et est-ce que tu es sûr que là ce soit il euh, y, y a vraiment toutes les catastrophes qui sont passées tous les crashs d'avions et tout depuis depuis cette époque là enfin il y a un truc qui va pas du tout en fait dans ce concept de ouais, base ouais. qui est un peu con et il euh, a, 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 en fait, c'est ça. Et il y a un autre, moi, j'ai un autre problème qui est le problème de rapport à la foi, c'est-à-dire que le film est produit par Summit, et je pense que Summit ce à cette époque-là, euh, ils ont produit les adaptations des, des romans de Stephenie Meyer, là, les, les, les Twilight, tous ces mmh. trucs-là et tout. Je, je connais pas, moi, le tenant et les aboutissants, en fait, des, des sociétés comme ça et tout, mais je pense que Summit, ils avaient un gros truc. Euh, euh, de Cubini, quoi, en fait, fini. Proyas, il assume complètement que lui, il, il aime travailler à la fois sur cette question de la foi et euh, sur la, la science-fiction et les, la question de la foi, qui peuvent être antinomiques, hein, mais que lui, il essaye de réunir, en, en tout cas, là, dans, dans, dans Prédiction. Et là, ça l'est à fond. C'est-à-dire que la, la... pourquoi il y, a, il, y a, il y a eu la rupture avec le père C'est que tu apprends que le père est un un prêcheur c'est ça non je crois un prê hein. pré... ouais je sais plus un pasteur, non, un pasteur non c'est un pasteur ou un crois, pasteur en fait, peut-être ouais. un truc comme ça et en gros c'est tu tu vois que en gros cage au bout d'un moment c'est détourné de Dieu parce que sa femme est décédée, qu'il n'a pas compris ça et tout le film en fait. Et pas parce qu'il est scientifique. <laughs> et, et aussi ça manifestement et en fait et tout ça en fait fait que lui il dit il euh, y a pas il a pas de dans le, au début il dit dans l'univers il n'y a que du chaos rien ne fait sens etc et, euh, et donc tout le film le ramène à ce, en gros se réconcilier avec sa foi euh, à la fin et c'est et avec le intelligent design ouais et, et en fait c'est pas moi, j'ai rien contre ce message-là. En fait, je m'en fous. C'est surtout, c'est amené avec des gros sabots. C'est pas habile. Et ça, c'est, je trouve que c'est le gros problème de prédiction, c'est que c'est les gros sabots. C'est pas hyper bien écrit. En fait, il, il va beaucoup réécrire le film en fait avec un mec, qui Stuart s'appelle en fait, qui qui bossera plus tard avec lui sur Paradise Lost euh, euh, avec Pryas. Et je pense que le côté aussi cubenius vient beaucoup de ce mec-là. Il y a un vrai, il y a un vrai problème de, de positionnement après. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont passionnants en fait dans, dans prédiction si tu arrives à te débarrasser de toutes ces conneries là, quoi. Je sais pas. Bah, alors, je sais que apparemment le truc, euh, le truc qui a fait qu'il a fait le film, c'est que on spoil, hein, Clairement, c'est la fin du monde. Euh, et il a, bah, premier il... le premier truc, truc qui est super dans le film. Non, mais c'est le truc qu'il leur a dit. Il leur a dit si vous euh, me coupez ça, si en fait ça change, euh, je me casse. C'est aucun aucun intérêt de faire ce film, quoi. Euh, donc voilà. Euh, mais après, il y a, il il y, y a, bon comme toujours, hein, en fait, avec Alex Proyas, il y a toujours des plans étonnants, hein, des images étonnantes. Il bah, y a une scène quand même qui fonctionne plutôt, plutôt, plutôt bien. Je euh, sais, enfin, un... Alors, Si tu me parles du plan séquence de l'écrase. De... à moi ça, ça ah, marchait. Moi, ouais, moi, je trouve ouais. ça mes ringards, mais ah, ouais ridicule. Ouais, en fait, moi aussi, premier... ça marchait à l'époque. Hein, pour moi, mais que... moi déjà, dès la première fois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un premier truc là-dedans. Enfin, il faut, faut, faut imaginer. Donc c'est un... en fait c'est Cage qui est sur une autoroute. Qui en fait s'arrête euh, parce qu'il y, y a, comment dire. Il euh, réalise que... Euh, oui, il est dans son, une, dé son décodage. Du, du, voilà, voilà. Est dans, une, dans cette situation-là. Sauf qu'il ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et en gros, tu as un avion qui arrive à ce moment-là et qui s'écrase de tous ses yeux. Quoi. Et plan séquence, tu as Cage qui se met à courir en fait, euh, euh, comment dire, au, au milieu des débris euh, et, euh, et des gens qui sont en train de cramer et qui. <laughs> Il reste les bras ballants comme ça en fait oui, parce mais... que c'est surtout ça le problème de cette scène mmh. c'est que bon déjà je trouve que techniquement elle n'est pas particulièrement réussie mais euh, visuellement ah bah, je, trouve... hein, je veux dire il y a déjà des doubleurs numériques avec euh, avec, avec la simulation de feu euh, ouais enfin, mais je veux dire pour l'époque on va recontextualiser parce que c'est important quoi. quand même hein. c'est quand même euh, moi j'adore Kaijin. Hein. mais c'était quand même le grand moment en fait du Portnawak de sa carrière aussi parce que mmh. tu vois je veux dire du Portnawak de sa carrière qui sortait en salle et qui faisait des entrées parce mmh. que en fait as quand même next <laughs> Au ouais. moment, t'avais euh, comment dire tous les trucs de SF à la con, Hell Driver, Wickerman, oui, oui, c'était mais c'est pas sorti en France, ouais. Wickerman. Euh, euh, t'avais tout un tas de films comme ça en fait, si tu veux, avec Cage. Ou t'es à un donné, tu te disais bon bah en fait, euh, moi Cage, je l'adore, hein, et c'est un mec en fait, il faut savoir utiliser quoi. Mais euh, mais euh, mais là dedans en fait, il joue presque un personnage normal et il est pas normal du tout en fait, il est très étrange dans sa façon de jouer quoi. Bah, et il, dans il, ce il, moment, il est, là, ce moi, moment, moi, où il y a le premier, ça, en fait. le premier gars qui passe devant lui qui est en train de cramer, et il fait rien. Tu vois, il est là, genre les bras ballants, il fait bon et puis il continue à courir. Non ouais, mais je suis pas d'accord avec Déjà, toi, ça, y a un truc parce qui fonctionne que pas, le quoi. projet même du film. Et moi, en fait, c'est ce que ouais. je voulais dire. <laughs> et c'est ce que j'aime, en fait. Et je pense que ce plan séquence, c'est ce qui te dit, en fait. L'incapacité <laughs> du mec. C'est-à-dire que le. le, le moi, j'en vois pas beaucoup, en fait, surtout dans le cinéma euh, euh, américain, enfin, financé par les américains, des films où en fait, où on te on croit... Euh, euh, on défend la, 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 la question de la fatalité, c'est-à-dire que le, 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 chez les chez les ricains, le, je vais le prendre autrement par exemple si tu voyages dans le temps tu peux, tu peux, tu peux changer ton destin mmh. c'est le principe même en fait de la philosophie des d'Eriquin et ça je pense que c'est un truc qui est profondément ancré dans leur euh, société moi ce que j'aime en fait dans, dans Knowing et c'est sur, et surtout quand prayas le pousse à son point euh, d'extrême à la fin quoi et rien que moi, pour ces quelques minutes, je sauve le film. C'est qu'en en fait, il te raconte un mec qui ne peut rien faire à rien. Quoi. Il est juste en train de galoper en permanence après, après les infos. À essayer de comprendre ce qui se déroule devant ses yeux, à être incapable de changer quoi que ce soit. Parce que tu parles du fait que là, il ne peut pas sauver les gens, mais il ne peut sauver personne. Il ne sauve rien, il ne prédit rien. Ouais, il, arrive il, juste... sauve, il sauve la mère, de, <laughs> la mère avec son bébé dans, dans l'accident dans la, dans de, de, de train qui est bien pompé d'ailleurs sur Dare 3. Oui, mais c'est le seul euh... truc. L'accident ouais. de train, par exemple, dans de, 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 à, le truc à, à New York, c'est qu'il arrive, il est trop tard. C'est un truc hyper meurtrier. Moi, par exemple, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que oui, tu penses à dar 3. Non, tu penses à Dark 3 parce que tu le... Bah t'as trinqué comme ça, mais elle est d'une violence, moi, dans les... La bonne idée, c'est que les deux trains se percutent, en fait, entre eux et qu'il y en a un qui te défonce l'autre, quoi. Et surtout, ils écrasent les gens partout, quoi. Moi, j'ai, j'en ai vu beaucoup des films catastrophes. En général, dans les films catastrophes, le principe du film catastrophe, c'est que tu vois pas les gens, en fait. Tu vois la destruction des bâtiments, tu vois la destruction des... D'ailleurs, dans les films de roland par Exemple, ouais, ouais. mais non, mais c'est vrai, tu vois peu en fait, tu vois les héros, par exemple, quelques personnages importants de, de, du récit Ça, ça, ça c'est le meurt. côté, c'est le côté grec d'Alex Proyas. Parce mais, que mais là, le par dernier à contre... avoir montré des gens se faire écraser dans un train, c'était Georges Pan Kosmatos dans le pont de Cassandra. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, il y avait carrément des plans où même... tu les voyais se non, prendre les, ce que les, que les dire, rails Charles, dans la gueule. C'est tout. Tout. quand même un film catastrophe hyper noir. Et, et donc, ce truc de fatalité qui arrive donc à ce point euh, ultime où euh, lui se dit, je pourrais Rien foutre en fait, je suis aux mains d'une puissance extérieure qui est donc pas euh, enfin qui est peut-être divine, mais en tout cas euh, dans laquelle intervient une force extraterrestre et tout au, au bout d'un moment. C'est le truc aussi de No Wing, c'est que quand tu le vois en fait, le, le film, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait cet élément de SF là, mais alors absolument pas qu'il y ait des ouais, aliens a, tout des, à coup. Ouais, et des, quand ouais. ils arrivent, je te trouve que ce. Ce, ce, comment dire, ce, cette prise de risque, en fait, tout à coup, de te montrer des aliens au milieu d'un truc catastrophe. Euh, ouais, enfin, les mecs, ils ont l'air de sortir d'une boîte de. Tellement nuit, bizarre, euh... mais peu importe. Ouais. Oui, non, mais d'accord. Bah, quelque part, que, ils sont assez logiques Pour avec le coup, c'est vraiment ce, de... ce qui a, qu a flingué ouais. définitivement le film auprès du, de pas mal de public, parce que c'est vrai que l'identité du film, elle est plus dans la, dans la continuité de. Je ne sais pas moi, de la malédiction ou ce genre de, de, ouais, ouais. de bah film. là lui, ce, voilà, sa référence, c'était voilà. l'exorciste. Après, à voilà. -bon, ah euh... ah ouais, ah ce bon c'était ce qu'il disait. je vais faire un truc à l'exorciste. Ouais. Le, mais... Et débouler sur des aliens alors que rien, a priori, ne t'y a préparé dans, dans, mais dans mais... le film. Ça, ça, Les... Moi, j'aime le... bien cette prise de risque, mais tu ouais. vois. Ouais. Et, et, et donc, je finis juste là-dessus. Après, je vous laisse la parole, évidemment. Mais juste là-dessus, je trouve qu'en fait, aller jusqu'au bout. C'est goût... pas évident si on, en, si on en entend certains. Aller jusqu'au bout. Allez. Bout, elle est, est jusqu'au bout en fait de la de la fin du monde. Moi, je sais que ce, ce moment où il arrive à, à à New York à la fin avec la la c'est la symphonie 7 en fait de Beethoven là, ouais. qui commence à arriver et tout. Tu sais que tout le monde va crever en fait dans le truc parce qu'à ce moment-là du récit, tu dis ah oui donc il va vraiment montrer ça quoi. citez-moi ben, je... le, les autres films en fait qui ont fait ça. Quoi. Sais, il en a pas beaucoup quoi. Armageddon. Respect. Il fallait, fallait avoir des couilles pour passer derrière Maguédon. Non, mais c'est vrai que ah c'est non, scène, euh, je dire, tu non, vois, dans Deep mais... Impact, oui, pour le coup, t'as un peu. Ouais, c'est vrai qu'ils font ça, mais oh, alors oh, c'est vraiment le seul, la seule radicalité de clair, Deep Impact. seul, c'est Los Angeles 2013. Voilà. Le truc, oui en fait... mais c'est pas pareil en ouais. fait t'as pas ce côté tragique où tu dis je suis en train d'assister à la fin de, de l'humanité ouais. pas ouais. beaucoup quoi d'ailleurs moi j'aime bien il y, y, y a un truc que, que j'aime bien dans cette dans cette destruction là mais du coup en est, est presque c'est là où t'es pas du tout habité par le film hein. en fait tu vois c'est que tu t'en es à te dire ah, c'est pas mal comment il a fait ça tu vois c'est qu'en fait j'aime bien la façon dont, dont les flares solaires là parce que c'est ça en fait c'est des flares solaires qui détruisent euh, toute l'humanité toute, toute quoi en fait euh, attaque bloc par bloc New York et en fait je me suis putain c'est vachement architecte je vais y arriver architecturalement possible, tu vois, de le voir en fait les flairs en fait s'attaquer bloc par bloc en fait à New York. Je me suis putain, il y a que le mec de Dark City pour penser à cette idée là, tu vois, dans ces plans là. Mais bon après, si t'en as, j'ai pas pensé à ça et je trouve qu'elle marche vraiment bien en fait. Ah non mais elle marche bien, c'est super beau. C'est des plans en fait que tu t'avais jamais vu dans la dans ce truc là. Mais si t'en as à te dire que c'est des plans que t'as jamais vu c'est qu'en fait bon. Tu vois, tu n'es pas trop happé par ce qui se non, passe. Non, non, mais après, encore une fois, je trouve que c'est un film qui est tout pété, qui a plein de problèmes et tout. Ouais. C'est vrai que Nicolas Cage, je sais pas trop s'il a sa place après. Encore une bah, fois, je pense qu'il a sa place pour bien assumer bien la radicalité du film auprès des, voilà, des, des, ça, des, des gens. Fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce ouais. qu'il peut dire. moi bah, je le fais si, oh, si on part dans cette direction. Mais aussi, mais après, s'il raconte un truc rigolo, justement dans les scènes de fin, c'est que donc Cage, il devait être dans sa voiture, en fait, bloqué par tous les gens parce que les gens commencent à comprendre. C'est très mal. Il y a un truc aussi qui est très mal amené d'ailleurs dans le film qui est. Tu as se mais à faire chaud. Ouais. <laughs> et tu dis mais. Ah, bon, mais, <laughs> mais oui, c'est clair, c'est vachement bizarre. Mais au contraire, ça peut être super en fait, ça. Tu vois, Donc, le joueur à la terre pris feu, par exemple, c'est hyper bien, quoi. Mais bon, bref. Et euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis auto. Il était coincé dans sa. Il était coincé mais dans mais sa bagnole. oui, il était dans sa voiture et tout. Et Pryas va le voir. Il dit mais tu sais euh, Nicolas, il faut qu'on remette en place tous les figurants, les cascadeurs et tout. On a pour euh, là, il a pour une heure et demie, tu peux retourner dans ta caravane. Et Nicolas Cage, je lui ai même pas parlé, en fait, il était derrière le volant, il voulait rester pour être bloqué, en fait, et rester dans le personnage, quoi. Donc voilà, petite anecdote, petite anecdote sur Tony Scott, très belle moumoute. Nicolas Cage. Nicolas Cage, dans ce, dans ce, dans ce, comment dire. Dirait... Qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est euh, un Z avec, avec des, mo des moments euh, étonnants, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi sur la radicalité du. Du film et je suis complètement d'accord avec toi sur le côté plus qu'embarrassant euh, malgré tout enfin genre ah, c'est des moments c'est vraiment un z il y a des ouais. gens il y a des gens qui, qui à l'époque je crois de la sortie du film en fait euh, connectaient ça à l'idée que c'était un film sciento quoi oui je me rappelle ouais, effectivement à cause des extraterrestres qui viennent ouais. tout ça etc., etc moi il y a un, un plan que j'aime beaucoup ceci dit dans le film c'est vraiment quand les extraterrestres repartent en fait t'as les, as as les, les galets as qui se lèvent ouais. et tout et, et j, en fait je trouve que c'est une super idée de comment dire de conception de scène en fait si tu veux et je pense qu'il aurait même presque du plus l'utiliser en fait mais même truc. moi je, je sais que la toute fin en fait euh, euh, pourtant la scène est nulle hein. moi j'aime bien la toute fin en fait euh, quand euh, moi j'aime bien l'idée qu'il laisse ses gamins et tout enfin, bref mais, mais je, je sais que la toute fin c'est pareil c'est un, tellement un trip de mec de SF en fait de voir les gamins en ouais. fait qui courent vers l'arbre bizarre là et tout où on t'explique pas le machin juste moi, j'avais l'impression de lire une BD de Metal Hurlant, en fait, quand j'ai vu ce, ce dernier plan. C'est pareil, en fait, dans Metal, tu avais toujours des BD, en fait, des, des planches avec un gros twist à la fin. Et ça, j'ai l'impression que c'est ces trucs qui prenaient la demi-page, en fait, ouais. euh, dans le, de, de la, la, la feuille A4 du magazine. quoi. Tu vois, à la fin, euh, c'est des petites choses, en fait. Prédiction, c'est un film à chier, hein, franchement. Mais par contre, il y a des trucs dedans que je ne vois pas ailleurs. Et rien que pour ça... Il faut le voir et je le sauve en fait, quand même, ce mmh. film. C'est marrant que tu cites Métaliorland parce que <coughs> euh, par rapport à Dark City, on ne l'a pas évoqué, mais me, pour moi, il y avait une impossibilité euh, technique à ce que Alex Proyas ait pu lire Les Cités Obscures de Schuyten et Peters, euh, qui donc traduit en anglais donnerait littéralement Dark Cities, euh, mais qui était justement des, des, une série d'albums <coughs> sur des cités. Euh, Concept, on va dire. Avec euh, cette idée d'accumulation voilà. et tout, ouais. <laughs> et, euh, et en fait, en voyant Dark City, j'ai beaucoup pensé à ça, mais je m'étais dit d'emblée, vu que c'est ouais. de la BD franco-belge, il n'y a aucune chance pour qu'un Australien ait pu avoir ça entre les mains. Et en même temps, tu te dis, mais finalement, ça circule ces trucs-là. Pe ouais. Peut-être qu'il est beaucoup plus nourri de bandes dessinées européennes qu'on qu l'imaginerait. Et qu ce qui lui permettrait d'ailleurs, de, justement, de, de proposer aussi dans le cinéma anglo-saxon des éléments qui sont, euh, qui sont inédits parce que il y a, y a un côté par moment toute proportion gardée marc carrou euh, chez, chez alex proyas et c'est ce qui va d'ailleurs révéler euh, Dernièrement, dans pas mal des choses qu'il a faites sur YouTube et tout ça, c'est que c'est qu'il se complaît aussi dans un univers euh, euh, torturé, euh, machinique, euh, etc. Quoi. Il y a clairement un côté euh, cité des enfants perdus en fait dans Dark City. Oui, hein, oui, euh, oui. d'ailleurs il, il, hein. il dit clairement qu'il l'avait vu avant de faire Dark City. Ah ouais, euh... C'est clair. Je veux dire le, le, tout le truc des canaux. En fait, tout à coup de voir de l'eau par exemple dans ce décor de ville, c'est ça, ça rien d'évident. <laughs> quoi. Je pense que ça, Dark, euh, la cité euh, a. Enfin, je sais pas si ça l'a influencé, mais il y a un truc auquel tu peux pas t'empêcher de penser, quoi. Et moi, je sais que cette, ça, tu vois, j'allais dire planche, mais cette dernière image, en fait, encore une fois de, 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 de prémonition. Moi, j'ai l'impression de voir. Euh, mais Julian Moebius, il a fait des planches comme ça, quoi. Les deux gamins qui courent et tout. C'est même très. Euh, tu as l'impression que c'est presque un truc de, des années 70, tu vois. C'est il y a un truc comme ça, en fait, dans la rondeur des, des végétaux et tout. C'est c'est très bizarre, c'est très étonnant et c'est très rare, quoi, en fait. Donc voilà, c'est Premier film tourné en raid pour euh, aussi pour euh, pour Pryas, qui testait en fait le le, le numérique. Premier en fait. film tourné en numérique. Ouais, tout, premier film tourné en numérique avec une raid Oui, bon, pu dire ça comme ça. T'as raison. Et, euh, et pour Proyas qui testait ça en fait depuis très longtemps, qui arrivait, qui, était, qui trouvait pas satisfaction et tout. Et je trouve que le rendu, enfin euh, les souvenirs que j'en ai en tout cas en salle et tout, c'était plutôt pas mal quoi. C'était c'était vraiment chouette. Mais c'est bien, c'est une bonne caméra. La raid, de toute façon. Donc voilà et gros succès oui ça on l'a oublié en fait c'est que c'est un film qui s'est fait beaucoup moquer en tout cas en France euh, au moment de sa sortie et tout moi j'étais je me rappelle de la projo qui était un peu compliquée parce qu'en plus il y avait les, une partie de l'équipe de Buff je crois que c'était Buff hein, qui, qui avait bossé dessus en fait et, qui était venu voir comme une projo équipe en fait qui était venu voir le film en projo de presse et qui et je voilà et euh, mais par contre c'est un film qui a rapporté je sais plus trois ou quatre fois sa mise quand même quoi pour ce mythe ça a été une vraie bonne affaire et c'est euh, c'est le film qui me Clairement sur les rails, euh, Alex Praia, sauf que euh, un de manque de bol, en fait, il va se retrouver embarqué sur deux films qui vont euh, principalement, ce n'est pas les deux seuls, mais principalement deux films qui ne vont, euh, vont pas se concrétiser, quoi. Et qui malheureusement... Euh, ne vont pas. Euh, il va il va devoir s'embarquer en fait sur Ghost of Egypte. Euh, faut, faut de mieux peut-être. Quoi, quoi les deux films Alors, bah, Le premier, bah, c'est la... l'adaptation la, de, de, de de, de, du Paradis ah, Perdu de Milton. Et ça, c'était ouais. le gros gros Et euh, voilà, ça devait se faire en 2011. Ça avait été annoncé au, au Comic-Con, je crois. Euh, je sais plus, mais en fait, c'était euh... qui, qui produisait ça. Mais c'était une adaptation en version film d'action. Euh, ça et en performance gros, capture voilà. euh, euh, si je devais résumer ils auraient fait euh, du Paradis Perdu euh, je sais pas moi ce que euh, ce que God of War a fait avec la mythologie grecque euh, si tu veux à, à côté de voilà, euh, je prends un grand classique de la littérature mythologique, tu vois euh, là en l'occurrence euh, chrétienne, et, euh, et je te mets un gros barbare au milieu. Et ça devait être Bradley Cooper qui est oui. annoncé dans Brad le, le, le réel. il pas eu principal. Il y a eu quand même euh, 18 mois de prépa, en fait. Hum. C'est-à-dire quoi, 18 mois sur un film comme celui-ci C'est-à-dire qu'il a été entièrement storyboardé. Ils ont fait toutes les animatiques en fait, pour certaines séquences et tout. Ils ont modélisé la quasi-totalité des personnages. Euh, ils, a, ils étaient même allés jusqu'à faire le rigging, c'est-à-dire mettre la structure à l'intérieur des personnages en image de synthèse, qui allait être animée plus tard par la perfcap en fait des des, 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 des comédiens. Euh, il y avait toute l'équipe qui était sur le pont, etc. Et le film a été arrêté du jour au lendemain parce qu'en fait il était il reposait notamment sur un deal avec euh, Digital Domain, donc avec qui Pryas avait déjà bossé sur euh, iRobot et euh, Digital Domain en voyant les storyboards, etc. Ils ont pas arrêté de revoir le budget en fait à la hausse. Et John au bout d'un moment a dit non c'est <coughs> fini on arrête on coupe tout donc voilà ça c'était le premier projet je pense que ça lui a fait énormément de mal parce que du coup il s'est retrouvé euh, très vite euh, sans thune et tout parce qu'il n'avait pas de projet à côté il avait rien et l'autre il a développé euh, parallèle et... lives avec John euh, ah ouais, bah je Fox de... et voilà et Ampt c'était ça dont tu voulais parler non je voulais parler de avec euh, l'auteur de de Robo Apocalypse hein, que Spielberg devait faire à une époque euh, Daniel Wilson euh, donc euh, voilà, il voulait adapter enfin, avec l'auteur euh, ce bouquin que je n'ai pas lu, donc il s'appelle euh, euh, On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais, de... mais il avait euh, dans, en 95, euh, assez curieusement ou, ou pas, après euh, The Crow, et, euh, il avait été quand même approché pour, pour l'adaptation de Casper. Hein. Euh, ah oui, c'est vrai. Bah, ouais. Lié, ça, euh, vu que il euh, bah, y avait le côté euh, revu, revu, revenu d'entre les morts euh, gothique etc quoi donc euh, qu'est-ce que ça aurait donné euh, un Casper par Proyas à cette époque-là euh, à la place de, ça bra de nuit, Brad hein. ça aurait été, hein. été chelou un Casper vraiment ouais, vraiment vraiment, bon vraiment gothique ouais il y aurait eu mmh. des trucs plus intéressants est-ce qu'il y aurait eu Clint ouais. Eastwood dedans enfin, ouais. voilà. mais, euh, et, non surtout le le gros, gros truc sur lequel il travaille pendant assez longtemps c'est euh, c'est euh, ce qui va devenir malheureusement Dracula Untold alors je sais pas si vous avez vu ce <laughs> film de merde mais en fait qui était euh, la tentative euh, alors je crois que les John à cette époque là ce que j'ai parlé de Warner mais je me demande si c'était pas coquiner avec Universal en fait parce que euh, c'était une des tentatives en fait de refaire de rebooter euh, une des innombrables de rebooter les Universal monsters et donc de créer une espèce d'univers connecté, comme ça, un univers étendu avec tous les, tous les monstres. Et donc le, le, le concept de Dracula Untold, c'est de présenter le, la naissance de Dracula, de Vlad Tepes, mais en, mais en le présentant en tant que héros, donc pas en tant que véritable personnage historique. Qui était, donc, un boucher euh, sanguinaire, euh, un, un pitoyable. Tout de suite enfin, les grands mots. <laughs> tu sais quand tu entends son existence, c'est Jason Voorhees, le mec. Quoi, il a vraiment il avait il un a protégé l'Europe d'un invasion musulmane et tout. La grande traversée sur France Culture. Et il coup, voulait là, pas sur... du grand remplacement. Aussi. Ouais. Bon bref. Et euh, non. Et, alors donc il y a. C'était le grand pieu dans le cul. Il a et donc l'idée de Dracula Untold, c'était de présenter la naissance de Dracula. Et donc de présenter Dracula euh, comme euh, moins comme un monstre que comme une espèce de super-héros. Enfin, c'est comme ça que c'est dans ce, ce film tout pourri, quoi. Et, euh, et euh, pour terminer, euh, au monde contemporain où tu euh, sous-entends que Van Helsing est dans le coup, euh, ils vont devoir se bastonner. Mais euh, voilà, donc c'est vraiment vraiment un, un film de merde. Mais Preyas a travaillé aussi pendant euh, très longtemps dessus. Et donc c'est euh, encore une fois, c'est par désespoir de cause qu'il se retrouve sur. Euh, euh, Gods of Egypt, qu'il accepte et qu'il le fait surtout dans des conditions extrêmement précaires. Le film a été annoncé avec un budget absolument bah, pharaonique. Hein, ça, 140 millions. Je suis persuadé que c'est pas vrai. Et, euh, et, euh, et quand tu vois les conditions de, 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 de production et de tournage, c'est Sûr que ça s'est pas Après, passé comme ça, et surtout ça a été tendu. enfin, déjà au niveau du, du timing et tout, ça a été très compliqué. Quoi, c'est très serré, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, bon, bon, Ghost of Egypt, c'est l'aboutissement euh, terminal de gogolitude en fait de tout ce qui avait été lancé avec 300, quoi. Euh, c'est okay. à dire qu'en fait, tu as Chuté 300, tu as euh, le choc des méchant. titans. Ouais, t'as immortel, t'as t'as tous ces trucs-là. Non, mais d'accord, tu vois. Mais ce que je veux dire, en fait, ouais, si c'est c'est que la logique de production, oui. Avant ces ouais. films-là, c'était trois et et, euh, et films comme ça, quoi. Là, tu lui... vois, et Alexandre, c'était euh, ça les péplesums. Euh, lui, Prayas, en fait, pour lui, c'était dans sa continuité de recherche de nouvelles façons de tourner un film, quoi. Ouais. Mais mais cette façon de tourner et pour euh, intégralement et... sur fond vert, pour moi. Et pour Summit, qui, je crois, leur franchise, c'était. Euh, c'est Lionsgate qui, était, euh, euh, qui avait la franchise euh, Hunger Games, hein, c'est ça. Il euh, y avait aussi l'idée avec Gods of Egypt de créer une, une, peut-être une autre franchise en fait. Euh, donc, enfin, il y, y a un vrai calcul de toute façon commercial dans dans, dans ce, dans ce truc-là et, et puis aussi de, tape, de taper sur une mythologie qui est finalement très très peu exploitée par le ah, si, par le ça, cinéma. il faut le reconnaître. Ça, <laughs> bah, oui. c'est super. <laughs> Non mais Gods of Egypt, qu'on soit bien clair, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au cinéma depuis of the Duck en 1986. Euh, on ne réalise pas la chance qu'on a d'avoir des films comme ça. Euh, c'est une énorme production qui part totalement en couille, euh, mais qui est réalisée, je trouve, avec un vrai sens technique, avec des vrais technicos derrière, des gens qui savent ce qu'ils font juste la une seule chose qu'ils ne de, savent de, pas de, du, casting, ouais, là, du casting technique de mad max furio. juste la seule chose qu'ils ne savent pas, en fait, c'est à qui s'adresse ce film au, au, au bout du compte, exactement comme, comme pour war the duck du qu'on a. non, non mais on a, un, on a un film qui a été, euh, effectivement, je l'imagine, de la part de ses financiers, conçu comme une tentative de franchise qui ciblait le public à la fois euh, concrètement, de basiquement de, de, du seigneur des anneaux, des films de super-héros, de ce genre de truc là. 300 Alors ans. Que, alors Et de 300, donc, euh, alors qu'en réalité, ça s'adresse à des gamins de, de 8 à 10 ans. quoi Mais pour un gamin Comme de 8 à ans, 10 ans, c'est <laughs> absolument euh, sublimissime. Euh, moi, j'ai littéralement. Euh, je suis retombé en enfance euh, quand je jouais avec mes figurines matchbox euh, égyptiennes euh, que, que je peignais avec mon copain Richard <laughs> et qu'on créait des, des, des <laughs> <Salut>. scènes. <laughs> voilà. Mais non, mais qu'on créait des scènes totalement aberrantes parce qu'on était déjà de gamins baigné de, de toute une tas de ah, mythologie bon. euh, égyptienne aussi non Raphne. mythologie égyptienne mélangée à des trucs de SF qu'on aimait bien à l'époque etc ben, voilà voir euh, euh, Geoffrey Rush dans le ça, rôle de Ra, compliqué euh, en quand train même. En, en, en train de se battre contre contre le chaos euh, à, à quelques kilomètres de la Terre et qu'on a rien à foutre de, on est en train de lui parler dans son dos et tout mais mais moi je, je, je retrouvais mes jeux d'enfance hein et et, et j'étais vraiment je suis reconnaissant au film d'avoir euh, de la voir parce que quand on parle de, de, de grosses mères hollywoodiennes moi ce que je les, les, ce que, je sais pas moi quand je me tape des morbus ou je sais quel non nom, nom, mais c'est sûr ça, je vois des, des, des exécutifs autour d'un bureau en, des mecs des mecs sévères avec des tableurs Excel devant devant la gueule et ça me déprime ça me fait tomber vers le bas quand je vois God Save Egypt mais je, je, je saute de joie. En quoi, fait, ce, est... Qui est, ce qui est terrible, mais... c'est que c'est un film qui est devenu euh, très. Euh, alors bon, aujourd'hui, il a un peu oublié et tout, mais pendant très longtemps, ça a été devenu la la la, la risée de tous les youtubeurs, etc. God of Egypt. Et tu te dis, mais c'est quand même pas juste. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui est pété. Hein. Moi, j'aime pas trop. En plus, je prends pas beaucoup de plaisir. Malheureusement, j'aimerais prendre plus de plaisir à God of Egypt. C'est pas trop le cas. Mais peu importe. C'est un film qui est pété, qui au moins, c'est comme les autres trucs de la première Au moins, ils tentent des trucs tente d'investir un univers avec une mythologie dont tu n'as jamais entendu parler auparavant parce qu'elle est très exotique et elle est très riche. Et c'est bien que le cinéma investisse ça, quoi. c'est cool, quoi. Il y a plein de choses à raconter à partir de ça. Euh, et il y a plein de propositions. Euh, mine de rien, de cinéma, elles ont pété, elles sont machin et tout. C'est pas la question, quoi. Mais au moins, il y a, il y a un truc euh, de nouveauté. De... Et c'est des cibles faciles, en fait, pour tous ces gens-là. Tu as envie de dire, mais putain, mais vous acharnez pas sur ces films-là. Acharnez-vous effectivement sur Morbius ou sur, euh, je sais pas moi, euh, sur euh, le Morbius, dernier Ant-Man ou ouais, bah, euh, Morbius et Madame Webb, ils s'acharnent dessus. Mais... Non, non, mais, mais le dernier Ant-Man ou des trucs comme ça. Enfin, je veux ouais. dire, en bah, tout, tout cas, voilà, on acharne aussi dessus. mais, oui, mais, mais, Alors, mais on, ça, c'est. On, on raconte vite fait de quoi ça, de quoi quoi, ça fait, parle Gods Je te laisse faire Donc, ça se passe dans un univers. Qui considèrent que les dieux égyptiens vivaient parmi les, les égyptiens eux-mêmes, euh, à la différence qu'ils font. Euh, alors, à l'état normal, mètres, ils, font, hein. ils font 3 mètres, mmh. et quand ils sont vraiment en colère, ils gagnent quelques centimètres. Mais non, mais ça, c'est fun aussi. Euh, et, euh, et donc, on a euh, bah, le, le Osiris qui se fait. Euh, Assassiné par 7. Euh, par, euh, par euh, et euh, et son Osiris, c'est Brian Brown. Voilà. Non, il faut le dire. Non, parce que. faut raconter le casting quand même. Et Seth c'est. Et Seth c'est. Euh, les maxillaires, là. C'est. Il a chié chier. il est à chier, hein. Ah, c'est ah, un non, mais, putain de non, non seulement il a à hein. chier, mais en plus, il paraît que quand il a lu le scénario il a fait Ah putain, mais je vais jouer à un dieu. <laughs> ah, mais il faut que j'achète une carte de muscu. Et il a laissé <laughs> une carte non, de muscu. Non, c'est vrai. Il a laissé muscu à fond la caisse qu'il faut qu'il soit irréprochable alors que tu te sens quand même qu'il y a un peu de bière là, là, là dedans. Ouais. quand même, si tu veux. Il est aussi il est... Attends, t'as coupé Raf dans son bouche. Il dit toujours que ouais, c'est moi, mais... C'est hein, le, genre, ouais, là, aussi, hein. le ouais. petit blondinet, là aussi. <rire> là. <rire> ouais, mais moi j'ai... <laughs> J'ai le droit parce que je suis grec comme à l'exploitation. Voilà. Et donc, Horus euh, euh, se confond en duel donc avec, avec, avec Seth, qui lui, arra Seth lui arrache les yeux, euh, ce qui lui fait perdre ses pouvoirs, euh, ses pouvoirs divins euh, instantanément. Et, euh, et Seth, bah, en gros, prend le contrôle ça, du, dans la du monde, euh, et euh, transforme basiquement toute l'humanité en, enfin, voilà, euh, sous sa coupe, quoi, en esclavage. Euh, et on a, parallèlement à ça, un jeune, un jeune euh, euh, héros, euh, donc, qui n'est pas du, du tout <laughs> égyptien, enfin vraiment, qui a, qu a une gueule de, de, de boy scout ou je sais pas, ou de, de joke, euh, euh, de beach boy, quoi. Euh... Bien nul, hein. Oui. Oh ouais. putain, il est nul, lui, hein. <laughs> très, très amoureux d'une jeune fille, euh, voilà, de, 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 de basse condition, on va dire, euh, qui, en fait. Euh, euh... Alors, attends, c'est quoi Il découvre l'emplacement le, le, du trésor de Horus. Voilà. Voilà, euh, non, de 7, non, donc 7... Accumule ah oui. un trésor. Je suis à nouveau perdu. Mais quand t'as commencé, vo... je me suis dit, j'ai enfin. Et en voulant, non, voler, va, en voulant il... en voler ce trésor, <laughs> il récupère les yeux d'Horus. Voilà. Et du ah coup, oui, il, fait avec, il fait avec lui un deal est euh, qui est que. Horus bon, est voilà. devenu de Joellenbeck. Entre-temps, entre <laughs> sa, sa, dire sa dire. fiancée <laughs> s'est fait, fait tuer par Seth. Donc elle est partie pour le monde des morts. Et il fait un deal avec. Qui est d'ailleurs un de Paradise Lost. Clairement, on va en reparler. Et il fait un deal, ce jeune héros fait un deal avec Horus en mode je te rends tes yeux si tu fais revenir. Ma meuf euh, euh, du monde des, du monde des morts. Donc on va... ça comme ça ma meuf. On, on, voilà. <laughs> ben, oui, c'est que quasiment que ça. C'est hein. quasiment <laughs> ça. c'est clair. Il a, les mecs se comportent exactement comme des lycéens de, des années 2010 euh, alors qu'on est dans l'Égypte de l'Antiquité quoi. Enfin, plus ou moins. On euh, est clairement fantasmé. dans l'angible de Jules. De... d'ailleurs, c'était un des reproches qui a été fait à Alex Proyas, ils disent, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est de la réappropriation culturelle Pourquoi il ce que c'est pas ouais. un réalisateur euh, égyptien ouais. qui fait le film Déjà, déjà <laughs> c'est pourquoi... genre voilà, Youssef Chéry. oui, c'est clair. Il, il, aurait, il aurait été parfait. Euh, je sais pas, moi, enfin, Dalida. Oh, euh... il est égyptien, encore <laughs> une fois. Ouais, ouais, il est né en Égypte, quoi, mais euh, bon. Mais il est égyptien. Non, non, mais c'est. Le fil... Effectivement, il y a eu un backlash sur le fait que à part. Comment il s'appelle Black Panther. Chadwick Bosman. Bosman, il n'y a pratiquement aucun, aucun basané, on va dire, dans, dans, dans le il casting. A une, il a aussi pris une carte pour, pour se faire bronzer. <laughs> Comment il s'appelle <laughs> Gérard. Ah, il est tout bronzé dans le film. Je suis sûr qu'il a la marque du maillot. C'est con que ça ne se traverse pas, t'sais. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite scène culnue ou tu sais, un truc comme ça où ils auraient été obligés, de, tu il sais, y aurait un préposé au numérique là pour numériser, <laughs> numériser les fesses. Ah, c'est sûrement arrivé, ouais. Genre, merde, il faut que je peigne le cul de, de <laughs> Enfin voilà, donc c'est donc, un film dans lequel il y a des dieux. Qui peuvent se transformer, qui peuvent se créer, bon, se créer instantanément, Zodiac, de... un peu, exactement, avec un exactement ça, des ouais. chevaliers du zodiaque, se faire pousser des ça armures ça. instantanément ouais. en or. Euh, on a des, ouais, leur sang est en or. Enfin, tu on vois, a, on a des combats avec des serpents, des serpents géants à plusieurs têtes. On a, enfin, je, je sais pas ce qu'il vous faut. <laughs> <moi>. C'est <laughs> un film, ça n'arrête pas, quoi. Et ça qu c'est vrai. Enfin, on ne hein, pas ouais. chier <laughs> Comment On sait pas chier Ah bah clairement moi, je on s'est pas un peu chier. chier Mais mais c'est vrai que ça arrête pas. Et, que et ça quand on à passe à du, monde, du monde des morts au monde des vivants, il y a un effet visuel là de de zoom de, de en travelling avant hyper rapide qui, qui, qui est génialiste. C'est dire le film a été beaucoup décrit pour ses effets spéciaux à raison <laughs> parfois en tout cas mais moi je trouve qu'il y a des trucs qui sont hyper réussis il y a un truc que je, je trouve vraiment bluffant quoi c'est euh, certains mélanges entre les dieux et les, les humains en fait. Oui clairement. Dans les tailles. Il y a des trucs où et ça euh... commence dès, dès, dès la scène de présentation d'Horus où il se lève le matin et t'as ses servantes ouais, qui le qui le masse pendant qu'il est dans dans, dans, dans dans son bain. Dans son bain et tout. Et as une autre étonnant, une autre déesse voilà, qui arrive derrière ouais. et qui elle fait du coup plus grande quoi avec des mains qui tu vois qu'elles ont pas la même taille alors que tu vois bien qu'il y a le contact avec la peau euh, pendant ouais, ouais. toute la scène quoi donc c'est voilà, quand même ça c'est du sacré boulot quoi, ouais. je veux dire c'est pas facile à faire. Euh, ça, Proyas quoi, disait que, que c'était du reverse engineering de de, du Seigneur des Anneaux, ah ouais. où Jackson avait fait toutes les astuces possibles et imaginables pour réduire les Hobbits, euh, voilà, dans leur interaction avec les humains, et qu'en fait, bah, ils avaient fait l'inverse pour, euh, pour, euh, pour son film. Enfin, ouais, ils ont fait la même chose parce qu'il aurait pu juste changer le problème et prendre les humains comme Mais les Hobbits. Euh, et ouais. effectivement, je trouve vrai. que cette cohabitation de, de taille fonctionne bien dans le film, oui, elle oui. est naturelle. Et en plus de ça, justement, Tout toujours comme ça, par rapport à ce que dit Julien depuis naturel. le début de l'émission, c'était nouveau. Je, 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 vois clair, pas hein. de, je vois pas de film où, où j'ai comme ça le, le mec de Game of Thrones qui fait 3, 3 mètres de haut et, 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 et qui se... ah. et tu sais qu'apparemment le cut de Proyas devait faire 2h45 ah oh, putain j'ai envie de le voir maintenant ouais mais en plus ce qui est, ce qui est, en fait c'est Proyas toujours un peu en avance sur son temps quand même parce que maintenant tous les blockbusters ils font 2 h 40 donc là, en fait quand tu réfléchis Là, moi, tu vois, tu me dis 2h45 de God's Office, c'est un petit peu long quand même, tu vois. Mais en fait, Michael Bay, font 2h45. Ouais, les, mais si euh, c'est les... 2h45 avec plus de Geoffrey Roche, moi, je pense. Que... <laughs> Ça, c'est très, très compliqué, Geoffrey Roche. Avec en... un plan On à la Dark City. Hein. Hein. C'est encore un, un, encore un plan à la Dark City, en fait, avec le, comment dire, euh, oui, oui, euh... Le, 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 le truc sur lequel il est qui est plat, là, je crois, euh, qu'il est en fait... Euh, oui, c'est une, une espèce de... de une de... chaloupe de chaloupes, de, 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 de solaire, de base mire spatiale, enfin c'est un, un, <laughs> enfin, un, un mélange de trucs. Mais non, mais encore une fois c'est un mélange de trucs. C'est vraiment ce que quand t'es gamin tu tu te poses pas de questions si tu récupères des objets, de, de, des jouets qui, qui appartiennent à des franchises différentes et tu les mets côte à côte et, et ça te fait un nouveau récit. Et moi, c'est comme ça que je, je vis. Euh, euh, il y en a trop vois. peu des films comme ça. Quoi, en fait, Julien qui autres, parle des Chevaliers du Zodiac, il a 100% raison. C'est les Chevaliers du Zodiac. Ouais. Ouais. Chevaliers du Zodiac. Ouais, et Seiya, tu te dis, ouais. qu'est-ce que ça fout dans, euh, <laughs> chez les Égyptiens <laughs> On s'en fout. C'est parce que c'est cool d'avoir une armure en or euh, ouais, après, à ce moment-là. C'est euh, euh, la mythologie grecque, hein, ouais, donc euh... la mythologie même. Oh putain, ouais. mais t'arrêtes de ramener les Grecs à toutes ah, les sauces ah, ah, là, mais ça. Suffire. Pégase, excuse-moi, mais <laughs> non, mais, tu vois, mais, euh, non, mais là, là, dans Ghost of Egypt, c'est vraiment le look de la figurine japonaise, quoi, si tu veux. Oui, euh, oui, 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 donc oui, c'est oui. en ça que que je pense que vraiment il, il s'amuse quoi enfin tu sens un mec qui, qui, qui mais le qui monde n'a pas compris en fait non, pas. le monde n'a pas compris. non mais, non, plus, mais dit, parce que c'est vrai le monde, par rapport à la mythologie c'est en fait oui, mais sais, que ça, ça, ça ne me pas bien sûr le, 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 je pense que le, 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 vous, vous avez peut-être un regard esthétique ou esthète je, euh, euh, critique sur sur le film mais je pense que pour l'essentiel du public c'est juste qu'il y a trop de choses et que la raison de du refus c'est ça aussi c'est que c'est ça l'arrête pas. C'est bourré de propositions tout le temps. Alors, je, je reconnais que le personnage principal euh, est, est compliqué, euh, l'adolescent, là. Euh, même si je trouve sa présentation plutôt bien faite, genre, je sais pas, tu vas me dire que l'effet spécial n'est peut-être pas réussi, mais où tu as la caméra qui, qui survole toute la cité euh, égyptienne, où tu vois vraiment le truc à perte de vue. Euh, je trouve ça assez joli. Et tu descends vers la place du marché pour aller directement sur le, sur le mec qui est en train de se faire poursuivre. Non, bah, mais... Franchement, voilà quoi. Moi, je ne l'ai pas vu à sa sortie et du coup, j'avais déjà entendu dire énorme problème des fixes et tout. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la, 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 les premières interactions avec les, les humains et tout, je me suis dit, bah, ça va quoi Enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs, c'est culotté de faire ça, c'est hyper ambitieux. Bon, après, après il y, a... y a des problèmes, il y a quand même des gros problèmes d'incrustes et tout, quoi. C'est ouais, ça le problème, c'est hein. que c'est des effets qui sont très visibles. Mais, mais, euh, mais le truc, c'est que moi, je trouve que ce n'est pas beaucoup plus dégueulasse que Sin City ou que. Que c'est juste qu'il a, il a pas de, il a pas de, ah non, il, a, il a pas utilisé euh... des, des expédients euh, esthétiques pour essayer de camoufler la misère comme les deux autres quoi. Ouais, ouais, puis, moi qu je pense que dit, en plus il mais... y a pas de, il y a un rapport, un rapprochement esthétique on va dire entre mm. entre Sin City et 300. il n'y en a pas vraiment entre 300 et, et, et Gods of Egypt. Mm. Je veux dire euh, ça, non, vous, vous avez, enfin, genre, ça n'a rien à voir. Mais Mais le truc c'est que moi je le, le est bourré de, comment dire de. Travelling latéral, euh... voilà, très ample avec beaucoup de. Non non bien ça. sûr ouais, c'est euh, beaucoup plus ambitieux c'est beaucoup plus fin quoi. Voilà alors, donc fin, voilà on, en fait alors voilà si tu résumes sur la jaquette voilà ils vont prendre notre notre God of, of, of Egypt peut-être un film fin voilà avec avec des trois petits points entre les deux et des ou le, non, ou non, non. la tagline c'est la, la, la meilleure chose qui soit arrivée au cinéma depuis war the Duck voilà si, 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 je pense qu'on ne peut pas le fois Bravo. On peut pas... <laughs> On, on peut pas, euh, on peut pas prendre plaisir à ces films si on ne se met pas au niveau que ces films proposent quoi. Et il y a une espèce d'innocence. Ouais, en fait, on peut Parce dire que, ça. Euh, on peut dire fait, ça sur Transformers. Je, sais euh, plus, je, euh, je ouais. crois que depuis qu'on a fait l'émission, qu depuis qu'on avait fait, vous aviez fait l'émission de, de nos ciné au ah, sujet ouais. de Gods of Egypt, ça a été repris un peu sur justement sur Internet et je crois que le fossoyeur de films a fait du coup une vidéo en défense. De Gods of Egypt en disant le dernier Z, point d'interrogation, enfin le dernier. Euh, non, pardon, le dernier nanar, point d'interrogation. Parce qu'effectivement, Gods of Egypt correspond plus à la définition euh, originelle du nanar, comme étant ce film raté auquel tu prends un plaisir incommensurable, quoi, à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tu prends plaisir euh, à, 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 à ce spectacle-là. Ce spectacle te propose un état de conscience tellement gamin, bête, euh, bas de plafond. Ouais, mais toi, pourtant, mais... c'est Gonzo, quoi. Non, moi pour moi c'est pas Gonzo. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi j'aime autant. En train War, de dire War que The les Up. enfants sont des cons. Raphaël. Non, je dis que les enfants fonctionnent à un niveau où un niveau où ils ont pas peur d'être jugés. Euh, et et euh, non, non, c'est clair. Et Gods of Egypt c'est ça, c'est genre euh, prends ton kiff, mec. Et oui, il y a les chevaliers du zodiaque, c'est trop cool. Et c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas les productions Disney qui vont te proposer un truc pareil. Ah non, d'accord, il y a un cœur qui bat là, vous avez entendu Il bat fort. Un cœur de canard. je veux dire, tu peux tu en dire autant de Transformers, quoi, c'est ça C'est vrai, on pourrait. Il n'y a pas de calcul vraiment dans Egypt c'est ça aussi qui est très bizarre en fait dans ce film, c'est que tu dis mais. Je pense que c'est ça, c'est un truc de la précipitation en fait, de la, la, la confection de ce, ces films-là, quoi. Alors c'est un film qui a été tourné deux ans avant sa sortie. Hein. Et euh, ouais, mais qui a été fait très vite. Enfin, après ouais. se dit quoi, c'est été fait très vite. Ce que je disais tout à l'heure là, euh, hors euh, enregistrement, moi j'avais visité les locaux de, de Marco Beltrami en fait, qui a fait aussi la, la musique pendant qu'il était en train de la composer. Et lui, c'est un truc qui me disait en fait qu'il devait faire, alors, je sais plus combien de, de musique. C'était monstrueux la quantité de musique qu'il avait à faire. En un, en un temps absolument euh, ahurissant, quoi, très très très, très euh, compressé. Donc c'est pas c'est pas parce que le film est terminé qu'il est pas sorti et tout que le film, la conception même, elle est pas elle est pas faite très rapidement. et C'est là où je me dis que ce chiffre là de 140 millions de dollars, surtout chez les indés en fait, c'est quand même des trucs où pour les vendre après aux distributeurs, aux exploitants, ils aiment bien. Gonfler. Alors sachant aussi que avec le tournage en Australie, euh, en plus, ils ont, euh, ils ont euh, fiscaux, un rabattement ouf, ouais. fiscal de 43%, ouais. donc c'est monstrueux. Donc, ouais, il se retrouve un bizarre, peu. bizarre, quoi. Ouais. Euh, Lionsgate, je crois qu'ils vont injecter 10 millions, du coup, en plus. Euh... Oui, pis, enfin, ouais. tu vois, moi, je le vois même au nom des boîtes qui ont bossé dessus, des boîtes de FX et tout. As pas de. Si, si tu avais vraiment un budget pharaonique comme ça, j'aime bien ce, cet adjectif dans ce cadre, mais si tu avais vraiment un budget euh, euh, titanesque comme ça, euh, tu, tu fais appel à des grosses, grosses turnes, quoi. Là, là en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de grosses boîtes, en fait, de vraies grosses boîtes. Et euh, ça, c'est pareil, c'est un truc, c'est un signe qui trompe pas en fait sur les budgets, quoi, et sur le manque de budget, parce que c'est pas en production pure en fait que ça coûté du mmh. pognon. Ça, c'est sûr. Les tournages comme ça sur fond bleu, ça va assez vite. Ils n'ont pas de gros problèmes. Il n'y a pas de gros décors à En fait, je pense avoir trouvé mon, mon analogie définitive. Je je m'arrêterai là. Mais je pense que si on peut pas apprécier comme le font beaucoup de cinéphiles actuellement le cinéma d'action indien contemporain. Ah oui. Et de dire de God of Egypt que c'est juste de la merde. L'innocence qui prévaut dans ce cinéma bah, indien et qui nous de plaît. de Dociné, mais Yannick, en fait, lui, pour le coup, c'est lui qui, qui, qui Et Yannick film, est, est fond, fan euh, de God of Egypt. Non, non, ah. il était là en train de dire ouais, je me suis pas emmerdé, mais c'est euh, c'est euh, quand même euh, ça n'a aucun sens en fait. Oui, mais ouais. il, a pris son pla il a pris plaisir. Ouais. Comme il prend il plaisir. la critique indien. du film. Hum. Mais bon, ah. innocence le plaisir innocence ah, le un plaisir que la, que... la générosité l'envie <laughs> de proposer aux spectateurs des trucs tu et... nah, as et des técos, en fait tu as des déco parce que, sur que si le, le film Fégide, était moche. assez lunaire en fait je trouve ouais. ouais. un ressemble au film voilà ouais, c'est à dire qu'en fait il y a quand même assez, pas mal de técos assez, euh, assez euh au Niveau quand même sur ce film, quoi. Oui, j'ai plus j'ai pas, j enfin, pu es les pas noms, déjà ouais. le chef hop, tu vois, enfin ouais. qui, qui, qui est quand même le chef hop de Macti, quoi, euh, du 13e guerrier et tout. C'est hein. pas Peter Menzies, hein, ouais, c'est ça, ouais. ça, ouais. Ah, ouais. Donc, Donc bon, on, a, on a dit Marco Bon, qui a, qu a fait un ou deux films de merde, enfin euh, ouais. il a fait plein de films de merde, mais je veux dire un ou deux films où sa, sa lumière était honteuse. Il, hein. il a fait le Tomb Raider, mais qui était horrible, c'était vraiment dégueulasse. Mais à part ça, bon voilà quoi, c'est quand même. J'ai pas le casque, mais. Euh, donc ouais, Marco Beltrami à la musique. Euh, le, moi, je trouve encore une fois les effets spéciaux plutôt réussis. J'adore la, la scène avec les deux hystériques sur leur serpent euh, à deux têtes. <laughs> mais non, mais euh, j'ai trouvé. Ça, je me suis repassé la scène trois fois, quoi. <laughs> C'est genre trop cool. trois fois pendant que tu l'as vu la première fois. Non. Ah oui, quand non, même. Non. Tu l'as revu trois fois après la scène. J'ai revu le film, bien sûr. Voilà. Donc euh... atypique. Et en tout cas, ça, ça l'a foutu en movie gel, comme on dit, quoi. Ouais. Elle a flingué, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah parce déjà... que ça a été un bide. Ça a été un bide. Puis surtout, ça a eu... je pense qu'il a eu, Il a eu le, le, le combo total, quoi. Bide, euh, four critique énorme. Euh, euh, refus du public énorme et, Storm, et, et en euh, plus euh, shitstorm autour du cast du où film, ils ont euh, où ils ont dû s'excuser euh, euh, mais vraiment hein, était vraiment ouais, un ça c'est euh... complètement con en fait bah ouais d'accord mais le après c'est ce qu'il dit 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 mais moi je suis égyptien <laughs> mais c'est surtout c'est surtout en fait, en, fait, en fait tu reproches ça à quoi en fait tu reproches ça à qui exactement je veux dire ça fait juste littéralement 50 ans de péplum, en fait, que les mecs, ils sont tous mais blancs. Sûr, sûr, précisément. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà. Je veux, je veux bien, hein, tu vois. On a vu des conversations là-dessus avec Arnaud quand on faisait le podcast sur 3 où à un moment donné, en fait, que les mecs, ils allaient chercher que bah, des gars du nord de l'Écosse, en fait, pour jouer le film. C'est un peu bizarre. Bah, à la fois, mais, tu le vois. problème, as à la fois les délires autour du whitewashing et en plus de ça, une certaine. Amnésie euh, historique ouais, sur ces gods ce en fait, ça, 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 ça c est c est vraiment les ça, égyptiens. Ça serait bon. Cléopâtre, je dis pas, mais c'est même, même, même Cléopâtre en fait. elle avait des origines à la moitié grecque. Non, donc, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Encore une, mais t'es sérieux quoi. Hein, encore une. Encore une <laughs> euh, 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 <laughs> mais c'est vrai le mec, il a des origines grecques, il est né en Égypte. mais c'est même pas ça. C'est qu'encore une fois, le film, comme tu l'as dit, c'est pas du tout un film réaliste. Ouais. plutôt un film historique. C'est pas du tout. Non mais je pense qu'en fait, je pense qu'en fait, en vérité, ce seul problème en fait de de couleur de peau du cast, on va dire, voilà, c'est c'est que ça aurait donné une patine un peu plus euh, réaliste, en fait, dans son exotisme potentiel. Quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais c'est tout ce que je vois, quoi. Ça, voilà, mais bon. bon je m'en fous, je ne vais pas défendre ça. Mais l'idée, le, le concept pour nous, ce qui est intéressant, parce qu'on ne va pas s'en sortir. C'est que c'est fun. C'est que, que il, il, ça l'a ça quand même flingué, quoi, quoi C'est ça presse. qui t'intéresse, toi bah on parle de l'Express, on ah parle oui. de, Ghost ah ah non, la la raison, de Ghost of Egypt. Non mais non, c'est vrai, non, c'est la flingue. Non mais, mais c'est vrai, c'est la fin, Mais c'est vrai qu'il y a sortie, plus, y a plus de une long une métrage. Sortie non non, ça, ça, ça date quand même C'est une sortie enfin, moi je préfère le, je préfère le qui nous quitte avec un Ghost of Egypt qu'avec un un, 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 un no Wing quoi voilà qu comment Prédiction Qu'avec qu un prédiction, voilà. Y a, là, il y a un côté effectivement, j'ai raté mon tour de magie et je balance, je balance, de la fumée et, on, et on, on voit que je sors de derrière le rideau avec un costume en lapin qui suit derrière. Non, non, mais c'est clair. Mais, mais bon, non, il faut parler un petit peu de Proyas aujourd'hui. Il ouais. y, y a un truc aussi. Et Je ne sais pas comment il va être pris cet épisode, si on va faire un gros four ou quoi que ce soit, parce que moi, il y, le... euh, y a un truc qui me brise. Non, mais il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que moi, je le suis sur les réseaux, par exemple, je regarde un peu ses vidéos et tout. Il fait des scores lamentables, en fait, à l'Express, même quand il accorde des interviews, en fait. Il a, de... il a accordé beaucoup d'interviews pendant le confinement, notamment. Et euh, il est bien, en plus il se livre et tout. Et, et, et tu vois, les scores ils sont tout petits, petits quoi. Et là tu dis merde, il en est là quoi. Est, genre un mec comme ça, il te poste des, des, des vidéos de tests qu'il fait ou de, 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 pour des projets de cours enfin, ou de longs, etc. Et tu dis merde, normalement ça devrait quand même intéresser les gens. Il devrait y avoir des news dans les, les sites ou dans les, les, dans les, les fils d'infos euh, sur les, les réseaux sociaux euh, euh, adaptés, enfin tu vois, destinés à ce genre de truc. Et tu as l'impression qu'il est tout seul. Euh, en Australie, a essayé de trouver des, des voies pour s'en sortir. Quoi. Et donc, il a. Ah, du coup, j'enchaîne, Steph. Ouais, vas-y, ouais. Mais, et du coup, en fait, il a de monté. Façon, on a la boucle la hein. boucle. Ouais, ouais, il a monté sa propre structure, en fait, là-bas. Ouais. En partenariat avec des écoles aussi du coin parce que lui il estime mais il a tout je pense qu'il a complètement raison qu'il n'y a pas de il y a pas assez de formation aujourd'hui pour ce que le cinéma va devenir notamment avec les IA euh, de, 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 notamment d'animation de, de gestion pour les les fonds d'incrus pour les pour les pour les panneaux LED etc et donc il a il a fait euh, il, il en en développement de plusieurs projets notamment un film d'horreur un peu gothique enfin moi j'ai vu des images là-dessus en fait où il a fait des des tests <coughs> avec. Euh, alors, je ne crois pas qu'il y ait de panneaux LED dans le, le test qui, est, qui a été montré, mais je pense qu'il y a des, des inclus sur fond vert et c'est vraiment. Il parle de panneaux hein. il Je sais pas, je sais pas. Cette techno est compliquée quand même. Et sa, 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 sa boîte, mais... sa société, il l'a appelée euh, hérétique Foundation. Oui, alors ça c'est marrant. En fait, ah, c'est le truc. Je peux ah, pas m'empêcher de le trouver attachant aussi pour y pour ça parce que il le dit et tu vois qu'il s'est tapé un kiff en l'appelant comme ça, mais à chaque fois du coup il est obligé de se justifier en disant attention c'est rien de démoniaque et tout, c'est juste que j'aime bien ce nom et tout. Mais, <laughs> mais non, mais voilà, un hérétique c'est quelqu'un qui croit. À quelque chose ouais, faut, ouais, mais, et, et, qui n'est pas et, dans la norme, mais qui n'est pas dans la norme ouais. et à qui on refuse Bien sa sûr. croyance. Quoi. Ouais. Pour moi, ça, ça, ça résume tellement le personnage. C'est ouais. clair, c'est clair. Et donc, il essaie de développer plein de trucs. Si vous le continuez à le suivre, vous verrez aussi qu'il s'est pas mal lancé en fait dans les IA. Il a fait quelques cours très euh, primitifs hein, sur les IA qui sont vraiment des tests pour pouvoir enfin, comme beaucoup de gens le font hein, parce que l'outil le, n'est pas encore assez euh, perfectionné mais il y, y a deux trois trucs qui sont vraiment étonnants il y a notamment une, un truc avec des, des visages en fait euh, un peu pétés euh, euh, il, il y a il, je pense qu'il n'est il pas allé chercher le photorealisme il a dû chercher des références du côté des photos des années 50 et tout et avec des visages comme ça qui te regardent en fait euh, un, un couple comme ça qui te regarde en noir et blanc et tout c'est ouais, sur sa chaîne YouTube ouais, c'est assez ouais. intéressant quoi il a fait des trucs avec des corps déformés et tout et donc, il essaye de, de, de voilà, de s'approprier toutes ces choses-là pour euh, pour essayer de revenir sur le devant de la scène et de trouver des financements. En vérité, ça, c'est son discours. Je sais pas du tout où il en est pour de vrai, quoi. Ce qui est fou, c'est voir ce mec qui a quand même fait les films dont on vient de parler, qui a été une star énorme de la pub et de la et du clip, et, euh, et qui soit là. Enfin, merde. Enfin, je sais pas quoi. C'est quand même un mec qu'il faudrait. Euh, Ouf, je ne comprends pas qu'il qu soit un peu un peu soutenu. Enfin, c'est sur Alice, quand même. Quoi. Il, a, il a annoncé en fait euh, dans une de ses interviews qu'on voit sur YouTube comme ça, euh, souvent en fait en, en, en Zoom. Hein. zoom ouais. euh, il a annoncé en fait qu'il allait bosser sur, enfin bossait sur une série Dark City, euh, qui euh, comment dire, euh, qui pour lui en fait pourrait potentiellement se monter dans le sens où c'est euh, ça part en fait d'un matériau préexistant en fait puisque mmh. c'est toute, toute la problématique de, de, du cinéma actuel mmh. quoi. Euh, je sais pas si c'est une bonne idée non plus, mais en plus il dit qu'il est vraiment dans les prémices du, du projet. Quoi. Mmh. Donc il euh... le, le, y a un truc à, 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 avec presque qu'on n'a pas dit sur uh, Gods of Egypt, c'est que quand le film s'est fait défoncer quand il est sorti et tout. Lui, il a pris la parole sur les réseaux sociaux, en fait, pour insulter tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de oui, ça. Oui, c'était cool. Et, euh, <laughs> et il avait, il avait euh, voilà, il est dit, mais allez vous faire chier foutre, c'était très violent, quoi. Euh, moi, je l'ai fait, le film, et tout, vous savez pas ce que c'est, et tout. Et en fait, c'est une des choses qui lui a valu, euh, enfin, le probe, et le fait qu'il soit hyper mal euh, perçu, en fait, par tout le monde, quoi. Je veux dire, il, a, il, a, il est en train de payer pour tout ça, quoi, hein, je pense. Hein. Et ça, je pense que ce n'est pas anodin du tout. Je me rappelle qu'il y avait des... Moi, je suivais Collider à l'époque. Oui. Par exemple, il y a des mecs qui avaient fait carrément une vidéo ouais. pour les répondre, quoi, pour ouais. dire Monsieur Proyas, on ne se comporte pas comme ça. Et en même temps, tu as envie de leur dire Mais il y en a combien des réals aujourd'hui dans ce monde Qui, qui, qui ouvrent un, peu, hein. qui ouvre un qui, peu leur qui, gueule. Qui, qui disent juste, un bout d'un bon moment, il laisse lui avoir un cri du cœur. Putain, le mec, il en a ouais, chien pendant. Puis, je sais bon, pas combien d'années. Collider qui fait ça alors que les mecs, ils ont mmh. des milliards de titres putaclic. Oui, après, c'est un autre problème que ce soit Collider. Mais même en dehors de C'est surtout que c'était un coup de colère qui renvoyait un peu les gens à la. Comment dire à leur médiocrité de spectateur C'est-à-dire au fait, et même ne c'était pas cité explicitement, mais il, il renvoyait à ce que le, au fait que son film s'était fait défoncer en, en mode. Mais vous, vous, vous voyez ce que vous bouffez à côté Enfin, genre, euh, il est hyper hyper critique hein. sur Marvel, hein, lui. C'est violent là Ceci dit, ce, là ceci hein. dit euh, tu vois, euh, je veux dire, euh, ça c'est une conversation qui est encore différente parce que nous on tape sur Marvel évidemment depuis machin mais même sans parler de Marvel oui, mais on, ta parler on tape Star sur Marvel War. parce que c'est évidemment parce que moi je préfère me taper God of Egypt que Star Wars épisode 7. parce que c'est de la lessive hein parce que c'est du, 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 du dissolvant industriel oui, 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 Raph, mais le truc le euh, truc c'est que le, même... le film un, 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 encore une fois A4, euh, encore une fois on a à, à capture on a je crois qu'on n'a jamais défoncé un mauvais film qui nous semblait venir un Peu du cœur, quoi, si tu veux, oui, euh, mais, mais donc mais... Euh, en, re en reconnaissant qu'il était mauvaise qui et qui ose, voilà. Mais le truc en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est encore un autre discours parce que en, ce que je veux dire, c'est que là, les gens ont peut-être oublié hein, qu'ils ont, qu ont adoré épisode 7, mais ils ont adoré épisode 7 quand c'est sorti. Ils ont adoré épisode 7, tu pouvais pas dire du mal d'épisode 7. Donc à un moment donné, en fait, on est là en 2024, le film il est sorti il y a 9 ans, faut rappeler ces évidences là aussi parce que c'en était une, tu, tu veux dire. Nous, quand on a chié dessus à l'époque, en fait, on était littéralement les seuls, quasiment, quoi. Et le truc, c'est que, en fait, en gros, tu peux revenir à l'émission de l'époque, l'écouter et dire ah ouais, en fait, il l'avait déjà dit. Si tu as un peu de comment dire d'honnêteté intellectuelle, c'est ça le truc aussi. C'est qu'en fait, il y a une problématique d'honnêteté intellectuelle quand tu regardes un film comme Gods of Egypt. En fait, justement, tu prends ça pour un truc de débile mental. Pourquoi plus Gods of Egypt que Star Wars épisode VII De, de, <laughs> de débile mental. Mais... Oui, bah, si tu veux, ouais. <laughs> Il y, a, il y a quelque chose de sans PowerPoint, tu veux dire. De moins calculé, en fait. Ouais, c'est Sans l'esprit, voilà, quoi. Enfin, c'est pas, pas calculé, ouais. quoi. Et lui, il, est, il a un truc comme ça. Suivez-le, regardez ce qu'il est en train de faire. Intéressez-vous ouais. à, à, à ses projets après, parce que c'est vraiment intéressant. Et il vous fait, verrez que. que, que il voilà. fait partie de ces mecs qui réfléchissent à euh, qu ce que ça va devenir, -ce, ce, que ce, voilà. ce, ce, ce truc. L'analogie que je faisais tout à l'heure avec Marc Caro, je pense qu'elle est encore plus affirmée dans ses tentatives, dans ses expérimentations qu'il fait ces derniers temps. Et pour, juste même pour, vrai. pour terminer sur, les, sur la problématique <laughs> du cri du cœur dont tu parles aussi, c'est que je pense en fait justement que Collider enfin ou les gens en fait de ce story là font partie du problème. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est eux les amnésiques qui oublient mm. qu'ils avaient adoré euh, épisode 7 à l'époque aussi. Donc c'est ça le, le, le truc. Quoi. Oui, qui crient un au mouvement génie quand euh, DJ quand Abrams, euh, en gros, il, il, il est en train de t'expliquer qu'il ne fera pas comme la prélogie Star Wars, alors que c'est les mêmes qui défendaient. Euh, l'attaque La des clones en disant oh, putain c'est le meilleur depuis l'Empire contre-attaque voilà. mais mais le non non mais ça c'est un... c'est clair mais ce qui était intéressant quand même de, de parler de Proyas en dehors de revenir sur cette si, cette filmographie euh, euh, extrêmement cabossée <laughs> mais euh, néanmoins attachante avec des des vrais euh, beaux morceaux de, de cinéma dedans et puis un vrai classique et un, un vrai, vrai, classique, un 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 vrai for film formidable quoi c'est c'est aussi de faire un état des lieux sur tout ce que c'est devenu c'est-à-dire que des créateurs de formes, des mecs qui testent comme ça, ils vont où aujourd'hui Déjà, on a beaucoup, beaucoup tapé sur le clip, sur la pub et tout, en disant, ah, c'est le film de Clipper, machin et tout. Je me rappelle, les années 90, tout le monde te disait ça, en fait, dès qu'il y avait un film qui était testé des mouvements, des machins, et tout. Et en même temps, t'as envie de dire, aujourd'hui, ce genre de mec, il va où Il fait quoi, en fait, à l'Express Mais heureusement, moi ça fait partie des gens pour qui je me dis, putain... Mais oui, c'est cool les IA et ça se trouve, il va réussir à refaire un truc avec les IA. Ce sera peut-être juste un court métrage, mais ça fait rien. Son autre cours, il était super. Donc ouais, moi, je serais bon. content de voir un truc comme ça, ça de, verra, de Alex ouais. Proyas. Et, et, euh, et, 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 et par contre, tu te dis, mais il, donc il s'exprime où en dehors de ça S'il n'avaient pas pas... Cette démocratisation extrême, en fait, grâce à, à, à ces outils-là. Ouais, c'est un peu la même logique aujourd'hui. Blomkamp, en fait. Oui. Hein, que, ça. Euh, Sauf que bon, lui, il est, il est légèrement revenu avec un ouais. film <laughs> studio, mais euh, qui est pas, euh, comment dire. Non, non, mais c'est effectivement une carrière qui ressemble à celle de Proyas, celle de Blomkamp. En tout et cas, donc on, on a fait de... un épisode. Voilà. Voilà. Bah, oui. Ce qui nous permet de boucler la boucle. On aime bien les causes perdues comme ça. Voilà. <laughs> c'est un peu ça. Bon, hein. bah, on va bouger parce qu'on a fait plus de 3 heures là. Ouais, ouais. Ah ouais. Bon, d'accord, il est pas content aussi. Bah, c'est pas que je suis pas content, c'est que bon. Parce en... qu on a dit euh... qu'il était égyptien. Mais l'égyptien en même temps. Hein, ah, il est né à Alexandrie. Et en Alexandrie, ouais. Bref. Merci messieurs. Ah, j'ai chopé une touriste avec son oeil, mais je raconte parle même pas du presse frais. Le podcast n'est pas encore fini. Ah euh... oui, merde. Ah non, juste encore. <laughs> On n'a pas dit au revoir. Alors qu'est-ce que si tu voulais nous raconter ton temps Ah mais j'ai perdu voyage kilos, le cas sur le ça. J'ai dit non mais j'ai eu peur. Hein. <laughs> non, au bout d'un moment, euh, ça fait rigoler oui, le caca et tout. Ah non non mais c'était dingue quoi. C'est vrai fait... qu'il n'y avait pas de point de caca, t'étais super tranquille et, et tout. Mais non, j'ai pas osé. Voilà. Et voilà, et d'un seul coup j'ai tout lâché. Dans le Nil Bon merci messieurs <laughs> j'ai failli un moment <laughs> Ça bon suffit bah, il pas y non, Derrière des tas d'ordures en fait J'étais perdu dans le souk Un grand moment de solitude La misère totale quoi C'était mon Vietnam C'est là où il a croisé C'est là où il a croisé Gérard Butler <laughs> Ah bref <laughs> bon, on, va... on va sortir de scène. Alain, tu ne m'en voudras ouais. pas. Je te remercie, mais tu ne m'en voudras pas de ne pas faire les, les, les comment dire euh, les sorties de scène d'usage. Tu vois, on vous retrouve la prochaine fois avec si un, vous êtes un autre suivi quoi. Jusque là, a À la prochaine si avec le numéro. On peut être repris vous plaît. On se retrouve la prochaine fois avec l'épisode 40 Ouais. Voilà, et là on a une petite surprise pour un petit spécial ouais. voilà à bientôt.